Hello, ça y est, nous voici à présent en live. Alors attendez, je fais deux, trois petits trucs. Tac, tac. Ok. Donc, hop. Bienvenue à tous, on est bien en live. Alors je vais faire un petit peu le tour de la console. Vous êtes 137 connectés en ce moment. Waouh! Merci, j'ai beaucoup de gratitude pour vous, pour votre confiance. Si vous êtes là, génial, ça me fait très plaisir. Je vais pouvoir impacter 137 auditeurs actuellement. Je vais tester mon matériel tout d'abord. Donc s'il vous plaît, dans le chat, si vous me voyez bien. Et si vous m'entendez bien tout d'abord, marquez dans le chat son OK. Si vous me voyez bien aussi, marquez image OK. Et là, je vais partager mon écran. Et si vous arrivez à lire les slides, vous allez écrire dans le chat slide OK, s'il vous plaît. Tac. Tac. OK. Je regarde ce que ça donne dans le chat. Donc. Ok, c'est bon, je vois vos premiers messages, sont ok, images ok, sont ok. J'attends les slides, dites-moi comment c'est. Donc, on est bien en live, mais sachez qu'il y a environ entre 30 et 60 secondes de latence entre le moment où moi je vous parle et le moment où vous me voyez. Pour le moment, j'ai pas encore démarré, donc là, j'ai un autre ordinateur juste à ma droite qui me permet de regarder le chat, mais sachez que pendant la présentation, bah, je vais être concentré sur ce que je dis. Donc, je pourrai pas regarder sur le chat et c'est inutile de vous exciter. Réponse si t'es en live, réponse si t'es en live, réponse si t'es en live. Sinon, bah, il y a Hamza qui me seconde en régie, qui bannira bah, ceux qui s'excitent. Ok, donc son ok, slide ok, génial. Dites-moi d'où vous venez, comme ça je vais vous saluer personnellement et vous pourrez vérifier que vous êtes bien en live. Je vais consacrer seulement 2 ou 3 minutes juste pour prouver, pour vous remercier aussi bah, de la gratitude que j'ai pour vous, de me faire confiance et d'être présent en ce moment-là. Si vous êtes sur ordinateur, sur téléphone mobile, je vous conseille, je vous déconseille même de, enfin je vous conseille de quitter votre smartphone et de vous connecter depuis un ordinateur. Pourquoi? Parce que si vous êtes connecté depuis le mobile, vous risquez d'avoir, un, une panne de batterie, deux, vous n'allez pas réussir à lire les slides parce que l'écran est trop petit, trois, vous allez tout le temps être dérangé par un tas de notifications. Prévoyez minimum 2 heures sans être dérangé, c'est-à-dire prévenez madame, prévenez monsieur, prévenez les enfants, prévenez qui vous voulez, que personne ne vous dérange. Ça va être très dense, d'autant plus que donc j'ai réduit la durée de la conférence, ça va aller vraiment très très vite, je vais partager avec vous beaucoup de valeurs pour vous impacter au maximum. Attendez, je vais fermer la porte là. Hop, fait froid dans mon bureau là. Si vous avez des questions, notez-les dans le chat ou notez-les dans une feuille de papier si le chat est désactivé. Pourquoi? Parce que j'y répondrai à la fin. Et je veux que vous sachiez que, en général, les gens me payent 2000 euros de l'heure pour que je réponde à leurs questions. Donc profitez-en. Là, je vais me mettre à votre disposition pendant. Une courte période pour répondre à toutes vos questions sur l'entrepreneuriat, le business. Enfin, si vous restez jusqu'à la fin de la conférence, vous pourrez télécharger les slides. Alors, je parle de rester jusqu'à la fin, réellement, d'accord? Juste avant que l'on quitte, que l'on raccroche, j'enverrai une notification pour que vous puissiez télécharger les slides. Donc, en attendant, de vous dire à qui s'adresse cette conférence, je vais regarder le chat et je vais vous souhaitez la bienvenue. Alors, je vais désactiver le partage d'écran aussi, tac. Parce que je pense que pour le moment, facecam, on est bien. Alors, je vais remonter, tac, tac, beaucoup de messages. C'est génial. Ok, slide ok, slide ok. Donc, on a Maurice, Olivia, Smina, France, Apatsk de Limoges, Jacqueline, slide ok, Saïd de La Réunion, Christiane qui dit son ok, Andrea. Maurice, alors attendez, vous savez quoi? Vous êtes vraiment nombreux. Il y a Philippe de Paris, il y a Abdou de France, il y a Shérif, il y a Jean-Yves Gros Désir, il y a Candide de La Réunion, Yves de France, Mina de Paris, Saïd de La Réunion, Mohamed de Paris, Karl de Région Parisienne, Jocelyne de La Réunion, Olivia des Vosges, Christiane de Paris, Mathias de La Réunion, beaucoup de monde de La Réunion, Lionel de Martinique, Jean-Yves Gros Désir de Guyane française. Christian de La Réunion, Frédéric de Denia en Espagne, Elvis de Martinique, Géry de La Réunion.
Sandra de La Réunion, France de Toulouse, Jacqueline qui dit bonjour de France, Chat qui est en France, Apat qui est en France, Saïd à La Réunion, Frédéric sur ordi mais ça bug. Alors Frédéric, s'il te plaît, dis-moi ce qui bug dans les commentaires. Hamza, s'il te plaît, j'aimerais beaucoup entendre ta voix et que tu me dises si tout est OK ou pas. Tac, ouais, j'ai bien le son. Il y a Saïd, Arsène de La Réunion, Chat qui dit les slides sont un petit peu flous. Alors, c'est vrai que c'est pixelisé. Normalement, pourtant, j'ai une super connexion. Alors, attendez, Donc, on est bien en direct. Hein, ça fait partie des aléas des directs. Est-ce que ma caméra, elle, vous la voyez bien, s'il vous plaît, ou est-ce qu'elle est pixelisée? Tac. Donc, on a qui d'autre? On a Akad Belgique, Mohamed qui habite à Paris, Philippe qui dit Rudy est flou. Il y a Sully de Martinique, Lille, c'est un peu flou. Enfin, Yannick de Lille, Daniel du Loiret, Andréa de Martinique, Enrique de Guadeloupe, Alvin de La Réunion, Jamel de Guadeloupe, Hassan de Gagny, Jacques de Paris, Jean Enoch de Guadeloupe. Et Smina, c'est vrai, l'image est un petit peu floue, c'est pixelisé. OK, alors qu'est-ce que je peux faire pour ça? Regardez, j'ai un autre ordinateur en backup. Hop. Voilà, je suis ici. Là, il y a le nouvel ordinateur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rafraîchir l'écran sur l'ordinateur qui est face à moi. Que la qualité de l'image est beaucoup mieux à nouveau. Ouais, ça a l'air d'être good. Je vais désactiver cette caméra. Hop, hop. On va faire ça. On va faire ça et on va pouvoir démarrer. Alors, comment je fais? J'enlève ça, ça me gêne. Ma caméra, pourquoi on la voit pas? Si je fais ça. OK. Donc, voilà, apparemment, le son est beaucoup mieux maintenant. C'est génial. L'image aussi, ça a bien marché de rafraîchir. Alors, je suis un peu perdu avec les deux écrans. C'est parfait. Yannick qui dit c'est parfait. Shérif au top. Super. On va pouvoir commencer. Vous êtes désormais 168 connectés en live. Un beau dimanche. Il y a plein de gens qui profitent la vie ou alors qui vont se reposer et vous, vous êtes là en train de vous former. Donc, félicitations. Merci. J'ai beaucoup de gratitude de voir des gens comme vous, en fait, qui se donnent les moyens, qui veulent améliorer leurs conditions. C'est ça ma mission, en fait. Je m'en suis vraiment fait une mission et donc pouvoir vous voir connecté comme ça, vraiment, ça me stimule. C'est marrant, là, le petit Rudy derrière moi, hop, inception. Voilà, je m'amuse. OK. Et si on entrait dans le vif du sujet? Donc, à qui s'adresse cette conférence? Cette conférence, elle est faite pour toi si tu es salarié ou entrepreneur et que tu en as marre d'échanger ton temps contre de l'argent. Si tu es frustré par la situation actuelle et que tu es vraiment décidé à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui t'a fait peur pour avoir une vie meilleure, cette conférence, elle est faite pour toi si tu es d'accord avec l'idée que tout ce qui va te rendre la vie meilleure et plus facile se trouve dans la zone d'ombre qui te fait peur. Et si tu veux des choses que tu n'as jamais eues, alors tu vas devoir faire des choses que tu n'as jamais fait. Cette conférence, elle est faite pour toi également, si tu es prêt à investir sur toi et à te mettre en mouvement vers une vie meilleure, parce que si tu es convaincu de l'opportunité que je vais te présenter. Si tu es d'accord avec ces déclarations, réponds-moi oui dans le chat, s'il te plaît. Tu es entrepreneur ou salarié, tu en as marre d'échanger ton temps contre l'argent, ou tu es frustré de ta situation actuelle et tu es vraiment décidé à sortir de ta zone de confort. Ou tu es d'accord avec le fait que tout ce qui va te rendre la vie meilleure et plus facile se trouve dans la zone d'ombre qui te fait peur. Ou que tu es d'accord avec le fait que si tu veux des choses que tu n'as jamais eues, alors tu vas devoir faire des choses que tu n'as jamais fait. Et enfin, mets-moi oui dans le chat, s'il te plaît, si tu es prêt à investir en toi et te mettre en mouvement vers une vie meilleure. À qui ne s'adresse pas cette conférence? Alors, attends, j'ai une télécommande là. Est-ce qu'elle marche? Ouais, elle marche. Génial. Tu peux tout de suite quitter cette conférence, en fait, si tu cherches une solution miracle pour devenir riche sans effort. Ça n'existe pas. Ça peut aller très vite, mais sans effort, ça n'existe pas. C'est pas fait pour toi non plus si tu refuses de sortir de ta zone de confort.
C'est pas fait pour toi. Si tu es opposé à ce que je te fasse une offre à la fin de cette conférence, ou alors que tu es du genre à ne jamais passer à l'action et à laisser les opportunités te glisser entre les doigts. Moi aussi, j'étais comme ça. Et en fait, tu vois, je pense qu'on fait tous des erreurs. Et c'est chouette de faire des erreurs, parce que quand on fait des erreurs, on apprend des choses. Mais faire plusieurs fois la même erreur, ça devient un choix. Donc, si tu fais le choix de faire plusieurs fois la même erreur, de te laisser glisser les opportunités entre les mains, tu peux gagner ton temps. Va jouer au foot, va regarder la télé, va voir Netflix, va voir YouTube. Tu passeras un certain ton temps sera mieux investi que si tu veux juste regarder sans passer à l'action derrière. C'est pas fait pour toi non plus si tu es un hater, c'est-à-dire que tu es là juste pour critiquer les gens comme moi qui essaient d'impacter leur marché. Moi, je vous reçois là, dans cette conférence, exactement comme si vous étiez chez moi. Donc, si mes règles ne vous conviennent pas, bah, tout simplement, allez-vous-en et gagnez du temps. Les règles de la maison, si ça plante, si le navigateur plante, rafraîchissez le navigateur. Et encore une fois, mettez-vous sur PC, d'accord ? Je vais vous donner une astuce. C'est que j'ai remarqué que les plus belles conférences que je faisais avec le plus haut niveau d'énergie ne dépendent pas de moi, ni du thème que je traite, ni de ma présentation, mais de vous. C'est-à-dire que même si je vais pas pouvoir lire le chat, plusieurs fois, je vais vous proposer d'interagir soit à travers des sondages, soit à travers des notifications où je vais demander de me répondre dans le chat. Eh bien, sachez que je me nourris de ça. Je me nourris de l'énergie que vous allez me transmettre. Et donc, si vous m'envoyez de l'oxygène, eh bien, croyez-moi que je vais partager avec vous, mais beaucoup plus loin que ce que je ne souhaite partager. Et en général, enfin, à tout le monde kiffe. Donc voilà, je compte sur vous. Dites-moi dans le chat si vous êtes prêt à partager, à me renvoyer ne serait-ce que 10% de tout ce que je vais vous donner. Voilà, sachez que cette énergie, ces échanges entre vous et moi, même si on a 60 secondes de latence, bah c'est ça pour moi les clés d'une conférence réussie. Moi, je maîtrise mon sujet. Vous allez voir que je vais partager vraiment avec vous des choses certainement que vous n'avez jamais entendu parler. À vous d'être une bonne audience. Soyez curieux et surtout surtout notez toutes les questions que vous pouvez avoir, ou même toutes les objections que vous allez rencontrer par rapport à ce que je vais partager avec vous. Parce que justement, mon but à moi, ça va être de vous mettre en mouvement et de balayer toutes les objections ou les croyances limitantes que vous avez quant à cette opportunité. Voilà, je vous le redis encore une fois, profitez-en. Habituellement, on paye 2000 euros pour répondre à des questions. Tout ce que je vous dis, c'est vérifiable. Vous pouvez aller voir sur mon site internet, grosshacking.expert, pour regarder mes offres. Vous allez voir que les gens, réellement, ils me payent 2000 euros de l'heure pour répondre à leurs questions. Donc, mes objectifs à travers cette conférence. Alors, on est comment au niveau timing ? 14h13, ok. Donc, mes objectifs à travers cette conférence. Un, c'est vous prouver que le meilleur moyen de gagner 10 000 euros par mois en partant de zéro, c'est l'opportunité que je vous présentais. Deux, c'est de vous prouver que c'est fait pour vous et que vous en êtes capable. Trois, c'est de vous donner des preuves concrètes et tangibles de gens qui vous ressemblent et qui vous disent combien ils gagnent, mais surtout combien tu gagnes si tu décides de saisir cette opportunité de dingue. Quatre, c'est de te mettre en mouvement vers une vie meilleure où l'argent n'est plus un problème à travers une nouvelle voie professionnelle. Et cinq, c'est de t'amener vers une vie dans laquelle tu vas pouvoir prendre ta revanche et montrer au monde qui tu es vraiment. Alors, qui suis-je et en quoi suis-je compétent ? Je m'appelle Rudy Somme, je monétise Internet depuis 2003 et j'ai une dizaine de sociétés dans plusieurs pays. J'ai personnellement recruté, embauché et formé plus de 700 salariés en CDI dans plusieurs pays et cumulé environ 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, peut-être que tu te dis espèce de mytho et que tu es sceptique. Et bah tu as raison d'être sceptique. Voici quelques preuves. Ça, alors là, je vais partager mon écran. Tac, c'est quand même mieux pour les preuves. Hop. Ok, donc on, moi je veux bien que ce truc là il s'en aille là. Alors attendez, ça bug un petit peu. Au moins vous voyez qu'on est en live. Hein. Alors vous savez ce qu'on va faire, c'est que je vais pas mettre un vrai plein écran pour les slides. Ok, on va rester comme ça. Je pense que vous arrivez bien à lire, a priori. Donc, peut-être que vous êtes sceptique et vous avez raison. Voici les preuves. Ici, là, le petit chinois, c'est moi. À l'époque, on fêtait les 3 ans de l'une de mes sociétés.
Et vous voyez sur la photo, en fait, il n'y a pas assez de place pour mettre tout le monde. Ici, c'est moi dans les bureaux de Facebook à Dublin et ainsi que dans les bureaux de Yahoo. Je vais vous montrer une petite vidéo parce que des photos, c'est très facile à tricher en fait. Ça, c'est rapido et comme ça, bah voilà, vous allez pouvoir voir à quoi ressemblent les bureaux de Facebook, mais aussi les bureaux de Dublin. C'est important pour moi de vous prouver tout ça, comme ça, au moins il n'y a pas de malaise, parce que c'est vrai que ce que je vous annonce, c'est prétentieux, c'est élevé, mais au moins voilà, vous savez que c'est vrai. Tac. Ah, vas-y Maïda, tu peux parler. Ah, j'ai pris la photo en bas. On va voir la France. Ouais. C'est les noms d'utilisateurs sur Facebook en France. Ça, c'est les hashtags qui sont en train de trender là en ce moment en live sur les plateformes. Ah ça, on peut pas le voir nulle part ça. Non. Bon pour Facebook hein, parce que j'ai pas envie de passer mon temps à vous montrer des vidéos de mes visites. Je vais vous prouver rapidement voilà qui je suis et puis après on y va sur la valeur. Pourquoi? Parce que je vais avoir toute votre attention. Donc là je vais vous montrer ma visite dans les bureaux de Yahoo et vous allez voir comment je suis accueilli comme un roi. C'est vraiment un truc. Bon voilà pour la vidéo de Yahoo et de Facebook. Alors je vois que vous êtes nombreux à dire écran noir. Bon bah zut, tout simplement. Si vous voulez des preuves, tout simplement vous allez sur mon compte Instagram ru.dy. Tiens, je vais vous montrer. Peut-être que ça marchera mieux comme ça. Instagram, hop. C'est marrant, tu vois, voilà. Quand il y a des bugs comme ça, souvent les gens ils paniquent. Et moi, tu vois, c'est vraiment quand il y a des bugs comme ça que ça se passe pas comme c'est prévu, que je trouve ça chouette. Alors regarde, tac, tac, je fais un partage d'écran ici. On va aller sur mon feed Instagram. Hop. Donc, on voit ton live, mais pas les vidéos, c'est pas grave. Alors, regardez, je vais vous montrer vite fait. Hop, on va tout en bas de mon feed Instagram. Profitez-en pour me suivre, ru.dy. Tous les jours, je partage mes stories d'entrepreneur avec du mindset, mes succès, mais aussi mes fails quand je rate des trucs. Et ça, en général, ce que vous aimez le plus. Donc, voilà. Ça, c'est ma visite dans les bureaux du siège mondial de Facebook à Dublin. À cette époque-là, j'étais dans les 20 plus gros annonceurs pour toute l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et tac. Ah, tu sais pourquoi? Parce que les chiffres qu'on trouve sur le web, je pense qu'ils sont vieux maintenant. Ouais, c'est pas renouvelé. Voilà, bon. Vous irez voir. Chose aussi chez Yahoo, à cette époque-là, je posais environ jusqu'à 12 000 euros par jour en publicité. Donc, j'ai des messages qui disent c'est bloqué, c'est pas grave. Écoutez, on va avancer. De toute manière, j'ai pas envie de parler de moi, j'ai plus envie de parler de vous ainsi que de mes étudiants. Tac, on change les slides, hop. Ah zut, il y a ce truc-là. Alors attendez, faut que j'attende que la barre aille jusqu'au bout et après elle va s'en aller. Donc,
donc, alors, qui suis-je? Voilà, j'ai recruté plus de 700 personnes en CDI en l'espace de 3 ans. J'ai aussi investi des millions d'euros dans la publicité en ligne, que ce soit chez Facebook, chez Yahoo, mais aussi plein d'autres régies pub. Et j'ai la chance de côtoyer beaucoup d'entrepreneurs à succès que peut-être vous connaissez. D'ailleurs, je serais très heureux que vous me disiez dans les commentaires qui est-ce que vous reconnaissez sur cette photo au milieu du Chinois qui tient la langue. Vous verrez certainement si vous les connaissez, Alec Horry, Robin Johnson, Julien Musy, Romain Caillé, Vincent Lévy, Théophile Elliette, Hamza Amin, Grégory Prouvost, qui est mon comptable. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. Je suis un vrai Mongolien, j'ai arrêté l'école à 14 ans et je fais 3 fautes par ligne. D'ailleurs, vous verrez certainement beaucoup de coquilles dans mes slides. J'ai été serveur pendant 10 ans et papa pour la première fois à 21 ans, puis à 23 ans. Et là, j'ai connu des grosses galères financières. À cette époque-là, donc j'étais serveur, je gagnais à peine 1500 euros par mois pour nourrir un foyer de 4 personnes dans un petit 2 pièces insalubre à Paris. Et en fait, pour la deuxième fois d'affilée, je me fais couper l'hiver, je me fais couper l'EDF en plein hiver, alors que j'ai des biberons à chauffer. Et là, il n'y a personne pour m'aider, ni parents, ni aide sociale. C'est toujours dur de partager cette période-là de ma vie un petit peu difficile. Et vous voyez, c'était vraiment difficile, mais ça a été aussi l'un des plus beaux cadeaux qui me soit arrivé, enfin que la vie m'a offerte. Pourquoi? Parce que voilà, je me disais, ok, qu'allait-il arriver si rien ne change? Est-ce que j'avais le droit de risquer de finir à la rue avec mes enfants? Est-ce que ils méritaient de vivre dans la misère et la pauvreté? Est-ce que c'était ça la vie que je voulais pour eux? J'avais partir en vacances et tout le temps leur demander de se contenter, de se limiter de ce qu'ils ont? Est-ce que c'était ça le modèle que je souhaitais laisser à mes enfants? Non, bien sûr que non. Alors j'ai pris des résolutions fermes, c'est-à-dire que j'ai décidé d'arrêter les excuses classiques qu'on se raconte dans ces cas-là, que je me suis raconté à l'époque où j'étais insuffisant, entre guillemets, et c'est peut-être les excuses que toi aussi, tu te racontes. Peut-être que tu te dis, t'as pas le temps, t'as pas l'argent, t'as pas l'énergie, c'est pas le bon moment, je le ferai demain. Ça, c'est les trucs classiques, en fait, que tout le monde se dit. Et en fait, non, pas tout le monde. C'est les excuses classiques que font les losers. Alors attention, il n'y a pas de jugement de valeur quand je dis loser. J'ai été un loser. J'ai été le pire des gilets jaunes. Les gagnants, eux, trouvent des solutions. Et on a tous la possibilité, justement, de choisir notre camp. Est-ce qu'on veut rester un loser ou est-ce qu'on dit, non, bon, j'arrête les excuses à la con et je passe du côté des gagnants. Les gagnants trouvent des solutions. Tu peux faire de l'argent ou trouver les excuses, mais jamais les deux à la fois. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends l'entière responsabilité de la situation. Je cherche des solutions à chacun des obstacles qui sont rencontrés. C'est-à-dire que si j'ai pas d'argent, je vais chercher de l'argent. Si j'ai pas le temps, je vais chercher du temps. Si j'ai pas l'énergie, je vais chercher de l'énergie. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et si tu ne trouves pas le courage d'arrêter de t'inventer des excuses pour toi-même, alors fais-le pour ce que tu aimes. Et je me suis toujours nourri de ça. C'est-à-dire que pour moi, j'arrivais pas à faire les choses. Mais dès lors que je pensais à mes enfants ou à la mère de mes enfants ou à ma famille, et ben là, ça me donnait le courage. Là, j'avais un courage et une énergie illimitée. Et aujourd'hui, c'est celui que vous voyez aujourd'hui. J'habite dans une villa de 450 mètres carrés sur le golfe le plus cher de Marrakech. Mes enfants sont en sécurité, bénéficient d'une pension à 3 chiffres chacun. Je travaille depuis où je veux, quand je veux, ce qui m'a permis de faire le tour du monde. Et j'ai pas fini d'ailleurs. Et je génère des revenus passifs qui me permettent de profiter de la vie et de m'offrir un petit peu tout ce qui peut me rendre plus heureux. Pourquoi je vous raconte tout ça? Les faux gourous sont nombreux et je tenais à être sûr d'obtenir toute votre attention. Mon but à moi, c'est de vous inspirer et de vous prouver que tout est possible. Si un Mongolien comme moi est mal parti et finalement a réussi, et ben alors toi aussi tu le peux. Parce que tout ce dont tu as besoin, c'est d'arrêter de trouver des excuses et de te donner les moyens en suivant ceux qui ont réussi. Et cette formule, elle fonctionne à tous les coups et absolument pour tout le monde. Parce que c'est pas que moi. Ça, c'est aussi mes étudiants qui obtiennent ce genre de résultats. Et vous allez voir, durant la suite de cette conférence, je vais partager des études de cas sur les résultats qu'ils obtiennent. D'ailleurs, ils vont te parler en vidéo. Et le truc encore plus fou, encore plus dingue, c'est vraiment hallucinant, hein, c'est que mes étudiants ont de meilleurs résultats que moi.
Tu vois, tu as plein de formateurs. On s'est dit, bon, il y a que le formateur qui gagne. Non, vous allez voir que mes étudiants ont de meilleurs résultats que moi. Hamza, remets le chat, s'il te plaît. Donc, est-ce que c'est ça ce que vous voulez? Est-ce que vous aussi, vous voulez justement passer de cette situation, de cet état où vous êtes aujourd'hui en galère, parce que vous avez, merci à tous ceux qui ont répondu au sondage, à la vie que j'ai aujourd'hui. C'est ce que je vais partager avec vous dans cette conférence. Je vais vous montrer comment moi j'ai fait, mais aussi comment les étudiants que j'accompagne font pour obtenir des résultats. Dites-moi si c'est ça ce que vous voulez dans le chat. C'est maintenant que vous pouvez m'envoyer de l'énergie et de l'oxygène. Je vais voir oui dans le chat. Donc, qu'est-ce qu'on va voir exactement? Secret numéro 1, vous allez voir les coulisses d'un business model peu connu et super rentable, bien vu par la société et même encouragé par l'État. Le pire, c'est que ce business model vous permet de générer des gros profits. Ça, il permet à n'importe qui de générer de gros profits et ainsi que des revenus passifs. Secret numéro 2, vous allez voir ce que vous cachent vos youtubeurs préférés. Et là, je sais que vous adorez les dramas. Super, je vois tous les oui, c'est génial, vous assurez. Vous allez découvrir les mythes et les croyances limitantes qui vous empêchent de réussir. Vous allez voir que la gloire et la fortune sont bien plus faciles, rapides et accessibles que vous le pensez. Je vous le répète, mettez-vous bien ça en tête. La gloire et la fortune sont bien plus faciles, rapides et accessibles que vous ne le pensez. Tout ce dont vous avez besoin, c'est le bon système. D'ailleurs, dans le secret numéro 3, je vais partager avec vous des études de cas concrètes de comment obtenir des résultats rapides et puissants, garantis en quelques semaines. C'est simple, vous risquez d'être choqué en voyant combien vous pouvez gagner. Donc, secret numéro 1, l'opportunité, les coulisses de ce business model peu connu, super rentable et bien vu par la société qui génère de très gros revenus passifs. Est-ce que vous êtes dans l'une de ces situations? Première colonne, tu es salarié ou alors tu vends, tu changes ton temps contre l'argent de ton patron. J'adore cette photo là, du métro, donc dédicace aux Parisiens, ligne 13. Moi, j'habitais à Clichy-la-Garenne à cette époque-là et ce métro était putain de blindé. Et le truc marrant, c'est que dans le métro, tu vois, tout le monde fait la gueule. Pourquoi? C'est normal. Comment tu veux ne pas tirer la gueule dans le métro quand t'as une vie de merde? D'accord? Si toi aussi, tu es comme ça, bah sache que moi aussi, j'étais comme ça. À l'époque où j'étais serveur, j'avais la coupure. Je partais le matin à 9h, je revenais à 15h, je repartais à 18h, je rentrais à 1h. Peut-être que tu as monté ta boîte déjà, que tu es consultant, prestataire de service. Pareil. Si tu vends, si tu échanges ton temps contre l'argent de tes clients, finalement, c'est un petit peu comme si tu étais salarié, tu vois. Il n'y a rien de pire que se mettre dans la prestation de service. Tiens, d'ailleurs, dites-moi dans le chat, s'il vous plaît, qui parmi vous est encore dans la rat race du salariat? Écrivez rat race si vous êtes dans le salariat. Peut-être que tu as essayé un autre truc. En général, les gens, quand ils veulent s'en sortir, ils cherchent des opportunités et là, ils tombent sur les MLM. Herbalife ou Amway, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ceux qui font du MLM, marquez-moi MLM dans le chat. C'est pire que le salariat, ce truc-là. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'explique en quoi je pense que le MLM est une arnaque. Pourquoi? Parce que tu travailles encore pour moins cher que le SMIC. Alors oui, il y a une poignée de personnes qui gagnent de l'argent avec le MLM. Mais la vérité, le MLM, c'est un super bon plan quand c'est toi qui crée le MLM. Peut-être que tu as essayé faire de l'affiliation. J'en ai beaucoup fait. D'ailleurs, honnêtement, j'ai fait des millions d'euros avec l'affiliation. Et dites-moi si vous voulez que je vous montre une vidéo qui vous le prouve dans le chat. À ce moment-là, je vous montrerai. Personnellement, j'ai pas trop envie de montrer, mais si c'est important pour vous, je vous le montrerai, pas de souci. L'affiliation, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que en vérité, tu engraisses quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que de nos jours, en fait, l'affiliation, déjà, il y a 10 ans, c'était facile. Tu vois, c'est comme le dropshipping. Il y a 10 ans, c'était facile. Car oui, le dropshipping, ça existait déjà il y a 10 ans. Et aujourd'hui, tu vois, pour réussir en affiliation, soit il faut déjà une grosse audience, soit il faut être très, très bon sur la technique et sur le marketing digital. Et honnêtement, c'est pas pour les débutants, l'affiliation de nos jours. Pareil, le dropshipping, tu vois, il y a 5 ans, c'était génial, c'était facile. C'était un jeu d'enfant de gagner beaucoup d'argent avec le dropshipping à l'époque. Mais maintenant, tout le monde a fait ça, tu vois. Et aujourd'hui, c'est difficile. Et peut-être que, justement, toi aussi, dites-moi dans le chat si vous avez fait de l'affiliation ou du dropshipping. Mais vous avez bien vu que c'est compliqué. Que avant, oui, c'était facile de faire beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, tu fais beaucoup de chiffres d'affaires. Et en fait, tu gagnes que dalle. Et le pire, moi, ça me fait marrer, c'est ceux qui disent « Ouais, on oublie le dropshipping, on fait du Amazon. » Non, mais avec Amazon, c'est tes commissions. C'est encore ridicule. Et au final, tu vois, quand tu es dans l'un de ces business models, que ce soit du MLM, que ce soit l'affiliation, que ce soit le dropshipping ou le e-commerce, en vérité,
excusez-moi les gars, je vais être un petit peu vulgaire, mais tu es au tapin, c'est-à-dire que tu travailles pour quelqu'un. Tu enrichis le business d'un autre. Tu n'es pas un entrepreneur, tu es un indépendant. Et ça, c'est très important justement, parce que l'indépendant, lui, il ne va jamais faire beaucoup d'oseille, tu vois, il va toujours rester limité à 1000 euros, 200 euros, 300 euros. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, hein, si votre but en participant à cette conférence, c'est un complément de revenus, gagnez votre temps, allez-vous-en. Moi, je suis pas là pour vous expliquer comment gagner 200 euros ou 300 balles par mois. Je suis là pour vous montrer comment créer et développer un vrai business rentable, stable et pérenne qui fait beaucoup d'oseille. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a des salariats, il n'y a pas de MLM, il n'y a pas de dropshipping, il n'y a pas d'affiliation. Ah si, il y en a un qui fait du MLM, ok. Peut-être que sinon, tu as essayé une autre de ces opportunités qui consiste à investir tes économies dans la bourse, le forex, l'immobilier ou même le bitcoin. Tout ça, c'est bien, mais c'est pas quelque chose qui va te rapporter de l'argent tout de suite. Déjà, l'immobilier, c'est à long terme. La bourse, honnêtement, c'est pas comme ça que tu vas vite t'enrichir. Et le crypto-monnaie, encore moins d'ailleurs. Ok, le bitcoin, il y a quelques cryptos qui sont très sérieuses, mais il y a énormément d'arnaques. Et honnêtement, tu vois, moi aujourd'hui, je ne conseillerais pas à mes enfants d'aller là-dedans. Je leur conseillerais de créer, de développer un vrai business rentable. Et le pire de tout, peut-être que tu as essayé de monter un business dans le dur, un restaurant, un commerce de proximité. Et là, bim, tu te prends le corona dans la gueule. Merci, au revoir. Tout ça pour quel résultat? Bah, tu as perdu du temps, tu as perdu de l'argent. Et peut-être que tes proches, justement, ils se moquent de toi parce que tu as gaspillé toutes tes économies. Peut-être que tu subis le regard des proches qui se font une joie de te rappeler « je te l'avais bien dit, je t'avais prévenu ». Ou peut-être que tu t'es fait violence et que tu as essayé de faire preuve de discipline pour bien faire le job et réussir, sans résultat. C'est pas de ta faute, en vérité, c'était perdu d'avance. L'éducation, on t'apprend à être soumis aux autres et à exécuter au lieu de créer ta propre richesse. Résultat, bah, tu fais des études et tu vas dans le salariat. Je vous raconte une anecdote. À l'époque où j'essayais de m'en sortir financièrement, où j'étais vraiment en galère, j'ai tout fait pour être le meilleur des serveurs et je suis devenu le meilleur des serveurs. C'est-à-dire que je renouvelais mes tables plus rapidement que tout le monde et j'avais un ticket moyen du couvert qui était bien plus élevé que tout le monde. J'avais gardé toutes mes caisses et au début du mois, j'ai montré toutes mes caisses au manager et je lui dis « Regarde, c'est moi le meilleur serveur, c'est moi qui rapporte le plus de chiffre d'affaires. J'arrive toujours en avance, je pars toujours après tout le monde, mais les clients, ils sont tous contents de moi. D'ailleurs, beaucoup demandent à ce que ce soit moi qui les serve. Je m'en sors pas financièrement, j'aimerais être augmenté. » Et là, la manager me dit « Ok, Rudy, je comprends, tu as raison, je vais voir le boss. » Et là, elle demande au boss et le boss elle revient vers moi. Elle m'a dit un truc. Et là, j'ai eu le flash, j'ai eu l'illumination. Elle me dit « Écoute, Rudy, le boss, je suis désolé, tu mérites, mais le boss, il a dit qu'il voulait pas t'augmenter. » Je lui dis « Mais pourquoi? C'est moi le meilleur. » Elle me dit « C'est ce que je lui ai dit. » Et il m'a répondu quelque chose de très sensé. Il a dit que si t'embauchais, ton travail, c'est de l'enrichir lui et pas lui qui t'enrichisse. Bim, je venais de découvrir la réalité du salariat. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose. Deuxième cause d'échec, c'est les parents. Nos parents, ils veulent notre sécurité et donc ils cherchent à te dissuader de prendre des risques. Mais si tu fais des choix faciles, alors ta vie sera difficile. Tandis que si tu prends des décisions difficiles, alors ta vie sera facile. Mais comment entrer en rébellion avec les parents? C'est dur, tu vois, c'est contre nature même. Ensuite, tu as les proches. Les proches, eux, ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Il faut voir la vérité en face. Ils veulent pas que tu aies mieux que eux. Même ceux qui sont bienveillants, en fait. Pourquoi? Parce que ta réussite, en fait, les renvoie à leur propre médiocrité. Et enfin, le classique, bah, c'est les vendeurs de rêves. Alors oui, vous pouvez dire que je suis un vendeur de rêves si vous voulez, mais moi, à travers cette conférence, je vais vous prouver tout le contraire. Les vendeurs de rêves, tu vois, qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est te vendre leur formation sans se soucier que leur produit soit bien aligné avec ton identité et tes objectifs. Et ça, c'est très important. Parce que justement, si tu t'es lancé dans le dropshipping ou dans l'immobilier ou dans peu importe X, Y ou Z et que c'est pas aligné avec qui tu es, et ben résultat, tu t'auto-sabotes. Je vais vous le prouver, on va parler de ça. Ben voilà, résultat, tu t'auto-sabotes en procrastinant. Et si tu es là dans cette conférence, ben c'est que tu ne veux pas... résultat, si, ouais, je me suis trompé. Si tu es dans cette conférence et que tu as saisi une de ces opportunités, c'est que tu as vu que c'était pas fait pour toi, tout simplement. Et que quand on se force à faire quelque chose que l'on n'est pas, bah ça ne marche pas, en fait, on s'auto-sabote. En réalité, ce dont tu as besoin, c'est d'un business model, d'une opportunité qui
qui te correspondent et qui soient alignés avec tes valeurs, qui t'apportent des résultats rapides sans avoir besoin de te forcer et qui est tellement rentable qu'elle te permet d'investir dans ta croissance. Est-ce que vous reconnaissez ces personnes? Quel est leur point commun? Je vous laisse 10 secondes pour répondre. Tiens, d'ailleurs, hop, je vais en profiter. On va passer sur la télé. Ok, marquez-moi dans le chat si vous les reconnaissez. Et vous allez me dire quel est leur point commun. Pendant ce temps-là, je regarde un petit peu vos messages dans le chat. Ok. Donc, on a qui ici? On a Jordan Belfort, Yomi Denzel, Tammy Cabbage, David Laroche, Trump et Tony Robbins. Donc, quel est le point commun entre tous ces influenceurs? Bah, c'est qu'ils vendent leur savoir, en fait. Ils vendent la formation. David Laroche vend de la formation. Et même Trump a vendu des formations en immobilier et dans la vente. L'industrie du savoir est en plein essor. Il y a une véritable opportunité. C'était un article de 2019 dans Forbes qui disait que en 2025, l'industrie du savoir représentera 325 milliards de dollars. 325 milliards de dollars. Et en réalité, ce business, il est génial parce qu'il ne connaît pas la crise et qu'il a même été accéléré par le coronavirus. C'est-à-dire que je sais pas si vous connaissez le logiciel Zoom. Si vous connaissez Zoom, marquez Zoom dans le chat. C'est un logiciel de vidéoconférence, en fait. Et pendant le corona, le premier confinement, Zoom s'est envolé de 1000% en bourse. Pourquoi? Parce que justement, ça a accéléré le truc et tout le monde comprend, en fait, que maintenant, en fait, tu commences à apprendre le jour où tu quittes l'école. Tout le monde, il y a une prise de conscience, en fait, que l'école, elle est buggée. C'est un ancien modèle qui est complètement périmé et qui sert à fabriquer des gens qui vont servir à rien. Tu vois, par exemple, il y a 15 ans, là, en France, il y avait une crise, il n'y avait plus assez d'infirmières. Et donc, il y a l'État qui avait subventionné les écoles d'infirmières pour recruter, former des infirmiers. Grosse campagne pub et tout ça. Les gens, quand ils ont été diplômés 6 ans plus tard, je sais qu'il y avait plus besoin d'infirmiers. Résultat, ils sont tous retrouvés au chômage. Et peut-être que c'est votre cas, vous les étudiants là. Peut-être que vous êtes conscients de ce bordel, de cette merde. Vous payez des écoles de commerce entre 6 et 15 000 euros par an. Vous faites ça pendant 5 ans. Au final, ça vous coûte entre 30 et 50 000 euros. Et vous arrivez dans la vie active, il n'y a personne qui veut vous embaucher. Voilà pourquoi l'industrie du savoir est en pleine croissance et a de l'avenir. Et le meilleur dans tout ça, tu vois, c'est que si tu veux bénéficier de cette opportunité et vendre ton savoir, bah, t'as pas besoin de diplôme, t'as pas besoin de compétences. Je sais, c'est contre-intuitif, mais je vais te le prouver. T'as pas besoin de bureau, t'as pas besoin de salarié. Et surtout, tu peux te lancer avec un très faible budget de départ. Je te laisse imaginer les bénéfices, en fait, quand tu bases ton business model là-dessus, sur la vente de savoir. C'est que tu es libre temporellement, tu es libre géographiquement, tu es libre financièrement. Et en plus, tu génères des revenus passifs. Et surtout, bah ça t'offre le plus haut niveau de liberté. Si demain, tu veux t'occuper de tes enfants, occupe-toi de tes enfants. Si tu veux voyager, voyage. Si tu veux investir dans des associations, investis. Si tu veux payer une maison à tes parents, fais-le. Et le mieux dans tout ça, c'est que ce métier rend heureux. Et ça, honnêtement, ça a plus de valeur que n'importe quoi. Donc, moi, je monétise Internet depuis 2003. Je suis expert en marketing digital. J'ai fait beaucoup d'argent en vendant du coaching de vie par téléphone, en faisant de l'affiliation sur une vingtaine de verticales différentes. J'ai fait du dropshipping, j'ai fait du e-commerce, j'ai fait du consulting. Et mon dernier business, avant de me lancer dans la vente de savoir, c'est que je générais des prospects. Je générais des fiches contacts, en fait, que je revendais à des compagnies d'assurance, de crédit, de défiscalisation, des promoteurs immobiliers aussi. Et donc, ça marchait super bien. Je faisais beaucoup d'oseille. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'en ai profité pour sortir de mon burn-out et faire le tour du monde. Et en fait, tu vois, je faisais bien de l'oseille, mais je sais pas, je me sentais vide à l'intérieur. Je m'ennuyais. Je me sentais pas rempli. Il n'y avait plus rien qui me motivait. Et donc, je me fais coacher. Et grâce à un coach, en fait, je trouve cette voie, en fait. Il me dit, ouais, pourquoi tu
pourquoi, qu'est-ce qui te motive? Je lui dis, partager. Il me dit, comment, qu'est-ce que tu pourrais partager? Je lui dis, bah, mon savoir. Et c'est là que je me mets à partager mon savoir. Je fais une première conférence. Je mets, je crois, 2500 euros de pub à cette époque-là. Et j'encaisse 14 000 euros. Et waouh, là, je me dis, putain, mais en fait, tu peux gagner de l'argent en impactant la vie des gens. Tu vois, moi qui avais vendu de la merde toute ma vie quasiment, d'ailleurs, vous irez voir sur ma chaîne YouTube où j'ai fait une vidéo où je fais mon coming out, tu vois, où je réalise que j'avais mal utilisé mes super pouvoirs. Là, je réalise que finalement, on peut gagner beaucoup d'argent tout en ayant de l'impact dans la vie des gens, en les rendant heureux. Et plus, en vérité, plus tu as de l'impact, et mieux tu es payé. Donc, combien je gagne à cette époque-là, donc c'est sur ces 12 derniers mois, vous voyez, j'ai fait 579 000 euros. Donc ça, c'est à l'époque où j'ai fait le screenshot. Là, ce screenshot, il a quelques semaines. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que, attention, ne loupez pas le train en marche. En vérité, on est à l'aube d'une nouvelle ère, là. Et ce truc-là, Hamza, remets le chat, s'il te plaît. Le coupage, je te dirais de couper le chat. Juste tu bannis s'il y a des haters, s'il y a des commentaires bizarres, tu les bannis. Ne loupez pas le train en marche, en fait. Aujourd'hui, là, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère et c'est l'opportunité de la décennie, très clairement, avant de ton savoir. Que va-t-il se passer si tu laisses le train partir sans toi? C'est simple, dans 5 ans, 10 ans, tu regarderas encore des vidéos sur Facebook, YouTube, Instagram avec des gens qui sont comme toi, mais qui, eux, se sont lancés, qui ont réussi et qui vivent ce que tu rêves de vivre aujourd'hui. Et là, tu vas te dire, je pouvais le faire, mais j'ai laissé passer cette opportunité. Sache que les regrets sont ce qui pèse le plus lourd dans la vie. Plus lourd qu'un trou noir. Il n'y a rien de pire. Enfin, tu vois, il y a un exercice de coaching que je fais dans mes formations, en fait. C'est l'exercice pré-mortem, en fait. Tu essaies de visualiser, en fait, genre les 60 secondes avant de mourir. Qu'est-ce que tu vas te dire? Donc, tu vas penser d'abord à ce que tu aimes. Et après, t'as pas envie de fermer les yeux en ayant des regrets, très clairement. Et tu vois, il y a déjà eu deux périodes qui ont fabriqué des millionnaires à gogo. C'est quand on a découvert le fer, les chemins de fer, l'électricité, la puce informatique, enfin les microprocesseurs. Et là, tu vois, il y a encore un nouveau truc, c'est l'industrie du savoir. Et c'est ceux qui vont se positionner maintenant, d'accord, qui seront les millionnaires de demain. Et vous allez voir qu'il y a de la place pour tout le monde. Absolument tout le monde. Là, je vous vois venir. Ah, mais non, il faut ci, ceci, il faut cela. Vous allez voir. Hop, on va se détendre. Je vais vous prouver que vous en êtes capable. Je vous rappelle, je suis parti de zéro. Je suis un vrai mongolien. J'ai arrêté l'école à 14 ans. Vous avez vu, je bafouille quand je parle. Je fais plein de fautes d'orthographe. Et pourtant, aujourd'hui, je fais beaucoup d'oseille. Je suis putain de riche. Voilà. Et je vais vous montrer que vous aussi, vous pouvez le faire. Alors, sondage. Est-ce que vous pensez que cette opportunité s'applique à vous? Est-ce que vous pensez que si vous arrivez à vendre votre savoir, ça pourrait vous changez la vie. Hamza, tu envoies le sondage. Donc, vous tous, là, regardez le sondage qui va apparaître au-dessus du chat. Et s'il n'y a pas de sondage, tout simplement, mettez-moi dans le chat. Oui, j'y crois. Voilà. Oui, j'y crois. Si vous pensez que cette opportunité, elle s'applique à vous et qu'elle pourrait changer votre vie. Enfin, dans le chat, marquez-moi. OK, je vois qu'il y a le sondage. C'est cool. Dans le chat, est-ce que vous voulez la suite? Montrez-moi que vous êtes motivé et que vous avez la dalle. Car cette conférence, elle n'est pas faite pour tout le monde, encore une fois. Je vous le dis, cette conférence, elle est faite pour ceux qui vont se mettre en mouvement, pour ceux qui ont la dalle, pour ceux qui veulent changer leurs conditions de vie. Vous allez voir que vous allez tout avoir, sans exception. Maintenant, prouvez-le-moi. Prouvez-moi que vous êtes digne, que je continue de partager cette valeur avec vous. Vous êtes en ce moment 249 auditeurs. Je veux que tout le monde lève son petit cul ou son gros cul et que vous écriviez dans le chat « Oui, je veux, oui, je veux, oui, je veux, oui, j'ai la dalle, ou n'importe quoi, montrez-moi. » Et moi, pendant ce temps-là, je vais faire des jumping jacks. Comme ça, je me monte en énergie et je vous envoie la guerre avec plein d'énergie, plein de motivation pour vous mettre en mouvement. Donc, je vois les réponses qui arrivent. Oui, je le fais, je suis donc à fond. La suite, Fred qui dit yes, celui qui dit oui, Mohamed qui dit la suite. Allez, défoncez-moi ce chat, avec la même énergie que vous voulez, que je vous donne de l'énergie et que je vous mette en mouvement vers cette nouvelle vie dans laquelle vous allez faire plein de fric, prendre votre revanche, fermer la bouche de tous ceux qui doutent de vous et montrer à vos parents et à vos enfants à quel point vous avez de la valeur. Oui, je veux, c'est fort ce que vous dites, même si la réussite n'est pas facile. Jérôme, non, la réussite n'est pas facile, mais tu vas voir que c'est juste une question de choix.
C'est juste une question de choix, une question de décision, une question d'engagement. Et je vais vous le prouver. Vous pouvez compter sur moi pour vous inspirer. Et je vous promets que tous ceux qui vont rester avec moi jusqu'à la fin de cette conférence vont vouloir et vont se mettre en putain de mouvement. Yes, yes, yes. Ah putain, voyez l'énergie là, que comment je monte en énergie? Bah ça, c'est grâce à vous, grâce à tout l'oxygène que vous m'envoyez dans le chat. Donc, secret numéro 2, les mythes, ce que vos youtubeurs préférés vous cachent. Vous allez voir que la gloire et la fortune sont bien plus faciles, rapides et accessibles que vous ne le croyez. Je lis dans vos pensées, je connais vos excuses par cœur parce que je suis passé par là. Peut-être que tu te dis, faut trouver la thématique rentable, c'est compliqué de se démarquer de la concurrence quand on débute. Ah, je veux bien, mais je me sens pas légitime, voire imposteur. J'aimerais bien, mais faut déjà avoir une compétence ou une idée de business. Ah putain, je vois tous les messages là, vous êtes trop kiffés, génial. Marquez-moi dans le chat laquelle de ces excuses vous correspond le mieux. Faut trouver la thématique rentable, c'est compliqué de se démarquer de la concurrence quand on débute. Je veux bien, mais je me sens pas légitime, voire imposteur. J'aimerais bien, mais faut déjà avoir une compétence ou une idée de business. Ah j'adore, je vois tous vos messages et tout. Vous êtes géniaux. Alors, secret numéro 2, une belle histoire pour illustrer mes débuts en tant que blogueur. Donc, à cette époque-là, donc je galère financièrement, je me fais couper le dev. Franchement, c'était violent comme épisode. Violent, mais vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, donc je me suis fait couper le dev pour la deuxième fois en plein hiver alors que j'ai des biberons à chauffer. Et à cette époque-là, j'avais l'impression d'être une merde en tant que père de famille. Mais je te laisse imaginer, enfin, ouais, je me sentais être une merde. Mais je vous ai aussi dit que c'était l'un des plus beaux cadeaux de la vie. Parce que vous voyez, j'aurais pu me suicider à cette époque-là. J'aurais pu tout abandonner. Et tu vois, qui je suis aujourd'hui, c'est grâce à ça. C'est cet événement, ces difficultés qui ont façonné ma personnalité et qui m'ont permis de devenir celui que je suis aujourd'hui. Et vous aussi, c'est pareil. Je sais que si vous êtes là, vous en chiez. Je sais que ce n'est pas facile. Et justement, appréciez la beauté, appréciez la difficulté actuelle pour vous mettre en mouvement. Donc, à cette époque-là, qu'est-ce que je fais? C'est que je crée un blog dans lequel, qui s'appelait discodog.fr, peut-être que vous avez connu, dans lequel je partage mon quotidien, mes peines et mes difficultés, ainsi que mes découvertes au fur et à mesure. Ce blog, en fait, c'est celui d'un serveur qui rêve de gagner sa vie sur le web. Tout simplement. D'ailleurs, qu'est-ce que je fais? C'est que je partage en fait donc tout ce que je découvre. Et là, je remarque plusieurs choses qui se passent. Le premier, c'est qu'il y a des personnes qui partagent ma passion, qui s'intéressent à moi. Donc moi, je vais partager comment gagner de l'argent sur Internet. Certains me suivent, d'autres commentent, tandis qu'un groupe d'autres blogueurs en fait et de professionnels, donc des pros qui gagnent déjà de l'argent avec Internet en fait, commentent les articles que je partage. Et me contacte même d'intégrer un forum privé, ce qu'on appelle un mastermind, un échange entre nous. Et là, en fait, tout s'accélère assez rapidement et on m'invite à participer à des conférences. Et je deviens l'un des experts francophones en référencement Google, les plus en vue. D'ailleurs, si je vous invite, un de ces jours, vous irez voir dans Google, vous tapez Rudy Somme référencement Google et vous allez voir qu'il y a même BFM qui m'avait fait un article. Et en fait, je reçois de plus en plus de demandes de prospects qui veulent savoir ce que je propose pour les aider. Au début, je rigole, puis je vois que leurs demandes sont sérieuses. Et là, vous ne devinerez jamais ce qui arrive. Les gens me proposent 2000 euros par jour pour les aider. 2000 euros par jour pour leur apprendre ce que j'apprenais, ce que je partageais sur mon blog au fur et à mesure. Vous imaginez ça un petit peu, la revanche sur la vie. Moi, le petit cassos là, qui gagnait le SMIC, qui se retrouve à coacher, en fait, des entrepreneurs, des gens qui étaient bac plus 5, plus 6, plus 7, et qui me disaient, Rudy, moi, ce que je veux, c'est que tu me désapprennes. Comment c'était possible? Tout simplement, en me formant. Et à cette époque-là, tu vois, il n'y avait pas les formations en ligne. Donc, j'étais obligé d'aller sur les blogs aux US, sachant que comme j'ai arrêté l'école à 14 ans, bah, je parlais très mal anglais. J'aurais pu me dire, ah ben non, mais comment je peux faire pour apprendre? J'aurais pu faire la victime. Non, bah, à la place, je suis allé chercher des solutions. J'utilisais Google Translate pour traduire les blogs en anglais. Et c'est ainsi que, à l'époque, j'ai appris à coder dans plusieurs langages informatiques, le marketing et même l'anglais. Moralité, t'as pas besoin d'être expert, en fait. Il suffit juste de te mettre en mouvement et de partager le plus possible. Qu'est-ce qui va se passer, tu vois, si tu partages, c'est que les gens qui sont moins bons que toi, ils vont commenter, ils vont te dire, ouais, c'est génial. Les gens qui sont meilleurs que toi, eux vont
ils vont apprécier en fait parce que tu vas confirmer ce qu'ils savent déjà et donc ils vont s'intéresser à toi. Et c'est les autres experts qui vont t'élever au statut d'expert en reconnaissant ta valeur. Comment? Parce que tu partages tout ce que tu sais et tu vas voir que c'est naturel en fait. Tu partages, tu as de l'impact et l'impact va te récompenser. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que tu vois, à l'époque dans mon ancienne vie, avant de vendre du savoir, tous les matins, je me levais le matin en posant la question, qu'est-ce que je peux faire pour aujourd'hui pour faire du cash? Et tu vois, depuis que je vends mon savoir maintenant, tous les matins, je me lève en me posant la question, qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'impact? Pourquoi? Parce que si tu cours après l'argent, l'argent, il va te fuir. Donc, tu vas devoir courir encore plus vite. Résultat, tu te fatigues pour gagner de l'argent. Tandis que là, on va penser à l'inverse. Au lieu de courir après l'argent, on va courir après ce après quoi court l'argent. Ok? Si tu as de l'impact, c'est de l'argent qui va courir après toi. Aussi simple que ça. Et vendre son savoir est le meilleur moyen d'avoir de l'impact et donc faire en sorte que l'argent court derrière toi. Et là, tu vas me dire, ah ouais, mais il faut trouver la bonne thématique. Alors, j'ai une devinette pour vous. Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de la vie? Je vous laisse répondre 3 secondes. D'ailleurs, je bois un petit peu. Quel est le sens de la vie pour vous? Et vous allez voir que ça va être très important. Ça va être décisif pour la suite et notamment pour votre business. Parce que dès lors que tu comprends le sens de la vie, vous allez voir que c'est un game changer. Et tu vas comprendre que là, tu vas dire, ah mais ouais, dropshipping, affiliation, MLM, tout ça, c'est de la merde. Dès lors que tu as compris quel est le sens de la vie et comment on va pouvoir l'utiliser pour avoir de l'impact et faire en sorte que l'argent vienne vers nous. Alors, je vois Jérôme qui marque dans le chat. Quand on est capable de payer 2000 euros par jour pour se former, c'est déjà pas mal. Alors, c'est pas moi qui payais à cette époque-là 2000 euros pour me former. C'est des clients, des lecteurs de mon blog qui me contactaient et qui me payaient 2000 euros pour que moi, je les forme, Jérôme. Donc, quel est le sens de la vie? Le sens de la vie, tout simplement, selon moi, d'accord, c'est la survie de l'espèce. Et de quoi dépend la survie de l'espèce? Bah, tout d'abord, excusez-moi, c'est en anglais parce que j'ai pris des schémas sur Internet. Wealth, c'est l'argent. Health, c'est la santé. Et relationship, l'amour. Pourquoi? Parce que sans amour, non, tout d'abord, numéro un, sans la santé, il ne peut rien avoir. T'es mort, on est d'accord? Sans l'amour, il ne peut pas y avoir de rapport sexuel. Il ne peut pas y avoir de reproduction. Et donc, pas de survie de l'espèce. Et l'argent, pourquoi? Parce que tu as besoin de l'argent pour la sécurité de ton foyer, de ta reproduction. D'ailleurs, en général, tu vois, si on devait mettre un ordre d'importance à chacun de ces cercles, moi, je dirais d'abord la santé en premier, l'argent en deuxième et l'amour en troisième. Pourquoi? Parce que bon, voilà, si t'as pas la santé, t'as rien. Et vient ensuite l'argent, parce que si t'as pas l'argent, tu ne peux pas prendre soin du foyer et du couple. Et d'ailleurs, il y a 2/3 des divorces qui explosent à cause des problèmes d'argent. Et donc, voilà, si tu veux vendre ton savoir, si tu vends, voici 3 thématiques vraiment pour faire des millions d'euros. Vendre son savoir, soit pour être en meilleure santé, soit pour gagner de l'argent, soit pour être heureux en amour ou dans les relations sociales. Et là, tu vas te dire, ah ouais, mais c'est extrêmement concurrentiel, c'est extrêmement dur. Oui, c'est vrai, il y a un seul Tony Robbins, oui, il y a un seul Tammy Cabbage, oui, vous voyez, il y a un seul leader dans chacune de ces thématiques. Mais, il y a des solutions. Comment on fait pour se distinguer dans un marché aussi concurrentiel que ces 3 thématiques qui font des milliards? Tout simplement, en fait, tu peux prendre n'importe quelle thématique et dedans, tu vas aller chercher un sous-marché. Par exemple, je crois que j'ai vous des exemples après, ok. Juste vous, je veux vous permettre de modéliser d'abord. Merde, on voit pas. Je vais partager les slides en fait. Je pense que ça serait mieux. Dites-moi ce que vous pensez. Maintenant, vu comment vous réagissez, j'ai l'impression que vous voyez bien sur l'écran. Donc c'est cool. Donc comment on fait pour se démarquer en fait et sortir du lot? Ici, on a les grosses 3 thématiques, santé, argent, finance, santé, argent et relations. Et en fait, à l'intérieur, il y a des sous-marchés qui eux-mêmes contiennent des niches à l'intérieur. Et l'idée, c'est de créer, de vendre son savoir, non pas
L'idée, c'est de ne pas faire une formation, par exemple, comment devenir riche ou comment être en amour ou comment être en bonne santé. Parce que ça, il y a trop de monde, en fait, c'est trop généraliste. L'idée, c'est d'aller dans les sous-marchés et de trouver des niches, des sous-niches, où là, on est sûr qu'il n'y aura aucune concurrence. Quelques exemples très concrets dans la thématique amour. Tu vois, tu peux faire une formation, comment trouver l'amour, comment récupérer son ex, comment sauver son couple ou son mariage, ok? Là, tu vois, on est un petit peu moins mass market. Mais on est encore sur des marchés concurrentiels qui sont pas assez spécifiques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller encore descendre d'un niveau. On va faire des formations, par exemple. Donc, je vous donne juste des exemples, d'accord? C'est juste des exemples. À vous de trouver vos propres idées. Comment trouver l'amour à 30 ans? Comment trouver l'amour à 40 ans? Comment trouver l'amour après un mariage? Comment trouver l'amour quand on est expatrié? Comment récupérer son ex quand on est entrepreneur? Comment récupérer son ex quand on est LGBT? Comment récupérer son ex à distance? Comment sauver son couple? Comment sauver son couple mixte? Comment sauver son couple musulman? Comment sauver son couple gay? Comment sauver son couple après le décès d'un enfant? Tu vois? Et là, d'un seul coup, ça devient facile de vendre des formations. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans cette situation vont tout de suite réagir à ton opportunité. Autre exemple avec la thématique santé, la beauté, perte de poids, jeunesse. Pour les niches spécifiques, on va faire, je sais pas, un produit, comment effacer les rides, comment maigrir après 30 ans, comment maigrir après 40 ans, comment maigrir après un accouchement, comment perdre du ventre après l'accouchement, comment maigrir quand on est entrepreneur, comment soigner les problèmes de prostate, comment retrouver votre santé à 20 ans quand vous avez eu 5 enfants et que vous êtes africaine, tu vois. Dès lors que plus tu es spécifique, en fait, et plus les gens vont se retrouver, en fait, dans ton impact, dans ta mission. Thématique argent, et qui, moi, ma thématique favorite, donc c'est pas la seule, hein, mais c'est ce qui marche le mieux, si vous avez la chance de pouvoir aller dedans. Sous-niche, investissement, compétences, métier. Par exemple, investissement. Comment investir, comment créer un patrimoine avec l'immobilier, avec Airbnb, en devenant marchand de biens, en vendant des immeubles de rapport, comment placer son argent dans la bourse, dans les forex, dans le crypto, etc. Autre chose, les compétences dans le marketing, tu vois, comment gagner de l'argent avec le dropshipping, comment gagner de l'argent avec le consulting, comment gagner de l'argent avec le commerce, le coaching aussi, comment devenir coach, comment améliorer ton mindset, comment devenir coach en amour, comment devenir coach en séduction, comment séduire un homme, comment séduire une femme, comment devenir beau. Vous voyez, les potentiels sont illimités, c'est juste infini. Et tu vas me dire que t'es pas capable de trouver ta place là-dedans. Pas de panique, je vais te montrer comment trouver justement. Tu le sais pas en fait. Vous savez, moi je me suis découvert un super pouvoir récemment, c'est celui de déceler les super pouvoirs des gens. Et un peu plus loin, on va faire un exercice ensemble qui va vous permettre justement de détecter quels sont un des super pouvoirs. Aujourd'hui, je sais réveiller plusieurs super pouvoirs chez toi, mais dans cette conférence, je vais seulement en débloquer un ou deux. Autre truc top du top, quand tu vas dans la thématique argent, c'est comment devenir n'importe quel métier. Ça, c'est parfait pour les entrepreneurs, en fait. Ça peut marcher aussi si t'es salarié, tu vois. Comment devenir fleuriste, comment devenir boucher, comment devenir restaurateur, comment devenir hôtelier, comment ouvrir un hôtel, comment devenir peintre, comment devenir artisan, comment ouvrir une pizzeria, comment monter son salon de coiffure, comment devenir esthéticienne, comment devenir thérapeute, comment devenir hypnothérapeute. Bref, tu vois, peu importe ton métier, en fait, il y a des gens qui seront prêts à acheter le système qui va leur permettre de faire le même métier que toi. Et là, je te vois déjà en train de te poser la question, comment faire quand on n'a pas d'idée? Il te suffit simplement d'aller chercher dans ton histoire, notamment dans ta propre identité. Voici ce qu'on appelle l'ikigai. C'est un concept japonais qui vient de la ville de Okinawa, qui est réputée, qui est appelée également la ville des centenaires. Pourquoi? Parce que c'est une ville où les gens vivent le plus longtemps au monde. Vous pouvez chercher dans Google Okinawa. Et en fait, ils ont une philosophie qu'ils appellent Ikigai. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai dit waouh, pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'école? C'est ça ce qu'on devrait nous apprendre à l'école, plutôt que les trucs à la con. L'idée, vous voyez, c'est rosace. En fait, c'est quatre rosaces. Ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin, et ce pourquoi vous êtes payé. L'idée, c'est de se poser la question, ok, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'adore faire? Alors,
Pas de panique, on va pas le faire maintenant. Restez jusqu'à la fin de la conférence, vous pourrez télécharger les slides. Hamza, tu penses à préparer le jeu de forme. Vous pourrez télécharger les slides pour refaire cet exercice. Et vous allez voir que là, on va déclencher un super pouvoir chez vous. Soyez vigilants. L'idée, exercice, étape numéro 1. Vous listez sur une feuille de papier tout ce que vous aimez faire, tout ce que vous adorez faire, que vous aimez tellement en fait, que vous pourriez le faire même si vous n'êtes pas payé. Soyez exhaustif. Une fois que ça c'est fait, vous allez regarder parmi tout ça, parmi tout ce que vous avez listé, ce pourquoi vous êtes doué, plus doué que la moyenne, ou alors même que vous adorez apprendre. Très important. Soit vous êtes spécialement doué pour ça, soit vous adorez l'apprendre. Et qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que une fois que vous avez compris quelles sont vos passions, on va aller chercher parmi vos passions quels sont vos talents, de manière à pouvoir utiliser ce talent. Et là, peut-être que tu te dis, mais mon talent ne sert à rien, il y a personne qui en a besoin, je ne vois pas ce que je peux faire avec. Dans vos passions et ce pourquoi vous êtes doué, notez qu'il y a ça peut être des expériences du passé, d'accord? Par exemple, je sais pas, si tu as survécu à un accident de voiture, si tu t'es remis d'un couple alors que tu as failli te suicider, si, tu vois, c'est pas forcément des trucs scolaires ou... Ça peut même être une passion, tu vois. Je sais pas, tu as été professionnel de judo ou quoi. Voilà. Tu peux même lancer une formation, enfin, tu vois. Tu as ton talent, en fait. Et l'idée, en fait, c'est qu'une fois que tu as découvert quels sont tes talents, c'est se poser la question, qui a besoin de ce talent? Qui a besoin de ce talent? Comment se sentent les gens qui n'ont pas ce talent que toi tu possèdes? En quoi ça les fait souffrir? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Que pensent ceux qu'ils aiment de lui, des gens qui n'ont pas ton talent? Et là, d'un seul coup, tu vois, dites-moi, confirme-moi dans le chat, si vous commencez à réaliser un petit peu à quel point l'école, elle nous trahit, elle nous raconte de la merde. Elle nous apprend pas, elle nous prépare pas à la réussite. Ah, on nous apprend des trucs qui servent à rien, mais c'est ça ce qu'on va apprendre. Pourquoi on est doué? Notez-moi dans le chat. Notez-moi dans le chat, s'il vous plaît, ce pourquoi vous êtes plus doué que la moyenne ou que vous adorez apprendre. Et ensuite, vous allez me dire qui a besoin de ce talent. Qui en a besoin? Une fois que tu as trouvé qui a besoin de ce talent et comment on se sent quand on n'a pas ce talent, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire quand on n'a pas ce talent, tu vas te poser la question, ok, cette personne n'a pas ce talent, si demain toi tu lui transmets, si demain tu fais un transfert justement de ton savoir vers cette personne, ça va changer quoi dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire qu'elle ne pouvait pas faire avant? Comment elle se sent? Quel impact ça a dans la vie de ceux qu'il aime? Et d'un seul coup, tu vois, bah, tu as une espèce de business model qui commence à se mettre en place. Ça, c'est ce pourquoi tu es payé. Et tu vois, il y a plein de gens en fait qui vont passer à côté de leur vie, qui échouent parce que justement, ils ne sont pas conscients de cette ikigai en fait qu'on devrait nous apprendre à l'école. D'ailleurs, on peut remarquer, tu vois, que ce que tu aimes avec ce pourquoi tu es doué, quand ça se croise, c'est la passion. Mais si il y a la passion et pas de business, attends. Voilà, si tu as la passion avec ton talent et que ça rencontre ce dont le monde a besoin, il y a plaisir, satisfaction, mais une précarité. Pourquoi? Parce que tu n'en as pas fait un business. Si tu croises ce que tu aimes avec ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu veux payer, ça crée de la satisfaction, de l'excitation, mais il y a un sentiment d'incertitude. Si tu mélanges ce dont le monde a besoin avec ce pourquoi tu veux payer et ce pourquoi tu es doué, mais que tu n'aimes pas, c'est confortable, mais il y a un sentiment de vide. Et tu vois, c'est ça ce qui m'est arrivé à l'époque où j'étais dans le marketing digital. Oui, je faisais de l'oseille, c'était facile pour moi, mais je me sentais vide. Et notez que si tu fais ce que tu aimes et que tu l'apportes ce dont le monde a besoin et que tu es payé pour ça, mais que tu n'es pas doué, c'est là que tu es un imposteur. Donc en fait, l'idée, tu vois, c'est de lancer un business en fait qui est dans ton ikigai, qui est dans ta zone de génie. L'idée, c'est de faire un travail que tu aimes, pourquoi tu es doué, ou alors que tu adores apprendre, de manière à ce que tu puisses te monter en compétence, que tu comprennes, que tu trouves quel est l'avatar qui a besoin de ton talent, et que tu en fasses un business. C'est aussi simple que ça. Alors, je vais regarder un petit peu vos commentaires. D'ailleurs, si vous voulez, à la fin de la conférence,
On fera une session questions-réponses. Vous marquerez, vous me direz vos talents, en fait, et je vous dirai si, selon moi, c'est une bonne idée, si c'est quelque chose que vous pouvez monétiser. Vous allez voir qu'il y a des surprises. J'ai un copain qui s'appelle Antoine Pédavin. Il me racontait, il est une de ses clientes, elle a 62 ans, et la meuf, elle fait des lives sur Facebook. Et elle vend des formations, qu'est-ce qu'elle vend? C'est des recettes de soupe de légumes. Et la mamie, là, elle se fait, c'est 10 000 euros par mois en vendant des recettes, des tutoriels, des cours de cuisine à base de soupe, quoi. Vous voyez? Je regarde un petit peu vos commentaires. Ok. Bah ouais, il y a des idées géniales, là. Ok, donc il y a Olivia et Chat qui disent que vous avez du mal. Ok, je vous invite tout simplement, reprenez l'exercice plus tard. Ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé. Je vous donnerai encore d'autres solutions un peu plus loin dans la conférence, comment on fait justement pour trouver son identité et sa mission de vie. Parce que c'est vrai que c'est pas facile, mais une fois que tu la découvres, je te laisse imaginer, demain, tu fais le travail que tu aimes, tu vois, un truc qui t'énergise, ça glisse tout seul, tu vois. Honnêtement, quand tu fais un travail qui te plaît pas, en fait, la plupart des gens, tu vois, sont ce qu'ils font. Par exemple, moi, à l'époque où j'étais serveur, je portais des assiettes. Donc, j'étais ce que je faisais, donc j'étais un serveur. J'étais pas épanoui, j'avais pas envie de me lever le matin, j'étais pas motivé. Et c'est normal, toi aussi c'est ton cas. Maintenant, tu vois, maintenant je fais ce que je suis. Tu vois, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est doué en marketing, en business, et dont la mission, en fait, c'est d'aider les autres personnes à créer et développer un business rentable. Et donc, en fait, tu vois, faire ce que je suis, c'est facile. Et c'est ça ce qui me permet d'avoir autant d'énergie. C'est ça ce qui me permet d'avoir la patate quand je vous parle. Parce que aujourd'hui, je fais ce que je suis. Et toute personne qui arrive à créer un business en faisant ce qu'elle est, bah, elle gagne des millions, tout simplement. Parce que ça glisse tout seul. Alors oui, c'est pas facile de trouver, ça demande du travail. Mais voilà, je vous ai donné un petit aperçu de comment on fait. Il y a d'autres solutions encore, on va voir ça. Voici l'histoire de Valérie. Donc, tiens, d'ailleurs, je vais devoir mettre une vidéo, j'espère que ça va marcher. Donc, je vais faire comme ça. Voici l'histoire de Valérie qui croyait être sans expertise et qui avait peur de montrer son visage. Elle rejoint l'un de mes programmes en fait à la base pour développer une boutique de dropshipping, croyant que c'est la seule chose qu'elle pouvait faire parce qu'elle était nulle en marketing. Donc à cette époque-là, je vendais une formation sur Facebook Ads. Et en fait, je l'appelle là et en traître, je lui pose les mêmes questions que je vous ai montrées avec l'Ikigai. Et là, vous ne devinerez jamais ce qui arrive. Alors attendez, je vais vous mettre son témoignage. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Chuck. Donc dans le chat, dites-moi si ça ne marche pas. Je verrai pour diffuser ça d'une autre façon. La formation de Rudy il y a maintenant 6 semaines et dès que j'ai activé le bon de commande, Rudy m'a appelé tout de suite après. Alors j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Ah, je vais essayer depuis un autre ordinateur, tiens. Tac, si j'essaie depuis cet ordi, on va voir. Donc, je pense qu'on a un bug là avec les vidéos. Ça ne marche pas. Ah. Okay. J'ai pris la formation de Rudy il y a maintenant 6 semaines. Et dès que j'ai activé le bon de commande, Rudy m'a appelé tout de suite après pour l'appel d'accueil. Et il m'a demandé quels étaient mon objectif. Je lui ai dit que je voulais juste booster mes ventes pour ma boutique e-commerce que j'ai montée il y a déjà 8 mois, qui n'arrivait pas à décoller. Et tout de suite, il m'a dit « Non, mais arrête tout de suite ça. Le e-commerce, ça va pas te générer de l'argent immédiatement. Si tu veux absolument faire de l'argent et du cash le plus vite possible, si tu veux que ta vie change en moins d'un mois, en moins de 2 mois, lance-toi dans le webinar. » J'avais vraiment, vraiment du mal à croire ce message.
Et encore plus, faire du webinaire, si je faisais du e-commerce, c'est parce que je, tout simplement, je suis pas à l'aise devant la caméra, je suis pas forcément à l'aise à parler comme ça et à me vendre en fait. J'avais cette peur incroyable. Il m'a convaincu que j'avais une expertise dans le domaine de la restauration. Et du coup, bah, je me suis lancée. Je me suis vraiment, vraiment. J'ai vraiment pris sur moi et j'ai lancé ce webinaire la semaine dernière. J'ai mis 1 700 euros de publicité et j'ai généré aujourd'hui en moins de 5 jours 6 000 euros. Donc c'est un petit succès à mon niveau, mais franchement, faire une telle marge en 5 jours, j'aurais jamais cru ça possible. Aujourd'hui, j'ai encore du mal à y croire. J'ai l'impression que c'est peut-être un coup de chance, alors que j'ai eu quand même pas mal de problèmes techniques pendant le webinaire. Ça a été catastrophique, presque traumatisant. Et là, en fait, Rudy me pousse sans arrêt, me challenge pour le lancer toutes les semaines parce que il est persuadé que ça va fonctionner. Et ça fonctionne parce que là, j'ai fait un plus qu'un, j'ai fait un fois trois, quoi. Donc, bah, j'espère que ça va donner des résultats encore plus forts. Et j'avoue que j'ai du mal à y croire tellement c'est hallucinant. Donc ça veut dire qu'en moins d'une semaine, j'ai fait 4 000 euros de bénéfices. Sans parler du potentiel des clients derrière qui vont sûrement prendre du coaching personnalisé, du mentorat, des prestations de design, des prestations de services divers et variés. Voilà, écoutez, je peux que recommander la formation et surtout le coaching de Rudy qui est quand même, oui, il a une manière directe, il mâche pas ses mots, mais au moins il vous montre la réalité en face. Donc voilà, bon courage pour vos projets. Bah, on est face à des bugs. Hamza, s'il te plaît, j'ai pris ce témoignage. Donc, Hamza, s'il te plaît, est-ce que tu peux préparer les vidéos sur YouTube des autres témoignages de manière à pouvoir les envoyer sous la forme de notifications qui vont apparaître sous le player de manière à ce que vous tous vous puissiez regarder les témoignages en vidéo. Non, vous savez quoi? Les témoignages en vidéo, je vous les enverrai par mail, d'accord? Comme ça, on va essayer d'être efficace. Et Hamza, s'il te plaît, tu as les slides, prépare les autres vidéos témoignages sur YouTube pour que tu me donnes les liens et que je puisse les envoyer en partageant mon écran sur YouTube. Alors, je vous préviens, ça risque de laguer, l'image va être caca un petit peu, mais ça va faire le job. Ok. J'ai perdu mes moyens, quoi. C'est cool les bugs, c'est amusant et tout, mais ah, envoyez-moi je suis en panique là. Envoyez-moi un petit peu de love dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce que c'est ça ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vivre la même histoire que Valérie, qui avait peur de montrer son visage et qui a pris 6 000 euros en 5 jours, après seulement 6 semaines de coaching? D'ailleurs, au passage, pour tous ceux, là, je regardais un petit peu dans le chat ce que vous racontiez. Si vous adorez conseiller, si vous adorez aider, c'est fait pour vous, quoi, vendre votre savoir. Je sais pas, tu vois, s'il y a des meufs parmi vous qui sont dans la beauté, vous adorez conseiller vos copines sur les histoires d'amour, sur leur relooking, tout ça. C'est que c'est fait pour vous. La vente du savoir, c'est fait pour les gens qui sont généreux, qui aiment aider les gens, qui aiment impacter. Si c'est ton cas, si tu adores aider les gens, si tu adores contribuer à l'humanité, c'est fait pour toi, vendre ton savoir. Donc voilà, Valérie, qui elle, bah voilà, elle était timide, elle n'était pas technique, elle avait peur de montrer son visage. Elle m'appelle avec son dropshipping, je lui dis arrête tes conneries, lance-toi vends ton savoir. C'est ce qu'elle a fait, boum, elle prend 6 000 et maintenant elle gagne beaucoup, beaucoup plus d'argent parce qu'elle vend même du consulting high ticket à 20 000 euros. Donc tu vois, tout l'avantage en fait de l'histoire de Valérie, enfin du témoignage de Valérie, c'est qu'il faut arrêter de chercher à vendre des choses qui ne nous correspondent pas. Soyez authentique, découvrez quelle est votre identité et façonnez un business à partir de votre identité. Et à partir de là, ça devient très simple, ça devient facile. Donc, sondage, est-ce que vous êtes capable vous aussi
de profiter de cette opportunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que oui, vous êtes capable de vendre votre savoir en utilisant votre identité, votre histoire, qui vous êtes vraiment? Est-ce que vous pensez que si demain, si aujourd'hui, vous n'avez pas trouvé encore votre identité, mais que demain, je vous aide à découvrir qui vous êtes vraiment, à découvrir quelle est votre mission et à créer un business à partir de votre mission, est-ce que vous aimeriez vendre votre savoir? Mettez-moi oui dans le chat, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin du même love que vous m'avez mis tout à l'heure. Vous êtes actuellement 292 auditeurs connectés en live. Et montrez-moi, envoie-moi la patate parce que j'ai plein de bugs là, je suis en baisse d'énergie. Montrez-moi du love, dites-moi si vous pensez être capable de profiter de cette opportunité. Ah, je vois qu'il y a un sondage, votez dans le sondage tout simplement. Et ensuite dans le chat, dites-moi, est-ce que vous souhaitez voir des études de cas concrètes où on parle d'argent? Là, ça devient intéressant. Ouais. Est-ce que vous voulez voir les études de cas concrètes où là, on va parler d'argent? Comment je fais? Je fais... Vous voyez, là, c'est Valérie, en fait, ici. Vous ne pouviez pas la voir tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Tac. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on parle d'argent maintenant? Je regarde. Oui, je suis dans cette vibration de transmission. Oui, c'est de la balle atomique, c'est de la bombe atomique. Ah, merci Amir, merci à Pat hein, qui dit un putain de gros oui. Frédéric qui dit oui, Anna qui dit oui, et Serge bien sûr. Al qui dit oui, je peux. Amir qui dit oui, on va voir. Sully qui dit oui, oui, oui. Allez, on lève ses fesses et on m'envoie de la patate pour que je vous envoie plein de patates. Rappelez-vous, ma mission aujourd'hui, c'est de vous mettre en mouvement, d'accord? Maintenant, c'est vous qui allez vous mettre en mouvement et ça commence par votre énergie. Donc, est-ce que vous-même, vous avez envie de vous mettre en mouvement? Si c'est le cas, répondez-moi oui pour que vous et moi, on continue dans les mêmes énergies que précédemment. Oui, oui, oui. Ah, génial. Mathias, Manon, Amir, Myriam, oui, Daniel, Saïd, Myriam, Jérôme, peut-être, mais pas de la même manière, mais oui, je le peux. Chat, je n'ai pas de savoir. Chat, tu veux un savoir, c'est juste que tu ne sais pas encore que tu as un savoir. Et justement, sache qu'il y a des techniques. Mais c'est ça... C'est ça qu'on devrait apprendre à l'école. Franck, Abdou, Frédéric, ok, super, génial. Allez, on continue. L'épreuve. Maintenant, on va voir comment faire pour encaisser le plus vite possible et être sûr que ça marche. Je vais partager avec vous 5 produits à vendre avant même de les avoir créés. On va avoir des études de cas concrètes de combien tu gagnes si tu décides de saisir cette opportunité. Il va y avoir des témoignages en vidéo. Hamza, s'il te plaît, tu prépares les liens YouTube. Je compte sur toi. Je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Il va falloir être rapide. Donc, l'erreur classique à éviter absolument et que font tous ceux qui veulent se lancer dans la vente de formation et de leur savoir et qui n'ont jamais vu ma conférence. La plupart des gens cherchent à créer le produit parfait avant de le vendre. Mais le résultat, en fait, et d'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé avec ma première formation, c'est que j'ai créé un produit qui ne répondait pas aux besoins de mes clients. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette fameuse formation Facebook Ads. La première fois, quand je l'ai créé, en fait, donc je vous ai dit, j'ai mis 2500 euros de pub. Moi, je ne sais plus combien, mais j'avais encaissé entre 14 et 17 000 euros. Première conférence que je faisais en ligne. Et donc, je vends ma formation Facebook. Et là où la plupart des formateurs, en général, ils vendent leur formation et puis après, tu te démerdes avec la formation. Moi, j'ai fait tout le contraire, en fait. J'ai appelé, en fait, tous mes clients pour savoir s'ils avaient du résultat. Et bien sûr, pour obtenir des témoignages. Et en fait, tous ceux qui m'ont dit non, j'avais pas de résultat, j'aurais demandé pourquoi. Et donc là, je comprends en fait que s'ils n'ont pas de résultat, c'est parce que donc moi, ma promesse, c'était les meilleures campagnes Facebook Ads du monde. Et très clairement, oui, je te le dis, hein, si tu suis mon système, t'as les meilleures campagnes pub du monde. Et donc je leur demande pourquoi ça marche pas. Et j'investigue en fait, je me renseigne, je vais voir et je me rends compte qu'en fait, ils ont pas de système de vente, ils ont pas ce qu'on appelle un tunnel de vente pour vendre. C'est-à-dire que ils envoient de la publicité vers leur site web, mais leur site web, ils vend pas. Et donc, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ajoute une formation tunnel de vente. Donc voilà, ça me demande du travail, tu vois, et puis un peu de stress et tout. Et donc, je leur donne cette formation, je les rappelle et je leur dis pour voir qu'il y a des résultats. Donc, il y en a là qui cartonnent et d'autres qui galèrent. Putain, merde, pourquoi tu galères? Et là, je découvre en fait que c'est leur offre qui ne répond pas à un besoin du marché. Alors, j'ajoute une formation création d'offre. Un mois plus tard, je rappelle tout le monde qu'il y a des résultats, qui n'en a pas. Et là, je découvre qu'en fait, c'est les gens, donc ils ont les super campagnes pub, ils ont les super tunnels de vente, ils ont les super offres, mais ils ont des problèmes de mindset. Alors, je rajoute une formation mindset. Et tu vois, justement, c'est ça le problème quand tu crées une formation et que tu vends après avoir créé. Tu es complètement déconnecté entre ce que tu pensais que
tes futurs clients avaient besoin et ce dont ils avaient vraiment besoin. Donc, l'idée, nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va vendre notre formation avant de créer. On vend la formation avant de la créer. Et au passage aussi, tu vois, l'autre problème, quand tu cherches à créer ta formation avant de la vendre, bah c'est que on est tous humains en fait, et on va tous chercher du perfectionnisme. Mais perfectionnisme, c'est le synonyme de immobilisme. Beaucoup de gens croient que le perfectionnisme c'est une qualité. Non, c'est pas une qualité, c'est un putain de défaut. Dites-moi parmi vous dans le chat qui est perfectionniste. Et le problème, tu vois, c'est que quand tu t'immobilises comme ça, bah tu risques d'abandonner et ou de te dire que ça marche pas. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hacker le système et qu'on va vendre notre savoir avant même de créer le produit. Et là, tu te demandes certainement, mais qu'est-ce que les gens peuvent acheter avant même que ce soit créé? Hamza, tu peux me raconter, me dire dans le chat si c'est bon, tu as eu le temps de préparer les vidéos YouTube ou pas, sinon je vais devoir improviser directement. Marque-moi dans le chat, Hamza, ou sinon tu m'envoies un message sur Telegram. Alors, attendez, j'ai mon assistant qui me dit... qui me dit qu'il n'a pas l'accès au slide. Ok. Alors attendez un instant. Voilà, au moins vous savez qu'on est bien en live. Telegram, non. Attendez un instant, c'est pour votre bien, je vous mets en suspense. Tac. Tac. Ok, Hamza, confirme-moi que tu as bien accès au slide cette fois-ci et que tu as préparé les vidéos de témoignages sur YouTube. Ok, donc on va avoir 5 types de produits à commercialiser avant d'être créés. Attention, disclaimer. Disclaimer, c'est très important, je tiens à vous alerter là-dessus. Oh, mais je vois qu'il y a du monde sur YouTube. Donc, ceux qui sont sur YouTube, Hamza, ceux qui sont sur YouTube, j'aimerais bien pouvoir vous donner le lien pour rejoindre la conférence. Donc, attendez, je vais vous le faire en direct. Les gens sur YouTube, je vais vous mettre un lien dans le chat pour rejoindre la conférence, là où il y a le chat, là où je vais faire défiler les offres, les notifications. Et tout ça, et tout ça. Donc, tous ceux qui sont sur YouTube, vous levez vos fesses. Merci à tous ceux parmi vous qui ont laissé des commentaires sur YouTube. Il y a 40 personnes sur YouTube. Hop, regardez dans le chat YouTube. Je viens de vous mettre dans le chat. Et tiens, je vais le mettre aussi dans la description. Attendez, tac. On est bien en live. Au moins, vous en avez la preuve. Tchac, tchac. Donc, les gens qui sont sur YouTube, si vous voulez, vous avez juste à rafraîchir votre page sur YouTube, vous allez voir dans la description, il y a le lien pour vous connecter à la salle de conférence où on est en live avec tous les autres. Dans cette salle de conférence, on est actuellement 208 auditeurs. Et c'est là qu'on échange dans le chat et tout ça. Donc, tous ceux qui sont sur YouTube, regardez, il y a le lien dans la description. Peut-être qu'il faudra rafraîchir. Vous regardez dans le chat, il y a le lien pour rejoindre la vraie salle de conférence. Et du coup, bon, maintenant, je vais continuer. Donc, je vous disais, disclaimer, ce que vous allez voir là, c'est des études, de vraies études de cas concrètes, d'accord? C'est réel. Les gens que je vais vous montrer, ils existent bel et bien d'ailleurs. Vous pouvez les trouver sur Google en tapant leur nom et leur prénom. Et je porte à votre attention en fait que les résultats que vous allez voir peuvent vous paraître trop beaux pour être vrais. Spécialement, vous allez voir que les résultats de mes clients, en fait, ils ont des résultats qui sont plus élevés que les miens. Pourquoi? Parce que justement, souvent, ils sortent des produits qui sont en dehors des sentiers battus habituels, tout simplement parce que c'est aligné avec leur propre identité. Attendez, je vais allumer la lumière. Ça va avec leur propre identité, en fait. Et ils ont des résultats meilleurs que moi, quoi. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, donc, c'est que là, on va essayer d'aller vite avec des études de cas. Ça fait 1h30 déjà qu'on est en conférence. À la fin de la conférence, vous aurez toutes les preuves, les témoignages en vidéo, ceux qui vont vous parler, ceux qui vont vous dire les difficultés par lesquelles ils sont passés, comme c'est le cas de Valérie, ceux qui vont vous dire
en quoi c'était difficile de se mettre en mouvement et aussi et surtout les résultats qu'ils obtiennent en suivant l'instruction que je leur ai donnée. Sachez que tous ont pris des décisions difficiles et des engagements, d'accord, tant sur l'aspect financier que personnel. Et tous, ils ont suivi mon instruction. Et tous ont eu des résultats de malade. Donc, voici l'histoire de Patrick Grobetti. Patrick, il est promoteur immobilier et il s'ennuie dans son business qui est prenant, mais aussi qui est super rentable. En vérité, il n'a pas le temps et il doit aller droit au but pour que ce soit vraiment rentable pour lui, plus rentable que son activité de promoteur immobilier. On fait son ikigai et vu son expérience, en fait, on découvre qu'il a tout... attendez, je vous montre là, hop, comme ça, si vous voulez, vous pourrez chercher dans Google. On va mettre son témoignage vidéo. Patrick Grobetti, on fait son ikigai, en fait, il a toute l'expérience pour devenir business coach. Avantage de vendre du coaching, c'est que tu n'as pas besoin de produire, d'enregistrer une formation. Le coaching se fait en face à face, en one-to-one souvent, ou alors il peut même se faire en groupé. Ainsi, tu vois, tu peux vendre ton coaching sans avoir besoin de rien créer. Et autre avantage, c'est que ça repose uniquement sur ton expérience personnelle. Résultat de Patrick qui se lance, il passe de 0 à 20 000 euros en 30 jours dans le cadre une reconversion. Alors, on va voir, je vais essayer de mettre son témoignage. Tac, on va partager l'écran. Ça va faire inception. J'espère que ça ne va pas trop planter. Vous allez me dire dans le chat comment ça se passe. Le témoignage de Patrick, quand je vais partager mon écran. Facebook et suivi d'un webinaire. Ok. Ok, je vois dans le chat quelle image, mais il n'y a pas le son cette fois. Ok, alors attendez, on va faire un autre truc. On va improviser. Parce que je suis un gros hacker après tout. Donc, c'est mon taf de trouver des solutions aux problèmes. Et on va voir si je suis capable de trouver des solutions au problème. Donc, vous voulez le témoignage de Patrick, tac. Je vais tester de faire ça, ça. Hop. Bonjour. Voilà. Tac, je vais couper le son. Donc, vous allez me dire si ça marche. Normalement, vous allez pouvoir avoir l'image et le son. Ça demande quelques manips en plus pour moi. Mais même si c'est inconfortable, bah, c'est OK, vous le méritez. Parce que j'ai vraiment envie de vous mettre en mouvement. Et vous aussi, vous voulez être mis en mouvement. Alors, il y a Hamza qui m'envoie des messages. Il faut juste laisser le micro activé parce que je l'active, tu désactives. Ok, Hamza, je ne m'occupe pas du... Hamza, touche pas au micro, s'il te plaît. Je m'en occupe. Ok, tac. Donc, je vais couper mon micro. Je vais mettre le son. Non. Je sais. Vous savez quoi? Je pense que les témoignages, en fait, on les laissera à la fin. On vous les enverra tous. Et comme ça, vous pourrez voir de vos propres yeux, être inspiré de manière à ce qu'on puisse continuer d'avancer pour la fluidité. Je vais mettre play.
Hop, en espérant que ça marche. C'est votre Lego métier de marketing extrême. Avec l'aide de Ruby, on est passé de 0 à 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel grâce à une stratégie d'acquisition via Facebook et suivi d'un webinaire qui a été monté des mains grâce à l'accompagnement de Ruby. De mon côté, je suis plutôt entrepreneur à la tête de plusieurs entreprises en construction immobilier marketing. Mais voilà, on a tous besoin d'un coach et Ruby nous a montré Greg et... Confirmez-moi dans le chat, s'il vous plaît, marquez son OK et image OK si vous avez bien le son et l'image nickel chrome. Comment faire pour monter justement un nouveau système de génération de prospects auprès de closing aussi par téléphone. Et tout cet accompagnement nous a permis justement de mettre en place une nouvelle stratégie marketing. Donc on a des excellentes connaissances en marketing en digital. Mais voilà, on avait besoin d'avoir un angle d'attaque un peu différent. Et ben, grâce à Ruby, on est passé de 0 à 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel pour cette nouvelle activité, donc marketing extrême. Donc moi, je vous recommande vivement, vous pouvez les yeux fermés. Il a ce côté très fun, très freestyle, mais assurez-vous, il est très structuré, il a des stratégies qui fonctionnent. Donc n'hésitez pas, vous pouvez les yeux fermés. Allez, à bientôt, au revoir. Voilà, est-ce que c'est ça ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez faire comme Patrick Grobetti qui est passé de 0 à 20 000 euros en 30 jours juste en vendant son savoir, en vendant du coaching, en trouvant sa mission de vie et en faisant tout simplement ce qu'il est? Voici maintenant Florent Collin. Donc les belges parmi vous l'ont peut-être vu. Flo, il a 28 ans en fait, ça faisait 2 ans qu'il explorait tous les business en ligne, en commençant par le MLM, puis il a fait du dropshipping, en fait. Il a fait du consulting, d'ailleurs, c'est là qu'il avait rejoint l'un des programmes en tant que pour faire du consulting marketing. Et ça marche, mais c'est pas ouf. Et en fait, tu vois, donc même s'il fait quelques milliers d'euros quand même, ça fait plusieurs semaines que je le pousse, tu vois, justement, à faire ce qu'il aime. Lui, il me compte, il est dans mon programme de coaching pour faire du consulting marketing pour ses clients. Et je lui dis, Flo, vas-y, c'est quoi ce qui te fait kiffer? Il me dit, c'est l'IMO. Je lui dis, vas-y, fais-le. Et en fait, il n'arrête pas de procrastiner. Tout. Alors, la vérité, c'est qu'il se chie dessus, en fait, tout simplement. Il a peur de faire ce qui fait peur. Mais mon taf à moi, en tant que business coach, en tant que mentor, c'est d'aider toi à faire ce que tu ne veux pas faire pour devenir celui que tu dis vouloir être. Et donc, à force d'insistance, au bout de 8 semaines, il accepte mon challenge et il crée un mastermind immobilier, c'est-à-dire qu'il crée un club d'investisseurs. On met en place une stratégie pour vendre ces séminaires, donc plusieurs semaines avant qu'ils aient lieu. Pas de formation enregistrée, ni rien. Il crée son club, des séminaires, il met le système en place que je lui propose. Et là, vous allez voir les résultats de malade qu'il obtient. Et franchement, jamais on n'aurait cru ça. Et encore une fois, voilà, c'est un produit qui est commercialisé avant même d'être créé. Comme ça, impossible de faire des erreurs. Salut, c'est Florent du club. Donc, petite vidéo pour te parler de la forme. Attendez. Je sais pas s'il y a le son là. Il faut que je partage l'écran, je pense. Ok. Salut, c'est Florent du club. Donc, petite vidéo pour te parler de la formation de Rudy et de pourquoi et comment elle m'a permis de générer 65 000 euros de chiffre d'affaires en moins de 15 jours, soit doublé simplement mon chiffre d'affaires. Donc, grâce à quoi? Grâce à un webinaire que j'ai appris dans cette formation, un truc totalement, totalement incroyable. Alors, avant ça, j'ai essayé pas mal de formations. Je me suis cassé les dents sur pas mal de choses. C'est vrai que c'était compliqué. Je trouvais pas la bonne méthode, la bonne formule. Et puis, voilà, j'ai eu la bonne idée de regarder le webinaire de Rudy, de prendre son coaching. Et là, là, on a pris la voie rapide, comme dit MJ DeMarco, la fast lane. Et on a réussi à obtenir 65 000 euros en 15 jours. On a doublé le chiffre d'affaires. Donc, cette formation, ce coaching, il est concret, il est rapide, il est efficace. Donc, si tu hésites, franchement, passe à l'action. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire, je pense, de toute ta vie ou en tout cas de ton année. Alors fonce, fonce et fonce. Ciao, ciao. Voilà, donc Flo, 65 000 euros en partant de zéro, juste en vendant sa passion. Il avait peur, il a fait ce qui lui a fait peur et bah, résultat, ça cartonnait quoi. Autre exemple, peut-être que vous connaissez cette tête parce qu'il est connu et il achète beaucoup de publicité, c'est Saad Ben. Donc, c'est un dropshipper professionnel, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 14 salariés.
Et donc, vous l'avez peut-être vu sur Facebook ou Instagram. D'ailleurs, dites-moi dans le chat, qui connaît ça, qui a déjà vu ces publicités. Donc, en fait, ça fait 2 ans qu'ils souhaitent vraiment se lancer dans la vente de formation. Ils vendaient des formations pas chères. Et je lui dis, on demande de l'accompagner. Je lui dis, OK, mais une condition. Voici mes conditions. 1, c'est que tu arrêtes tes conneries de vendre des produits à 27 euros. Tu vas vendre un produit minimum 1000 euros. Et là, tu vois, je comprends que ça fait peur hein, de vendre un produit 1000 euros. Je te dis, oui, mais au moins, si tu vends un produit 1000 euros, tu vas prendre toi-même l'engagement de tout faire pour que tes clients rentabilisent et cartonnent. Engagement personnel. De deux, si tu vends ton produit 1000 euros, tes clients aussi vont s'engager à obtenir les résultats. Et pareil, en fait, tu vois, il me dit, ah, mais ça fait trop de trucs à enregistrer et tout. Je dis, stop, 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 on va se détendre. On va vendre avant de créer. Tu vas créer ce qu'on appelle un groupe pilote, c'est-à-dire que tu vas vendre ton groupe pilote et toutes les semaines, semaine après semaine, tu vas former tes clients en temps réel à travers des visioconférences. Et donc, c'est ce qu'on fait. Ça va lui permettre, tu vois, de créer le programme avec les clients de manière à ce qu'ils puissent répondre à toutes leurs questions et apporter le maximum d'impact. Donc, on met en place des stratégies très précises et les résultats, ils sont juste incroyables, quoi. Et encore une fois, faut le voir pour le croire. Attendez, je suis en train de préparer pour le témoignage. Hop là. Ok, tac. Comme ça. Hello, je m'appelle Sad Ben, j'ai réalisé plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en dropshipping, en e-commerce. Je suis parti de zéro et j'ai pris un accompagnement avec Rudy pour m'encadrer, pour m'aider à lancer mon webinar. Donc, on a fait un lancement ensemble. J'avais besoin de directives pour améliorer mon webinar, pour mieux convertir et tout simplement avoir un coach, un consultant avec qui rebondir mes idées, etc. Et résultat, on a fait premier webi, on a dû faire 80 000 euros de chiffre d'affaires, je me rappelle. What? Combien? Euros de chiffre d'affaires, je me rappelle bien. 80 000 euros de chiffre d'affaires, je me rappelle bien. Donc voilà, si vous hésitez, si vous voulez vraiment avoir un pro, pour moi, c'est un des meilleurs en francophonie, c'est Rudy. Vraiment, c'est l'expérience qu'il a dans le business en général et surtout dans le business en ligne. C'est un des meilleurs, tout simplement. Je vous recommande fortement Rudy de Growth Hacking. Et voilà, n'hésitez pas, rejoignez ses offres, prenez ses offres, c'est un des meilleurs. Ciao. OK. Autre étude de cas, celle de Baptiste Joly. Est-ce que vous connaissez Baptiste? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Baptiste, quand j'ai rencontré, en fait, il était déjà suivi par un autre coach, hein, pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs, et mais il se sentait stagné, c'est-à-dire en baisse d'énergie. Il cherchait une nouvelle approche, en fait, pour commercialiser son offre d'accompagnement VIP. C'est ce qu'on appelle du mentorat. Donc lui, il est sur une offre où il coach, accompagne, surveille et motive ses clients à travers une offre de mentorat qui est pas loin des 10 000 euros. L'avantage des offres dites high ticket de mentorat comme ça, c'est que ça vous permet d'apporter absolument tout ce dont vos clients ont besoin pour être sûr de tenir vos promesses et de leur apporter les bénéfices en fait qu'ils recherchaient. Ainsi, tu vois, quand tu es sur une offre de mentorat comme Baptiste, tu es plus en train de compter tes heures, tu vois, vraiment, tu peux. T'es avec ton client, quoi, comme ça, tout simplement. Et donc voilà, on révise ses process internes, on optimise et on lance ma stratégie secrète. Et vous allez voir que pareil, Baptiste a des résultats de malade. D'ailleurs, dites-moi dans le chat si vous avez déjà vu les publicités du petit Baptiste, qui est honnêtement, franchement, j'ai adoré le coacher, j'ai adoré travailler avec lui. Si c'est vraiment le client parfait pour moi. Salut, Zébé. Tac, alors attendez, hop, partage d'écran. Voilà, je vais regarder si vous connaissez Baptiste dans le chat. Donc, vous connaissez Saad, apparemment, Baptiste, moins. Ok. Je suis coach en investissement immobilier. Salut, c'est Baptiste, je suis coach en investissement immobilier et aujourd'hui, je te fais cette vidéo par rapport au mentoring de Rudy. Faut savoir que je tournais à peu près à 30 000 euros par mois avec mon activité de coaching sur l'investissement immobilier. Et je voulais vraiment passer à la vitesse supérieure et je savais pas comment faire, j'avais pas les clés. Et aussi et surtout, j'avais une baisse de motivation parce que je me sentais seul et j'avais pas envie de perdre du temps à partir dans toutes les directions. Et à partir de ce moment-là, ça devient compliqué de passer au niveau supérieur parce qu'il y a assez peu de personnes qui sont légitimes pour t'accompagner aux 70, 80, 100 000 euros par mois.
Et j'ai commencé à travailler avec Rudy. Ça fait x3 sur ma motivation. On a mis en place un webinaire qui a généré près de 80 000 euros pour 11 000 euros de budget pub. Il a généré 79 800, quelque chose comme ça. On va dire 4. What? Combien? Combien vous avez entendu? Marquez-moi dans le chat combien vous avez entendu. Regardez la tronche, le sourire qu'il fait, ce Baptiste. 1000 euros de budget pub, il a généré près de 80 000 euros. Pour 11 000 euros de budget pub, il a généré 79 800, quelque chose comme ça. On va dire 80 000 pour 11 000 euros de budget pub. Donc, c'est juste la folie. Ça nous a permis de rentrer des clients. Ça nous a permis d'optimiser nos offres. Ça nous a permis d'optimiser, du coup, l'équipe en recrutant des closers, en recrutant des coachs, en passant à la vitesse supérieure, en se professionnalisant. Et c'est ça que je retiens, c'est que je me suis professionnalisé avec le coaching de Rudy. Il m'a vraiment accompagné de A à Z à passer au niveau supérieur. J'ai gagné en maturité. J'ai appris énormément sur le plan marketing, sur le plan humain aussi, par rapport à la gestion de ses équipes. Et je suis vraiment maintenant, on va dire, un vrai entrepreneur, alors qu'avant j'étais solopreneur. Et je suis passé au niveau supérieur grâce à ça. Donc si aujourd'hui t'hésites, tu tournes peut-être à 5, 10, 20, 30 000 euros par mois et tu veux vraiment passer au niveau supérieur, tu veux vraiment faire x3 sur ton chiffre d'affaires, bosse avec Rudy sur son offre de mentoring, passe au niveau supérieur. C'est beaucoup de travail, mais je peux t'assurer que le jeu en vaut la chandelle et c'est clairement un changement de vie derrière. Et toute ta carrière d'entrepreneur sera impactée par cet accompagnement. Donc, vas-y, fonce et bravo pour tous ceux qui passent à l'action. Ciao, ciao. Ok. On va accélérer un petit peu. Donc ça, vous voyez, qui parmi vous dans le chat, dites-moi, qui parmi vous aimerait être mon prochain Saad ou le prochain Baptiste Joly? Qui parmi vous, justement, aimerait que je l'aide et que je l'accompagne à obtenir ses résultats? Voici le cas de Romain Pirotte. Donc, lui, il a 22 ans et en fait, il fait du référencement Google. Donc, un beau jour, il me contacte, il me demande de le conseiller pour commercialiser sa future formation en ligne. Je lui demande quand est-ce qu'il veut la sortir. Il me dit dans 6 ou 8 mois. Je lui dis stop. On va se détendre, Romain, arrête. Je vais t'accompagner. La formation, on va la lancer dans 30 jours. Et le truc qui est vraiment bien avec les formations en ligne, c'est que c'est des revenus vraiment passifs. C'est-à-dire que tu en vendes 10 ou que tu en vendes 1000, ça prend pas plus de temps. Donc voilà, je l'invite à vendre d'abord et je lui dis tu vas créer tes modules de formation au fur et à mesure, un module par semaine. Je l'accompagne on met en place une stratégie secrète. Et voilà les résultats, ce qui arrive. Donc je charge la vidéo. Hop, j'ai éjecté, je viens d'éjecter un hater sur YouTube. Salut à toi, je m'appelle Romain Pierre. Ok, tac. Salut à toi, je m'appelle Romain Pirotte, j'ai 22 ans et aujourd'hui je vais te faire un témoignage pour mon coach, donc Rudy Somme, que tu vas connaître sûrement si tu regardes cette vidéo. Il m'a permis de gagner plus de 300 000 euros en 6 mois, donc avec la formation Black Hat Money. Il m'a vraiment accompagné de A à Z en tant que coach, également à travers les lancements, à travers les tunnels de vente. Il m'a dit ce que je devais faire, donc ça m'a permis de gagner énormément de mois. Voilà, clairement sans lui, j'aurais pas pu déjà sortir la formation comme telle, vu qu'il m'a éclairé sur la notion business, sur la notion marketing. Donc, il m'a accompagné vraiment sur tous ces aspects-là. Et ça m'a permis de toucher énormément de gens, de pouvoir proposer mon offre, proposer ma formation. Et aujourd'hui, je lui dois beaucoup. Donc, c'est pour ça que je lui fais ce témoignage. Donc, 300 000 euros en 6 mois, c'est juste incroyable. Ça m'a permis aussi de lancer d'autres projets comme des outils, avec les méthodes, avec la stratégie que Rudy m'a inculquée au tout début de notre collaboration. C'est pour ça que je te fais ce témoignage. Et voilà, si aujourd'hui tu cherches un coach ou tu cherches à être accompagné, tu cherches à déployer, voilà, gagner plus d'argent à travers une meilleure stratégie marketing, une meilleure stratégie de vente, clairement, il faut Rudy. Voilà, je connais pas d'autres coachs. Rudy, à lui seul, fait le job, t'accompagne comme si tu avais plusieurs coachs, vu qu'il est très talentueux, que ce soit sur la partie business, sur la partie technique, etc. Donc voilà, je peux que te le conseiller. Je te dis à très bientôt. Ciao. Voilà, Romain Pirotte, 22 ans, 300 000 euros en 6 mois en vendant son savoir. Est-ce que c'est ça ce que vous voulez, vous aussi? Est-ce que vous pensez que je peux vous aider?
Hamza, tu peux sortir le sondage, s'il vous plaît. Votez sur le sondage qui se trouve, qui va apparaître au-dessus du chat. Est-ce que je vous ai convaincu que cette opportunité de vendre votre savoir va changer votre vie si vous décidez de la saisir? S'il vous plaît, répondez à ce sondage. C'est très important pour moi d'avoir ces données. Et si par hasard, vous ne voyez pas le sondage, marquez-moi dans le chat. Oui, je suis convaincu. Oui, je suis convaincu. Montrez-moi l'énergie pour qu'on continue, si vous voulez que je continue de vous faire kiffer et que je vous aide à vous mettre en mouvement. On n'est pas fini. Je pense qu'on est encore ensemble une bonne heure. Donc, s'il vous plaît, allez, mettez-moi le mur de oui dans le chat. Oui, 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 oui. Mettez-moi des flammes. Montrez-moi que je vous ai convaincu que cette opportunité pouvait changer votre vie. Je vais voir un petit peu en attendant, voir vos messages. Vous êtes encore 211 auditeurs en live. Est-ce que vous voulez l'énergie? Est-ce que vous voulez que je vous envoie encore de la valeur? Est-ce que vous voulez que je vous mette en putain de mouvement pour que vous aussi vous puissiez gagner 10 000 euros par mois? Je veux voir vos messages dans le chat. Ok, j'ai 97% d'entre vous ont répondu oui. Super. Maintenant, je veux voir le feu dans le chat. Là. Mettez-moi les émojis. Oui, 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 il y a Frédéric qui dit oui, Charles Mourat qui dit quoi, celui qui dit oui, Serge qui dit oui. Ok, envoyez vos messages. Qui est chaud parmi vous? Qui a envie de se mettre en mouvement? Qui parmi vous a envie de gagner 10 000 euros par mois, de générer des revenus passifs comme Saad, comme Romain Pirol, comme Patrick Robetti, comme Valérie, comme Baptiste Joly? J'ai gagné en quelques heures, quelques semaines ou quelques jours ce que actuellement vous gagnez en un an. Il y a Fabrice qui met du flamme, Appa qui dit met les flammes, Sunny qui dit peine électrique, je reviens plus tard, ok? Jacques, oui, j'espère, non, n'espère pas, c'est, tu as le contrôle là-dessus. Amir qui dit oui, je veux, Jocelyne qui dit yes, Livio qui dit oui, Frédéric, oui, Karl, oui, chat, je veux être le meilleur de moi-même et pas ressembler à quelqu'un d'autre. Ok, super, Anna, oui, Amir qui dit oui, tu m'as convaincu, Fabrice qui met les flammes, Jacques qui dit oui, je veux, génial. Est-ce que vous passez un bon moment avec moi? Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? Montrez-moi que vous êtes motivé, que vous avez la dalle. Car je vous le redis, cette conférence, elle n'est pas faite pour tout le monde. Si vous faites partie des losers, dégagez, cassez-vous de cette conférence. Je veux des gens qui veulent se mettre en mouvement, qui veulent changer les conditions, qui sont prêts à faire ce qui leur fait peur pour offrir une vie meilleure à ceux qu'ils aiment. Que ce soit papa, maman, que ce soit votre frère, que ce soit vos enfants. Résumons ce que vous venez de voir et d'apprendre. Secret numéro 1, on a vu les coulisses d'un business model peu connu et rentable, bien vu par la société et même encouragé par l'État. Pourquoi? Parce que l'État aujourd'hui permet à vos futurs clients de se faire rembourser leur formation. Le pire de tout ça, c'est que ça permet ça permet à n'importe qui de générer des gros revenus passifs. On a vu secret numéro 2, on a fait le tour des mythes et des croyances limitantes et vous avez vu les thématiques rentables et vous avez vu qu'il n'y a pas besoin d'être expert pour se lancer. On est tous nuls au début et c'est ok. L'important, c'est de pouvoir être bien accompagné, bien coaché pour pouvoir apporter des résultats à vos clients. Secret 3, on avait eu des études de cas concrètes de produits avant d'être commercialisé, ce qui vous permet d'obtenir des résultats rapides, puissants et garantis en quelques semaines. C'est simple. Vous avez été certainement choqué en voyant combien vous pouvez gagner rapidement. Qui d'autre veut aller encore plus loin? J'ai créé le framework millionnaire. Alors, qu'est-ce que c'est le framework millionnaire? C'est tout simplement mes 18 années d'expérience que j'ai mis en e-learning. Dedans, vous allez trouver du contenu premium et introuvable et gratuit, introuvable en gratuit nulle part, c'est-à-dire du vrai contenu premium. C'est un système clé en main à suivre étape par étape avec des vidéos au format court, ludique et adapté en fonction des leçons. Un coup, je suis en facecam, un coup, je suis en partage d'écran, un coup, je suis derrière mon tableau blanc, tel que celui-là. Et le tout accompagné de checklists et d'exercices complets avec des exercices imprimés ainsi que des fiches résumées. C'est une pédagogie, attends, je vais mettre comme ça tu peux voir le truc. C'est une pédagogie évolutive en fait avec où chaque leçon est actionnable avec des objectifs SMART. Qu'est-ce que j'entends par SMART? C'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Et le tout adapté tant aux débutants qu'aux experts. C'est-à-dire que les premiers modules, c'est pour les débutants. Et puis, plus ça va, plus tu avances dans la formation et plus ça s'adresse aux experts. Et tu as bien vu que les gens qui m'ont en contact, tu as des débutants et tu as des experts. Et quel est le point commun? C'est que tous, ils font ce qui fait peur, ils se mettent en mouvement, ils suivent mon instruction et ils font tous du gros cash.
Alors voici ce que vous allez obtenir si vous décidez de rejoindre ce programme. 6 semaines de formation pour gagner 10 000 euros par mois. Module 1, on va agir sur votre mindset. L'objectif de ce module, c'est de vous permettre de développer l'état d'esprit des entrepreneurs qui ont du succès. Vous allez apprendre comment devenir productif, comment embrasser ce qui fait peur. Vous allez apprendre votre système de valeurs pour définir les coordonnées GPS de la vie de vos rêves, ainsi que comment détecter, comment activer des sources de motivation illimitées qui vont vous permettre de faire ce qui fait peur. Ça va vous permettre aussi de vous focus, de faire le tri entre ce qui vous est utile, ce qui est inutile, quel est votre environnement, se constituer un environnement gagnant, qui vous est un environnement bienveillant, qui vous met en énergie, et vous allez pouvoir botter le cul de tous ceux qui vous consomment votre énergie et qui cherchent à vous empêcher de réussir. La deuxième semaine de formation, vous allez apprendre comment créer et délivrer donc des produits qui ont de l'impact et qui transforment la vie de vos clients, même si vous débutez. On a vu, vous avez vu un échantillon de ce qui est possible d'être commercialisé. Il y a d'autres choses. Et si parmi vous, il y en a qui justement ont peur de ne pas savoir quoi vendre ou de ne pas trouver leur mission de vie, justement, la deuxième semaine, on va travailler là-dessus. Quelle est votre mission de vie à partir de justement votre identité? Quel type de produit est fait pour vous? Combien vous allez le vendre? Comment vous allez le vendre? Tout ça, c'est ce qu'on va voir dans le module 2. Valeur du module 1, mindset, valeur vendue seule, 1000 euros. Deuxième semaine de formation, valeur 2000 euros. Troisième semaine, on va démarrer votre transformation digitale. C'est-à-dire que dans cette troisième semaine, vous allez apprendre comment créer vous-même un site web qui vous permet d'encaisser vos clients, de facturer, de gérer votre SAV, et le tout sans passer par votre banque. C'est-à-dire que ce site web va vous permettre, à vos clients de vous payer par carte de crédit ou même par virement, sans même que vous ayez besoin d'embaucher un développeur. Valeur de ce module, alors mon assistant met 1000 euros, mais moi je dis plutôt 2000 euros, hein, franchement, sans développeur. Quatrième semaine, vous allez apprendre comment passer du statut d'illustre inconnu à celui d'expert reconnu en 7 jours et déclencher une avalanche de commandes en seulement 4 heures grâce aux webinars, grâce aux conférences en ligne comme celle-ci. Valeur de cette technique, 2000 euros. Semaine 5, vous allez apprendre comment vendre sans passer pour un vendeur de tapis et aider vos prospects à se décider à devenir client. Et vous allez voir que durant ce module-là, donc vous allez apprendre à vendre par téléphone. Et le truc qui est vraiment chouette, c'est que moins tu sais vendre, plus tu es timide, plus tu es introverti et plus tu vas réussir à vendre. C'est un truc de malade. C'est la technique qu'on utilisait justement à l'époque où j'ai recruté tous mes salariés. Vous imaginez, moi j'ouvrais des call centers. Dans mon call center, c'était des Marocains avec l'accent. Et on a fait 14 millions d'euros. Pourquoi? Parce que justement, ils utilisaient cette technique magique, ce script magique qui permet de vendre même quand tu ne sais pas vendre. Valeur de ce module. Donc ça, c'est une formation marketing que je vends tout seul, hein. Mais j'ai des entreprises qui m'ont payé 2000 euros pour bénéficier juste du module 5 sur la technique de closing. Et enfin, la sixième semaine, tu vas apprendre comment passer de 2000 euros par mois de revenus à 50 000 euros par mois en quelques semaines grâce à la publicité sur Facebook, Instagram, Google et YouTube. Valeur de ce module vendu seul, 3 997 euros. Donc, tu vois, les 6 semaines de formation d'accompagnement coûtent seulement 11 997 euros. Et peut-être que tu te dis, c'est beaucoup. Mais non, c'est rien à côté des revenus que tu génères. Tu as vu les témoignages de mes clients? En un mois, c'est rentabilisé. Cette formation, elle te coûte pas de l'argent, elle te rapporte de l'argent. Donc, qu'est-ce que tu vas obtenir? 6 semaines de formation avancée, valeur 11 997 euros. Mais je te vois venir avec des excuses. J'ai pas de budget pour la publicité, je suis pas capable de faire une conférence, je ne veux pas montrer mon visage, j'ai peur de ne pas aller au bout et de me retrouver seul face à mes difficultés. Enfin, en vérité, je vous comprends, j'ai été à votre place. C'est ce que je me serais dit à l'époque. Et donc, bah, pour vous aider à dépasser tout ça, parce que je vous ai promis que j'allais vous mettre en mouvement, là, de quoi vous avez besoin pour vous mettre en mouvement? J'ai pas de budget pub, je suis pas capable de faire une conférence, j'ai peur de montrer mon visage, j'ai peur de pas aller au bout. Donc, pour vous aider à vous mettre en mouvement, je vais vous offrir 3 bonus énormes pour tous ceux qui vont rejoindre mon programme avant qu'on raccroche à la fin de cette conférence pendant ce lancement. Tout d'abord, le premier truc que je vais vous offrir, c'est la formation, le premier client sans publicité grâce au marketing contenu.
de contenu. Pour ça, j'ai sollicité des copains que vous connaissez certainement, que vous avez déjà vu, qui vont vous montrer comment trouver vos premiers clients grâce à LinkedIn, grâce à Facebook, grâce à Instagram, grâce à YouTube, grâce à un blog. Bref, le but, c'est de faire tes premiers clients, tes premières ventes, sans mettre un seul euro dans la publicité grâce à la puissance des réseaux sociaux. Et dès que tu fais tes premières ventes sans pub grâce aux réseaux sociaux, l'idée, c'est de ne pas t'enrichir avec, mais de garder cet argent pour acheter de la publicité. Deuxième objection, tu me dis, t'es pas prêt pour faire des conférences en ligne, t'as peur de montrer ton visage. C'est OK, je suis passé par là moi aussi. Donc, je vais t'offrir la formation prospection automatique sans montrer ton visage, où tu vas apprendre justement à créer un clone qui va envoyer des emails à ta place qui vont te permettre de générer des rendez-vous de vente pour vendre par téléphone. Valeur de la première formation, 997 euros offert pour toi. Deuxième formation, valeur 997 euros offert pour toi si tu rejoins pendant ce lancement. Troisième cadeau que je vais faire pour tous ceux qui ont peur justement de pas aller au bout des choses ou qui ont peur de se retrouver seuls. Sachez que, vous savez, moi ce que je fais, c'est ma mission de vie, tu vois. Et j'adore ce que je fais. J'adore échanger avec mes clients. J'adore savoir justement les difficultés qu'ils rencontrent. Tu vois, demain, tu rejoins mon programme et tu bloques sur quelque chose. Mais moi, j'ai envie que tu me le dises. J'ai envie que tu me le dises. Et tu vois, je vais pas voir ça comme un problème. Je vais voir ça comme un cadeau, comme une opportunité de m'améliorer. Donc, si tu rejoins mon programme durant ce lancement, bah, je vais également t'offrir 3 mois de suivi au quotidien à travers le groupe privé grâce au mastermind privé. Valeur de ces 3 mois, 297 euros, mais intégralement offert si tu rejoins ce programme. Donc, valeur totale de ces 3 bonus, 2297 euros. Donc, qu'est-ce que tu vas obtenir si tu rejoins le programme aujourd'hui? 6 semaines de formation, valeur 11 997 euros, plus les 3 bonus, 2991 euros pour toi si tu rejoins le programme maintenant. Et je voulais aller encore plus loin. Je me suis posé la question, comment je pourrais faire pour aider mes clients à obtenir plus vite, des résultats plus puissants avec moins d'efforts? Waouh, le challenge, il est super fort. La barre, elle est haute là. Comment je pourrais faire? Hamza, j'aimerais bien que tu remettes le chat parce que je voudrais leur réaction, s'il te plaît. Et puis, si tu vois des haters, bah, tu les bannis tout simplement. Comment on pourrait faire pour que mes étudiants ils aient plus de résultats, plus vite, plus fort, avec moins d'efforts, moins d'énergie? J'ai vraiment mis la barre très, très haute. Et je suis très fier. Vous voyez ce sourire? Je suis très fier de pouvoir vous offrir tout ça. Tous ceux qui vont rejoindre le Framework Millionnaire dans le cadre de ce lancement vont bénéficier en plus d'une solution clé en main pour vous aider à vous lancer. C'est quoi cette solution clé en main? C'est que si tu rejoins le Framework Millionnaire, tu vas bénéficier en plus du pack Webmaster pour créer ton site web. C'est simple, tu auras juste à recopier le site que je vais te donner. Valeur 997 euros. Tu vas également bénéficier du pack SAV qui est en cours de création par Alvarez qui gère le service client. Peut-être que tu as eu affaire à lui déjà pour t'offrir le meilleur des services clients, c'est-à-dire que tu vas avoir des templates avec des réponses prédéfinies que tu vas pouvoir envoyer à tes clients pour gérer les réclamations, pour les aider, les impacter encore plus. Valeur 397 euros. Tu vas également bénéficier du pack rédaction. C'est quoi ce pack rédaction? En fait, c'est 100 relances mail que j'ai rédigées qui sont prêtes à l'emploi. Tu as juste à remplacer des textes à trous qui va te permettre de transformer de manière automatique ton audience en client. Valeur de ces 100 relances mail, 5000 euros offerts. Ça, c'est la clé de ta cash machine. Ensuite, tu vas également bénéficier du pack commercial qui contient 5 scripts de vente prêts à l'emploi pour vendre, même si tu n'aimes pas vendre. Valeur 2000 euros. En fait, il y a beaucoup plus. Et c'est offert si tu rejoins le programme. Dedans, il y a script d'appel sortant conférence, script d'appel sortant quand tu proposes un e-book. Il y a script d'appel sortant les abandons de panier achat. Il y a script de préqualification pour tes offres de closing à étiquette, c'est-à-dire tes gros produits, tes grosses formations, tes gros coachings ou tes gros consulting ou tes gros séminaires. Et il y a les scripts de closing aussi. On a mis 2000 euros, mais honnêtement, franchement, ça vaut facilement 10 000 euros, honnêtement. Parce que dès lors que tu utilises ces scripts, tu dis tu vas pouvoir vendre ton savoir, en fait, 2000 euros, mais super facilement et sans stress. Tu vas également bénéficier du pack marketeur. Qu'est-ce que c'est ce pack marketeur? C'est que aujourd'hui, tu vois, quand il y a des clients qui me contactent pour que je leur crée leur système de vente, ça leur coûte entre 5 et 10 000 euros.
Et je commercialise aussi ces systèmes de vente à des clients qui peuvent importer chacun de ces... Donc, il y a plusieurs stratégies, en fait. Et chacun de ces systèmes, quand je leur importe, c'est 2000 euros. Et ben toi, tu vas pouvoir importer en 3 clics mes 5 systèmes de vente automatiquement. Il y en a pour 10 000 euros. Et en 3 clics, tu vois, c'est offert pour toi si tu rejoins mon programme. Tu vas pouvoir importer mes systèmes de vente comme si c'était moi qui avais fait ton marketing. Tu as juste à changer les textes. Donc, tu vois, au final, ce que tu as aujourd'hui, c'est une véritable solution clé en main pour t'aider à te lancer et te permettre d'obtenir les mêmes résultats que Baptiste, Saad, Romain, Valérie, Patrick et tout un tas d'autres étudiants que j'ai pu accompagner. Valeur de ce système clé en main, 20 397 euros. Donc, qu'est-ce que tu vas obtenir aujourd'hui si tu décides de rejoindre mon programme? Les 6 semaines de formation d'une valeur de 11 997 euros. Les 3 formations bonus pour te permettre de passer à l'action et te mettre en mouvement tout de suite d'une valeur de 2 997 euros. Ainsi que les 6 packs clés en main, business clés en main, je sais pas, je pourrais même rappeler ça différemment, d'une valeur de 20 991 euros. Valeur totale de mon offre aujourd'hui, c'est 35 979 euros. Alors, tu dois te dire, c'est beaucoup d'argent, mais tu vois bien que c'est rien à côté de tout ce que ça rapporte. Je regarde un petit peu le commentaire. Je suis convaincu, mais coincé financièrement. Alors, pas de panique, reste avec nous. Tu vas voir, je vous ai promis que j'allais vous mettre en mouvement, d'accord? C'est ma vocation, je suis fait pour ça. Restez jusqu'au bout, je vais vous mettre en mouvement. Je vous promets que tout cela, vous allez vous mettre en mouvement. Valeur totale de mon offre, 35 979 euros. Vous avez vu, mes clients, ils encaissent 300 000 euros, 80 000 euros. C'est que dalle. J'ai une question à vous poser. Bien sûr, ah, j'ai oublié, merde, mes slides ne sont pas dans l'ordre. Bien sûr, je ne vais pas vous facturer 35 979 euros aujourd'hui parce que je sais très bien que peu d'entre vous ont les moyens parmi vous ce soir. Mais j'ai une question, en fait. Répondez-moi. Même si je vous facturais 20 000 euros et que tout ce que ça faisait, bah, c'est de vous montrer comment gagner 10 000 euros par mois. On parle quand même de 120 000 euros par an. Hein. Est-ce que ça serait un bon investissement de votre part? Est-ce que ça serait un bon investissement si tout ce que mon offre faisait, c'était de vous permettre d'éviter d'embaucher un commercial, d'éviter de payer un avocat, d'éviter d'embaucher un webmaster, d'éviter d'embaucher un rédacteur? Est-ce que ça serait un bon investissement de votre part? De vous libérer de la technique ainsi que de la rédaction et de vous faire gagner des mois d'énergie et de labeur. Est-ce que 20 000 euros, ça serait un bon investissement? Je devais faire un choix, en fait. Créer un produit pas cher, mais dans ce cas-là, je devrais en vendre énormément, gérer une communauté massive, beaucoup de SAV, et consacrer toute ma vie et mon énergie. Mais dans ce cas-là, je vous dis franchement, j'aurais pas été motivé. Ou alors, ce que je pouvais faire, c'était vraiment créer un vrai produit premium, tel que je vous l'ai présenté, qui me permette d'offrir le maximum de valeur à un nombre limité de personnes, que mon équipe et moi, on pourrait vraiment prendre par la main et suivre régulièrement pour t'offrir le plus haut niveau de performance et d'efficacité. Combien vous seriez prêt à investir aujourd'hui si tout ce que ça faisait, c'était de vous permettre de gagner 10 000 euros par mois en quelques semaines et de prendre une véritable revanche sur la vie et de vivre la vie de vos rêves? Combien vous seriez prêt à investir aujourd'hui si tout ce que ça faisait, c'était de vous permettre de générer des revenus passifs qui vous permettent de profiter de la vie avec ce que vous aimez? Combien vous seriez prêt à investir aujourd'hui? Dites-moi dans le chat si tout ce que ça faisait, c'était de vous permettre de faire un travail que vraiment vous aimez, qui vous épanouisse et qui vous rende fier parce que vous avez trouvé votre place dans la société sur cette terre. Combien vous seriez prêt à investir aujourd'hui? Dites-moi dans le chat si tout ce que ça faisait, c'était de vous permettre de prouver au monde de quoi vous êtes capable et de laisser un modèle de réussite parfait à votre famille et à vos enfants. J'ai très hâte de voir vos réponses. Combien vous seriez prêt à investir pour rien qu'un seul de ces critères? Moi, personnellement, laisser un modèle de réussite à mes enfants, c'est extrêmement important. Et tu vois, ouais, si j'ai 30 000 euros, même si je me dis je paye 30 000 euros en 30 ans, 1 000 euros par mois, c'est une bonne affaire. Mes enfants, comme ça, ils ont ce modèle de réussite plutôt que ce putain de modèle de merde qu'on apprend à l'école. Vous êtes spécial et donc vous allez bénéficier du framework, non pas pour ces 20 000 euros, ni 30 000 euros, ni le prix public qui est de 5 997 euros. Vous êtes spécial et donc pour tous ceux qui décident, qui participent à ce live, à cette conférence, vous allez pouvoir rejoindre le framework millionnaire avec 85% de réduction, soit 6 petits paiements
de seulement 497 euros. Ou alors, 90% de réduction avec un paiement unique de 1997 euros, ce qui vous fait 4000 euros de réduction sur prix public. Donc, Hamza, tu peux déclencher l'offre, s'il vous plaît. Si je vous ai convaincu, si vous pensez que je peux vous aider, si vous avez envie de changer de vie, si vous souhaitez générer de revenus passifs, si vous êtes prêt à vous former, à investir sur vous, à faire ce qui vous fait peur, à prendre des décisions difficiles, je veux que vous cliquiez sur l'offre qui vient d'apparaître au-dessus du chat et que vous rejoigniez ce programme. Vous devez faire un choix. Le premier, c'est le mauvais, c'est celui de ne rien faire ou de vous lancer seul. Et dans ce cas-là, vous risquez d'abandonner, vous risquez de perdre du temps, de l'argent, vous risquez de faire des erreurs et ne rien faire. Ou alors, le deuxième choix que vous pouvez faire, c'est celui de laisser mon équipe et moi-même vous accompagner, de vous former étape par étape, de vous suivre au quotidien à travers la communauté, de vous donner le raccourci ultime grâce à toutes nos ressources, de devenir libre et indépendant et de gagner en 30 jours ce qu'aujourd'hui vous gagnez en une seule année. Car je prends tous les risques à votre place. Je suis tellement sûr que vous allez adorer mon programme et qu'il tient toutes ses promesses de changer de vie comme il a changé celle des autres étudiants, que vous allez bénéficier de la garantie satisfait ou remboursée pendant 14 jours. Si vous hésitez, tout simplement, rejoignez le programme, consommez-le autant que vous voulez. Et si c'est pas pour vous, si vous changez d'avis dans les 14 jours, que vous regrettez, je sais pas, que votre achat il est trop rapide, par exemple, vous me le dites. Et on s'engage à vous rembourser intégralement jusqu'au dernier centime dans les 48 heures. Hamza, coupe le chat, s'il te plaît. Si vous avez des questions, je vais répondre à toutes vos questions. Notez toutes vos questions, d'accord? Et je vais y répondre. Mais notez-les sur une feuille de papier pour ne pas oublier. Ou non, on va faire autre chose. Hamza, tu passes le mot dans le chat en privé, en fait. Et donc, ouais, notez toutes les questions, les objections que vous avez dans le chat. Notez-les et je vais toutes les traiter. Spécialement si vous voulez vous mettre en mouvement, prenez le temps de noter vos questions, vos objections dans le chat. Je vais laisser personne en galère. C'est ma mission, vous mettre en mouvement. Donc si vous souhaitez vraiment vous mettre en mouvement, si vous souhaitez changer de vie, si vous voulez faire du gros cash, notez-moi dans le chat vos questions, vos objections et je vous promets que je vais pas rusher sans vous répondre et sans avoir donné mon maximum pour vous mettre en mouvement. Donc je prends tous les risques à votre place avec la garantie satisfait ou remboursée pendant 14 jours. Sachez que c'est une offre limitée, d'accord? Que on est dans un lancement et qu'après, je vais fermer les portes indéfiniment. Et que vaut mieux hésiter à l'intérieur que à l'extérieur. Donc, si vous avez des doutes, vous hésitez, rejoignez le programme. Vous avez 14 jours pour changer d'avis. Et au 13e jour, si vous pensez que c'est pas pour vous ou que vous avez un imprévu ou n'importe quoi, il y a pas de problème. Vous nous le dites. Et on vous rembourse intégralement jusqu'au dernier centime. Et on se quittera en bon ami, d'accord? Je ne serai pas fâché. Au contraire, on va vous féliciter de prendre les décisions difficiles. Plus fort encore. Je suis tellement sûr de mon programme. Et en fait, bah, j'ai les datas, en fait, j'ai tous les données, que je vous promets des résultats garantis contractuellement. Si vous avez fait le job, si vous avez suivi le programme, et que vous avez demandé de l'aide, que vous avez partagé vos travaux dans le groupe privé, mais que dans les 6 mois, vous n'avez pas remboursé votre investissement, je vais vous offrir 2 heures de coaching en privé avec un membre de mon équipe qui va rentrer dans votre business pour vous aider et trouver quels sont les problèmes et les obstacles que vous rencontrez. Il va vous dire quoi changer et vous proposer des idées d'optimisation. Et mieux encore, si le 12e mois, après avoir rejoint le programme, vous n'avez pas récupéré votre investissement, c'est simple, je vous rachète. Je vous rachète votre formation, votre marketing, je vous rachète tout votre système pour 2500 euros cash. Et tout ce que je vous dis, c'est acté contractuellement dans les CGV qui sont sur le bon de commande. Donc, comme vous le voyez, le seul risque, c'est de ne pas profiter de cette opportunité. Ce programme, il ne vous coûte pas d'argent. Ce programme, il vous rapporte de l'argent. Soit vous allez le gagner tout seul, soit dans 12 mois, c'est moi qui vais vous racheter 2500 euros. Pourquoi? Parce que je sais que si vous n'arrivez pas à faire de l'argent avec le programme que vous avez créé, je sais que moi, je vais faire de l'argent avec. C'est pour ça que je peux vous racheter plus cher que son prix de vente. Alors, voici la vraie question. La vraie question à se poser, c'est est-ce que ça vaudrait pas la peine d'investir un petit peu d'énergie, de bouger son cul par curiosité et de cliquer sur l'offre qui est au-dessus du chat pour voir à quoi elle ressemble? Allez-y, cliquez sur l'offre au-dessus du chat. Normalement, vous allez continuer de m'entendre même si vous êtes sur mobile, même si vous êtes sur ordinateur. Est-ce que ça vaudrait pas la peine
de bénéficier de cette opportunité incroyable si vous n'obtenez rien que 10% des étudiants que je vous ai présentés. Si vous obtenez rien que 10% de ce que eux font, tous les mois, vous allez gagner votre salaire annuel actuel. Rien que 10% de leurs résultats, ça va vous faire gagner au minimum 20 fois plus que votre investissement. Donc, ce que je veux voir, je peux voir, j'ai la possibilité de voir là, en fait. Je vois que vous êtes toujours 210 auditeurs et je peux voir qu'il y a l'offre, je peux voir le nombre de clics. Donc, ce que je veux maintenant, c'est que vous cliquiez sur le bouton « Commander maintenant » juste pour voir à quoi ressemble l'offre derrière. Pas de panique, même si que vous ayez de l'argent, que vous n'ayez pas d'argent, que vous soyez hésitant, je veux que tout le monde clique sur le bouton « Commander maintenant » juste pour voir ce qu'il y a derrière, juste pour voir le résumé de l'offre. Et comme si ça ne suffisait pas encore, eh ben, je vais vous offrir en plus, en bonus, pour tous ceux qui vont rejoindre le programme avant qu'on raccroche, une session de coaching en privé avec un expert de mon équipe. Normalement, vous devriez payer 497 € pour une heure de coaching avec quelqu'un de mon équipe. Mais je vais l'offrir avec plaisir à tous ceux qui vont passer à l'action, qui vont cliquer sur l'offre, commander maintenant. On va analyser votre projet et on va vous aider à concrétiser. Attendez, il faut que je boive un petit peu, j'en peux plus là. On va analyser votre projet, vous aider à concrétiser et vérifier sa faisabilité en étant réaliste. Ça, ça va vous permettre d'obtenir un plan d'action clair, détaillé et sur mesure en fonction de qui vous êtes. Quels sont vos objectifs et d'où vous démarrez? Vous allez savoir exactement quoi faire, pourquoi le faire, comment le faire et surtout quand le faire de manière à ne jamais procrastiner. Ce coaching, il va vous servir de starter pour vous motiver et vous monter tellement en énergie que rien va pouvoir vous arrêter. Et ça, vous voyez ce truc-là, je ne l'ai pas fait une fois, deux fois, trois. Je l'ai fait avec tous mes clients. Au début, c'était moi qui faisais tous ces coachings. Et tout le monde était en énergie, mais tu vois, c'est ça la différence entre tous les autres programmes de formation à la con que tu peux trouver et le mien. C'est que je suis habité par ce que je fais, tu vois. Et vous aider à changer de vie, c'est ça ce qui me rend heureux. Et plus je suis heureux, plus je gagne d'argent. Et plus je suis heureux, plus vous gagnez d'argent. Vous voyez ? Valeur vendue seule, 497 €, mais ça va être offert à tous ceux qui vont cliquer sur le bouton « Commander maintenant » en cliquant sur l'offre au-dessus. Est-ce que tout le monde voit l'offre, s'il vous plaît? Je regarde un petit peu les messages. Ok, ok. Il y en a, alors, il y a Nemri qui dit « Où est l'offre? Je ne l'ai pas vue. » Regarde au-dessus du chat, Nemri, il y a un bouton, il y a un truc qui s'appelle « Offre ». Tu cliques dessus, sur l'onglet « Offre ». Voilà. Puis sur le bouton « Commander maintenant » pour accéder au bon de commande. Donc, qu'est-ce que vous allez obtenir si vous décidez de rejoindre le Vraiment Millionnaire? 6 semaines de formation avancée, valeur totale 11 997 €. Franchement, la vérité, c'est il y a beaucoup plus. Il y a le double, honnêtement. 3 formations bonus pour vous aider à passer à l'action. Trouver ses clients sans pub, trouver ses premiers clients sans montrer son visage, sans faire de conférence. 3 mois de suivi à travers le groupe privé. Comme ça, vous allez pouvoir me poser à moi toutes les questions, ainsi que poser ces questions aux autres membres qui ont plus d'avance que vous. Mais personnellement, le truc qui est bien, c'est qu'il y a une application mobile. Et en fait, quand tu poses une question, j'ai juste à sortir mon smartphone et te répondre en vidéo. Et ça, je le fais avec tout le monde. Pareil, quand tu vas rejoindre la communauté, tu vas te présenter. Et je vais te souhaiter la bienvenue personnellement à toi. Ouais, ouais, et à tous ceux qui vont rejoindre le programme. Vous allez bénéficier également des 6 packs clés en main d'une valeur de 20 991 € qui vous permet d'éviter, avec ça, grâce à ces packs, pas besoin d'embaucher de webmaster, pas besoin d'embaucher de rédacteur, pas besoin d'embaucher d'avocat pour les CGV, les mentions légales et la RGPD, pas besoin d'embaucher de marketeur, pas besoin d'embaucher de commercial et pas besoin d'embaucher de Rudy. Valeur totale, 35 979 €. Mais si vous décidez de rejoindre le programme maintenant, vous avez l'intégralité pour 5 petits paiements de 597 € ou alors un seul paiement unique de 1 997 €. Alors, comment on fait pour commander? Donc, je vais vous montrer comment on fait pour commander. Vous allez voir, c'est très simple et ça ne prend que 2 minutes. Alors, tac, off. Ok, donc je vais partager mon écran. Tac. Tac, c'est là.
Ok, donc comment on fait pour commander? C'est très simple, tu cliques sur l'offre au-dessus du chat, d'accord? Regardez là, dites-moi dans le chat si tout le monde voit le bouton offre. Vous cliquez dessus, là vous allez voir un bloc avec écrit « Profitez de cette offre irrésistible, c'est maintenant ou jamais ». Vous cliquez sur le bouton « Commander maintenant » pour accéder à la page, au bon de commande sécurisé. Il y a un formulaire avec les coordonnées, vous entrez votre prénom, votre nom, votre prénom, votre email, votre adresse, votre code postal, la ville, le pays, votre numéro de téléphone et votre numéro de société si vous en possédez une. Ensuite, vous cliquez, attendez, je vois que c'est pixelisé, je vais rafraîchir l'image, peut-être que ça sera mieux. Bon, c'est pixelisé, mais de toute manière, vous cliquez sur l'offre et vous l'aurez en mieux. Vous cochez les conditions générales de vente. Si vous le désirez, vous pouvez cliquer sur « Lire les conditions générales de vente ». Vous allez voir que tout est expliqué, y compris les garanties que je vous propose. La garantie satisfaire remboursée pendant 14 jours, la garantie coaching 6 mois et la garantie les résultats garantis dans 12 mois. Soit vous avez récupéré votre investissement, soit je vous rachète, je vous rembourse. Je sais plus, dans le CGV, si je vous dis soit je vous rachète, soit je vous paye 2500 euros. C'est la même chose, d'accord? C'est la même chose. Je prends tous les risques à votre place. Ensuite, vous descendez à moyen de paiement. Vous choisissez, donc soit vous réglez en une seule fois par carte de crédit, soit si vous n'avez pas 1997 euros sur votre compte, vous réglez en 5 petits paiements de 597 euros. Et oui, quand vous payez en 5 fois, il y a des frais. Mais c'est pas grave. Même si ça vous coûte plus cher, si vous avez besoin de payer en 5 fois pour rejoindre le programme, faites-le. Ça va vous rapporter de l'argent. Ça va vous sortir de la merde dans laquelle vous êtes aujourd'hui. À droite, vous avez le résumé de ce que vous allez obtenir. La formation Mindset pour devenir instoppable. La formation Création d'offres pour te permettre d'obtenir des résultats même si tu débutes. La formation Transformation Digitale pour créer les systèmes de vente, encaisser les clients comme là, comme ce formulaire, comme ce bon de commande, payer par carte de crédit sans passer par votre banque, sans avoir besoin d'embaucher de développeur. La formation comment vendre la conférence en ligne, la conférence comment closer par téléphone, parce qu'au début, avant de vendre en ligne, vous allez vendre par téléphone. La formation trafic avec la publicité, comment passer de 5000 euros par mois à 20 à 50 000 euros par mois grâce à la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur Google, sur YouTube. Valeur totale, 11 997 euros. Je vous ai dit, moi, je pense qu'il y a même le double. Les trois bonus. Bonus 1, qui te permet de faire tes premières ventes sans publicité grâce aux réseaux sociaux. Bonus 2, créer un système qui te permet d'automatiser ta prospection sans montrer ton visage. Valeur 999 euros. Je vois qu'il y a un changement. OK. Il y a un changement, un bonus supplémentaire. Tout à l'heure dans la présentation, je vous avais dit 3 mois de suivi à travers le groupe privé. Eh bien, on vient de changer puisque Hamza, dans le bon de commande, il a marqué 12 mois de suivi à travers la communauté privée. Eh bien, vous savez quoi? Tous ceux qui vont rejoindre le programme maintenant vont bénéficier non pas de 3 mois de suivi au quotidien dans la communauté privée, mais 12 mois. 12 mois de suivi au quotidien dans lequel vous allez pouvoir montrer tout ce que vous faites, demander des avis, poser des questions. Quand vous êtes en galère, quand vous êtes en panique, si vous savez pas quoi faire, vous allez pouvoir me dire, Rudy, je suis en panique, je sais pas quoi faire, je sais pas par où commencer, j'ai besoin d'aide. Vous allez pouvoir obtenir l'aide de mon équipe, de moi-même et de la communauté. Et si vous rejoignez le programme maintenant, vous allez pouvoir bénéficier également de tous les packs clés en main, valeur 20 391 euros, le pack webmaster, le pack SAV, le pack rédaction, le pack commercial, le pack légal, le pack webmarketer. Avec ça, tu vas pouvoir lancer ton business et gagner plus de 10 000 euros par mois sans avoir besoin d'embaucher de webmaster, sans embaucher de chargé de clientèle, sans embaucher de rédacteur, sans embaucher de commercial, sans embaucher d'avocat pour rédiger tes CGV, tes mentions légales, sans avoir besoin d'embaucher de webmarketer. On va tout te donner, tu auras juste des textes à trous à remplir. Et vous savez quoi? Je vais vous dire un truc dont je ne vous ai pas parlé. La bonne surprise, c'est qu'en vérité, dans ma vision du monde, dans mon système, vous savez quoi? 10 000 euros par mois, c'est les débutants. C'est un minimum, d'accord? Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. On va vous aider. J'ai vraiment préparé le maximum. En vérité, vous savez quoi? Vous avez juste à créer votre produit, c'est tout. Et tout le marketing, c'est nous. Je l'ai fait pour toi. Enfin, tu vois, tu as juste à créer ton produit
Et tout le reste, c'est vraiment, je t'ai mâché le boulot avec tous ces packs clés en main. Donc, si tu veux rejoindre le programme et que tu hésites, je t'invite à poser toutes les questions dans le chat. Je vais répondre à toutes vos questions. Si tu veux rejoindre le programme et que tu as des objections, que tu te dis, ah oui, mais quelque chose, vas-y, dis-le moi dans le chat. Je le veux. Rudy, je veux. Tu me marques dans le chat. Rudy, je veux rejoindre ton programme, mais... Et là, tu me mets ton objection et je vais t'aider à te mettre en mouvement. Vous allez voir, ça va être puissant. C'est mon métier, encore une fois. Pour réserver votre inscription à la conférence, vous deviez répondre à un sondage et vous êtes plus de 80% à avoir dit oui, je veux rejoindre le programme, mais oui, je vais rejoindre le programme et je vais me mettre en mouvement si je crois en ton opportunité. Visiblement, vous croyez en mon opportunité, donc à vous de vous mettre en mouvement, d'accord? Je fais tout pour vous convaincre, je fais tout pour vous aider, je fais tout pour vous mettre en confiance. Je vous ai fait une offre de malade avec le maximum de clés en main. Maintenant, c'est à toi de te donner la chance, d'accord? C'est aussi à toi de te mettre en mouvement, tu vois? Tu as besoin d'être poussé, tu vois? Je te pousse. Maintenant, à toi aussi de faire ce que tu vas faire. Tu remplis le formulaire, tu valides. Alors, attends, je continue. Une fois que tu as rempli le formulaire, tu cliques sur le bouton « Je profite de l'offre maintenant » et tu vas accéder à une page sécurisée dans laquelle tu as juste à mettre les 16 chiffres de ta carte de crédit, la date d'expiration, le cryptogramme, c'est les 3 derniers chiffres au dos de ta CB. Peut-être que ta banque va t'envoyer un SMS, d'accord ? Un code, ce qu'on appelle un code 3D Secure, parce que oui, tout est sécurisé, vous voyez, il y a même un petit cadenas en haut à gauche. Vous mettez ce code et boum, vous voici dans votre nouvelle vie. Vous avez démarré votre nouvelle vie. Je porte à votre attention que remplir ce bon de commande, c'est pas seulement vous offrir l'accès à un programme. Remplir ce bon de commande, valider votre achat, c'est vous mettre en mouvement vers cette nouvelle vie dans laquelle vous gagnez minimum 10 000 euros par mois. Certains vont le faire en 4 semaines, d'autres vont le faire en 3 mois, d'autres en 6 mois, d'autres en 8 mois, d'autres en 1 an. Et certains, peut-être, vont même pas y arriver. Et dans un an, c'est moi qui vais vous racheter. C'est OK, parce que de toute manière... Moi, je vois ça un petit peu comme si j'étais un label, en fait, tu vois, qui fabrique des artistes. Et je vous rappelle encore une fois aussi que je prends tous les risques à votre place avec la garantie. Satisfaction remboursée pendant 14 jours, c'est inconditionnel, ça, vous pouvez changer d'avis. Dans 6 mois, si vous n'avez pas remboursé votre investissement, on vous offre 2 heures de coaching. Et si dans 12 mois, vous n'avez toujours... Attention, il faut faire le job, hein, d'accord? Si dans 12 mois, vous avez fait le job, vous avez créé votre formation, vous avez mis en place le système marketing que je vous apprends à mettre en place, vous avez utilisé toutes les ressources que je vous donne. Si dans 12 mois, vous n'avez pas rentabilisé, je vous rachète. Aussi simple que ça, je prends tout le risque à votre place. Donc, vous voyez, la seule issue possible, c'est gagner de l'argent. D'accord? OK. Donc, je vais prendre vos questions. En attendant que vos questions arrivent, je vais faire exactement ce que vous attendez moi, c'est-à-dire de vous mettre en mouvement. Ça fait 2h22 que vous m'écoutez, vous connaissez mon histoire. Vous connaissez l'opportunité que je vous ai présentée, vous avez vu que c'est fait pour vous et tu as toutes les preuves que ça marche. Donc, je veux que tu cliques sur l'offre pour rejoindre le programme. Les excuses ont la vie dure. Et je te vois... Attends, je vais faire ça. Hop, hop, hop. Hop. OK, vous êtes encore 207 auditeurs en ce moment. Les 207 là, si vous êtes encore là, c'est que vous voulez faire du cash, d'accord? Vous avez toutes les preuves, vous savez que c'est possible, vous savez que vous pouvez le faire. Il y a 48 offres, il y a 48 personnes qui ont cliqué sur l'offre. Les autres, si vous voulez vraiment vous en sortir, il est temps d'agir en conséquence, hein. Cliquez sur l'offre, ne serait-ce que pour voir le bon de commande. Ensuite, les excuses classiques. Je ne peux pas me le permettre financièrement. Sache que tu peux récupérer l'argent, mais tu ne peux jamais récupérer le temps. Ça fait combien de temps aujourd'hui que tu galères? Ça fait combien de temps aujourd'hui que tu te dis « Ah, si j'étais riche, ah, si j'avais ci, ah, si j'avais ça, ah, je pourrais renvoyer l'ascenseur à mes parents, je pourrais leur offrir une vie meilleure, mes enfants pourraient aller dans des écoles privées, je pourrais arrêter de me contenter. » Est-ce que... Je sais pas quoi vous dire, en fait. Ça fait combien de temps que tu galères? Est-ce que tu peux te permettre aujourd'hui de rester dans les conditions actuelles indéfiniment? Si la réponse est non, je veux que tu cliques sur cette offre et que tu rejoignes le programme. Peut-être que tu te dis, j'ai pas le temps en ce moment. Sache que ton temps est précieux et tes journées sont bien remplies. Pourtant, aujourd'hui, tu as trouvé le temps de participer à cette conférence parce que tu sais que tu peux pas rester dans les conditions actuelles. Tu sais que cette conférence, elle t'apporte exactement ce que tu as besoin.
ce dont tu as besoin. Alors, si vraiment c'est important pour toi de faire du cash, si vraiment c'est important pour toi d'offrir une vie meilleure à ceux que tu aimes, si vraiment c'est important pour toi de sortir de ta zone de confort, que tu as compris que si tu veux des choses que tu n'as jamais eues, il va falloir que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites, je veux que tu cliques sur cette offre et je veux que tu rejoignes ce programme. Excuse numéro 3, je n'ai pas confiance en moi-même. Sache que c'est mon travail et ma mission justement de t'aider à prendre confiance. Et grâce au framework millionnaire, ça ne sera plus jamais un problème, la confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a ce module mindset qui va changer ta vie. Et je te promets, en fait, tous ceux qui suivent, qui rejoignent le framework millionnaire, tout le monde a les jetons au début. Hein. C'est normal d'avoir la trouille. Je vous le dis d'avance, là, je sais qu'il y en a plein parmi vous. Vous hésitez, là, vous avez la CB dans la main, vous avez la trouille. Et c'est normal. Et justement, si vous avez la trouille, c'est un bon signe. Ça, je vais vous en reparler plus tard. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que tous ceux qui rejoignent le framework millionnaire et qui suivent la formule, la formation mindset, au bout de 7 jours, ils m'envoient un témoignage en vidéo dans lequel ils me disent « Waouh, Rudy, ça fait juste 7 jours que j'ai rejoint le framework millionnaire et tu as déjà changé ma vie. » Comme vous, là, ça fait 2h30 que vous êtes là en train de m'écouter et je suis sûr que vous vous dites « Putain, merde, en 2h30 de gratuit, il a déjà changé ma vie, il a déjà changé ma vision, il a déjà changé mon avenir. » Et si c'est ton cas, si justement tu es dans cet état d'esprit, bah, je veux que tu cliques sur cette offre et que tu rejoignes le framework millionnaire. Tu vas y trouver un module mindset qui va te permettre d'adopter l'état d'esprit des entrepreneurs qui ont du succès. Tu vas découvrir une véritable communauté soudée de gens bienveillants qui sont comme toi, comme moi, qui sont passés. Tu vas rencontrer d'autres personnes qui sont comme toi à cet instant, mais il y a quelques semaines ou quelques mois. Tu vois, des gens qui comprennent tes galères, qui comprennent tes angoisses, qui comprennent quand c'est dur. Des gens qui vont te féliciter, qui vont t'encourager. Tu vas voir que dans cette communauté, je fais des lives réguliers, mais les autres membres aussi. Et toi aussi, tu vas faire des lives réguliers qui vont te permettre de prendre la parole. Toutes les semaines, je fais des lives hebdomadaires pour vous motiver, pour vous soutenir, pour répondre à vos questions. Et tu vas voir qu'il y a aussi tous mes coachs aussi qui sont là pour t'aider à chaque fois que tu vas le demander. La quatrième excuse, c'est ceux qui disent qu'il y a toujours un truc qui bloque en dehors de leur contrôle. Et je connais la chanson, hein. J'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs. Je connais vos excuses et les problèmes possibles par cœur. D'accord? Je les collectionne même dans une bibliothèque. C'est réel. Mon job, je vous le redis, ma mission, c'est mon métier et je suis là pour vous aider. Alors, si vraiment, tu veux réussir et que tu veux dompter tous les problèmes extérieurs qui t'empêchent de réussir, je veux que tu cliques sur l'offre au-dessus du chat pour rejoindre mon programme. Il reste 7 minutes 47. Il va falloir vous bouger. Je fais tout. Honnêtement, j'ai packagé le maximum. Vous avez juste à créer votre produit. Et si vous n'y arrivez pas, encore une fois, c'est moi qui prends tous les risques à votre place. 47 sont remboursés, 2 heures de coaching offert, et je vous rachète dans 12 mois. Là, tu peux pas dire que tu n'as pas le contrôle. Ok, en attendant je vais démarrer la session questions-réponses. Il y a beaucoup de questions, c'est génial. Franchement, vous êtes une audience mais exceptionnelle, d'accord? J'ai fait ce webinar il y a 15 jours et je peux vous dire qu'il vous arrivait pas à la cheville, les gens, il y a 15 jours. Combien de temps il faut y consacrer? Il faut y consacrer entre 10 à 15 heures par semaine, d'accord? Quand allez-vous avoir des résultats? Ça dépend de vous, ça dépend de votre engagement, ça dépend de votre motivation. Plus vous allez travailler et produire vite et plus vous allez obtenir des résultats rapidement. Si vous êtes une tortue, ou si vous avez besoin d'avancer rapidement, lentement, c'est ok, vous allez pouvoir suivre la formation à votre rythme. Il y a des gens qui vont rentabiliser cette formation, qui vont gagner 10 fois leur investissement d'aujourd'hui en 30 jours, et il y en a d'autres, ça va être en 3 mois, et d'autres en 6 mois, et d'autres en 12 mois, et d'autres à qui je vais racheter le système. C'est ok pour moi, parce que de toute manière, je sais que si vous faites le job, vous produisez, je sais que quand en vous rachetant, je vais gagner de l'argent. C'est aussi simple que ça. Mais peut-être qu'on pourra faire un partenariat. On verra dans 12 mois. Mais honnêtement, si vous faites le job dans 3 mois, vous gagnez 10 000 euros par mois, en voyant large. Ensuite, est-ce qu'il faut des outils supplémentaires? Alors oui, il faut quelques outils supplémentaires, mais rien de payant au début, d'accord? De toute manière, moi je vous ai dit, j'ai mis des formations pour aider même ceux qui n'ont pas beaucoup de budget au départ. Moi au départ, quand je me suis lancé, j'étais comme ça les gars. Hein. Et c'est pour les gens comme moi, à l'époque où j'étais un cassos, que j'ai créé ce programme. Peut-être que tu te dis que tu as déjà suivi des formations précédemment sans résultat. Bah, tout simplement, regarde, je t'invite à te poser la question, qui étaient les formateurs? Est-ce qu'ils étaient animés par cette énergie, par cette passion que moi j'ai? Est-ce que la formation que tu avais achetée avant était alignée avec ton identité et qui tu es? Encore une fois, si tu fais quelque chose qui n'est pas aligné avec qui tu es, c'est normal de procrastiner, c'est normal de s'auto-saboter. Tandis que là, on va, lors du module Mindset, définir quelle est ton identité, et dans le module 2 sur la création d'offres,
on va définir, on va, je vais t'aider à définir quelle est ta mission de vie. Et ainsi, tu n'as plus qu'à faire ce que tu es. Et ça glisse tout seul quand on fait ce qu'on est. Je peux payer après en échange d'un pourcentage. Alors, je sais que cette question-là, je sais, vous allez me la marquer. Et non, ça marche pas. J'ai déjà essayé. Ça marche pas quand tu fais ça. Pourquoi? Parce que tu vois, rejoindre le programme, c'est un cadeau qu'on te fait aussi. Ce cadeau, c'est quoi? C'est celui de t'engager dans ta réussite. Ce qui est gratuit n'a aucune valeur. Et si demain je vais t'accepter sans que tu payes aujourd'hui, je sais très bien que tu vas pas être engagé en fait. Et tu vas pas faire les efforts. À la moindre difficulté, dès que tu vas prendre une balayette, bim, tu vas dire ah ben non, c'est pas pour moi, tu vas aller pleurer. Sachez qu'on parle d'entreprendre, d'accord? Et réussir, c'est pas facile. Enfin, suivre un process, c'est facile, d'accord? Et accepter les balayettes que vous allez rencontrer, parce que vous n'allez pas réussir du premier coup. Ça, il y a qu'en vous engageant financièrement que vous allez être capable de relever. Et si je vous donnais le programme gratuitement, ben je sais très bien que vous n'allez pas le suivre. D'ailleurs, vous savez, même sur ma chaîne YouTube, je donne beaucoup de trucs. Et les gens ne le font pas, parce que justement, c'est gratuit. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Est-ce qu'il y a besoin de montrer son visage? Non, vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage, d'accord? C'est pas une obligation. Moi, je vous le conseille, mais je vais vous donner des techniques pour vendre, pour gagner plus de 10 000 euros par mois. Encore une fois, je vous le rappelle, 10 000 euros par mois, c'est le minimum, d'accord? Vous avez vu les témoignages, hein, ils gagnent beaucoup plus, hein. Et c'est des gens qui ont mon âge, mais c'est aussi des gens de 22 ans. Et j'ai encore d'autres témoignages de gens qui sont plus jeunes, qui ont 18 ans, qui ont 20 ans. Baptiste, vous avez vu son âge? Et j'ai d'autres témoignages de gens qui ont 18 ans. Alors, je ne vois pas mineur parce que ce serait discutable. Mais tout le monde peut le faire, en fait. Comment être sûr que les clients vont avoir des résultats? D'accord, je sais qu'il y en a plein, justement, et c'est tout à votre honneur. Vous dites, ah, mais je suis débutant, et comment être sûr que mes clients vont avoir des résultats? Bah, tout simplement, justement, dans le module 2, sur la création d'offres, je vais te partager avec toi un système, une pédagogie qui vont te permettre de délivrer des résultats à tes clients. Ma promesse, c'est que si tu suis mes process, tes clients, ils vont adorer tes programmes. Même si tu débutes, tu vas y apprendre comment être pédagogue, comment être intéressant, comment t'exprimer en public, comment parler avec eux, quel logiciel utiliser, quelle technologie, quelles sont les conditions. Combien de temps ça dure? C'est illimité. Est-ce que l'accès est à vie? Alors, à vie, autant tant que je suis dans le business, en tout cas. Voilà. Donc, je peux pas te garantir que dans 20 ans, tu auras toujours accès au programme, mais dans 12 mois, oui, tu devrais toujours y avoir accès. Est-ce qu'il y a des coachings? Dans la communauté, en fait, je vous invite systématiquement à partager tout ce que vous produisez de manière à ce que mon équipe, moi-même, mais ainsi que toute la communauté puisse t'aider. Est-ce que c'est finançable? Non, parce que je facture depuis ma société au Maroc. Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Oui, tu peux soit effectuer un paiement unique de 1 997 € ou 5 petits paiements de 597 €. Est-ce que tu peux suivre le programme en couple? Oui, bien sûr, et je vous invite à le faire. Par contre, il y a une licence par personne. Donc, si vous êtes en couple ou si tu as un associé ou quoi, je vous invite tout simplement à rejoindre le programme et après, vous nous le dites que vous avez besoin de plusieurs licences et on fera une très, très grosse réduction sur la formation en ligne pour soit votre partenaire, soit votre associé. Donc, ça ne sera pas un problème et comme ça, chacun aura son propre accès, pourra poser ses questions, rejoindre la communauté et tout ça. Est-ce qu'on peut débloquer tous les modules en avance pour ceux qui sont pressés? Oui, mais je recommande de pas le faire. Les modules se débloquent chaque semaine. Pourquoi? Parce que pour que vous puissiez, pour que ce soit clair sur tout ce que vous devez faire dans l'ordre. Maintenant, si vraiment vous êtes pressé parce que vous avez tout le temps pour avancer vite, on peut tout vous débloquer d'un seul coup. Voilà, je vais faire un tour sur les questions. Alors, Pascal qui dit, je suis déjà en accompagnement, mais pas celui-ci. Pascal, c'est simple, si tu as consacré ces 3 heures à participer à cette conférence, c'est que tu es conscient que ton accompagnement actuel ne répond pas à tous tes besoins. Et donc, si tu penses que, enfin, si c'est la réalité que cet accompagnement ne répond pas à tous tes besoins, s'il te plaît, laisse tomber l'accompagnement actuel, viens rejoindre mon programme, très clairement. Parce que nous, on va t'aider et spécialement, en fait, c'est à toi de voir. Si ce que je propose, si mon offre est alignée avec tes besoins, avec ce que tu veux, avec qui tu es, avec ton identité, avec ta mission de vie, c'est facile, rejoins le programme, honnêtement. Lâche ton accompagnement et viens. Ensuite, Chat qui dit « je suis convaincu, mais je suis vraiment coincé financièrement en ce moment ». Alors, Chat, je vais te raconter une histoire. Moi, quand je me suis lancé, donc, je vous rappelle… je me fais couper l'EDF, je galère, je suis obligé de compter les centimes, véridique. Hein. Attendez, je vais repasser en facecam.
34 secondes pour cliquer sur le bouton commander maintenant. Donc dépêchez-vous, ceux qui veulent, ceux qui hésitent, cliquez au moins sur le bouton commander maintenant. Vous n'êtes pas obligé de commander maintenant, mais cliquez sur le bouton commander maintenant parce que l'offre va disparaître. Dans 20 secondes exactement, l'offre va disparaître. Donc dépêchez-vous d'aller au moins sur le bon de commande. Tac, je vais repasser en facecam. Ok, ok. Donc, petite histoire. Comment on fait quand on n'a pas l'argent? Bah, tout simplement, il suffit d'aller le chercher. À cette époque-là, donc, j'étais serveur, j'étais obligé de compter les centimes pour faire les courses. Je vous jure, j'achetais du jambon, des pâtes et du fromage. Mes enfants ont mangé le jambon, les pâtes avec le fromage. Et la mère de mes enfants et moi, on mangeait juste les pâtes avec du beurre. Et donc, j'allais dans un cybercafé, j'ai tapé comment gagner de l'argent. Et j'ai trouvé qu'il y avait des techniques. À cette époque-là, bah, comme je viens de vous le dire, j'étais obligé d'aller dans un cybercafé. J'avais pas d'ordinateur. On était en 2003 ou en 2002, je sais plus. Et donc il me fallait, je lis qu'on peut gagner de l'argent sur Internet. Et mais j'ai pas d'ordinateur, j'avais pas d'argent, donc j'étais comme toi, comme vous tous là, qui me dites ouais, je suis intéressé, je veux revendre le programme, mais j'ai pas l'argent. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis allé le chercher, je suis parti faire un crédit. Donc à cette époque-là, moi j'étais tout le temps découvert. Je demande à ma banque qui me prête l'argent. Ils me disent non, c'est pas possible. Si vous voulez qu'on fasse, on peut vous prêter de l'argent, on peut vous prêter 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, mais il faut que vous restiez 45 ou 60 jours, je me rappelle plus, sans découvert. Ce qui était impossible dans mon cas. Honnêtement, j'étais tellement comme ça, j'avais besoin du découvert. Donc qu'est-ce que je suis parti faire? Je suis parti faire un crédit revolving. Ou un organisme de crédit. Aujourd'hui, il y a plein de sites de crédit revolving en ligne, par exemple. Je vais vous marquer dans le chat le site floabank.fr qui peut facilement vous prêter 3 000 euros pour rejoindre mon programme. Et tu vois, donc moi, à cette époque-là, j'avais emprunté 2 000 euros pour acheter un ordinateur et ce qu'on appelle un pocket PC, c'est l'ancêtre des smartphones, ce qui me permettait de me former quand j'étais au restaurant pendant mes coupures. Et donc, mon crédit revolving, je l'ai remboursé, je sais plus, 6 ou 8 mois plus tard. Donc, j'avais emprunté 2 000. Et avec le remboursement, bah, j'avais remboursé 3 000, en fait, au total. Et, donc, tu vois, quand même, j'emprunte 2 000, je rembourse 3 000. Mais est-ce que c'est une bonne affaire? Bien sûr que c'est une bonne affaire. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas emprunté? J'aurais continué de galérer toute ma vie. Et peut-être que j'aurais fini à la rue, tu vois. Et ça, il n'était pas question, tu vois. Et, en fait, tu vois, en faisant ça, je me suis doublement engagé. Et comme je vous le disais, honnêtement, aujourd'hui, moi, je peux vous dire, sans tabou, je suis parfaitement à l'aise avec ça. Si tu es en galère pour rejoindre mon programme, emprunte, rejoins mon programme, fais le job. Et si tu fais le job, comme moi, dans les semaines ou les mois à venir, tu vas rembourser ce crédit et tu vas gagner minimum 10 000 euros par mois. Si tu fais le job, bien sûr. D'accord? Et encore une fois, j'ai mâché tout le travail. Et il y a ce groupe qui est là pour t'aider. Tu vois? La seule issue possible, regarde, je prends tous les risques à ta place. Donc voilà, Chat, Andrea, Olivia, Saïd, Leïla, Daniel, enfin tous ceux qui sont fauchés là, voilà, je vous ai donné la solution. Rejoignez, allez emprunter tout simplement, allez emprunter et rejoignez le programme. Et vous allez rembourser le crédit, ce sera pas un problème. Et au contraire, vous savez quoi? J'ai même envie de vous dire, quand vous savez qu'il y a un crédit derrière, ça vous motive encore plus à faire le job, tout simplement. C'est un engagement. Peut-être que tu te dis que tu as envie, mais que ça te fait peur. Si tu as peur de pas faire le job, bah justement, le module Mindset, il est là pour ça. Si tu as peur de ne pas réussir, je te dis d'avance, tu vas prendre des balayettes. Et le groupe de suivi, il est là pour ça. D'ailleurs, on te prépare à la résilience dans le module Mindset. Peut-être que tu as peur, parce que c'est inconfortable l'idée de sortir ta CB. C'est inconfortable l'idée de prendre un crédit, c'est inconfortable de t'engager sur 2000 euros. C'est inconfortable de se dire qu'il va falloir travailler. Et justement, si tu as peur de l'inconfort, bah c'est très bon signe. Parce que ça veut dire que tu es en train de te mettre en mouvement. Si tu as peur, si c'est inconfortable, c'est bon signe parce que ça veut dire que tu es en mouvement. Alors, fonce vers ce qui te fait peur, justement. Peut-être que tu as peur de la technique. Et aujourd'hui, je veux dire franchement, la technique, elle se résume à faire des glissés-déposés. Si tu sais rédiger un email, tu es bon pour devenir webmaster autonome sur ton marketing. Et encore une fois, il y a plein de clés en main. J'ai fait le maximum pour toi. Peut-être que tu as peur du jugement des autres. D'accord? Peut-être que tu as peur du jugement des autres et peut-être que tu as peur que les gens te disent « Ah, tu t'es fait arnaquer, tu as payé 2 000 euros pour une formation. » Je veux dire, franchement, moi aussi, à une époque, j'étais un petit peu dans ce mindset-là. Et regarde les témoignages que j'ai partagés.
Aujourd'hui, peut-être que tu te dis, tu as l'impression de perdre en statut en faisant cet investissement, en investissant une fois 1997 euros ou cinq fois 597 euros. Peut-être que tu as l'impression d'une quiche, peut-être que tes proches, tes amis, ils vont se foutre de ta gueule. On va aller se faire foutre. Dans quelques semaines, tu vas leur dire combien tu gagnes. C'est quoi? Moi, quand je me suis lancé, je me rappelle. Donc, je te rappelle, j'étais serveur, j'avais CDI, père de famille. Je me lance, je fais ce crédit, je me lance, et 8 mois plus tard, je gagne 1 500 euros par mois. Seulement 8 mois plus tard. Bon, par contre, il m'a fallu 10 ans pour gagner 10 000 euros par mois. Quand je dis, tu vois, je me dis, OK, si à temps partiel, j'arrive à gagner 1 500 euros par mois, qu'est-ce que ça va être si je me mets à plein temps? Et donc, j'en parle à la mère de mes enfants, j'en parle à ma mère, j'en parle à ma belle-mère, j'en parle à tout le monde parce que j'étais inquiet, ça me faisait peur. Et tous, ils m'ont dit, t'es inconscient, Rudy, t'es père de famille, tu vas quitter ton CDI pour aller t'amuser sur Internet. C'était dur, hein, franchement. C'était vraiment dur. Et vous savez quoi? Un mois plus tard, je prends 1 500 balles. D'accord? Ou si, non, ah oui, un mois plus tard, je passe de 1 500 euros à 3 000 euros. Et savez quoi? Je suis tous partis les voir, mais j'étais mauvais. Je les ai tous défoncés, j'ai tous savaté. Je suis parti les voir. Combien tu gagnes, toi? 1 500 balles par mois? Ok, moi, c'est ce que, moi, c'est ce que j'ai gagné le mois dernier. Et ce mois-ci, j'ai gagné 3 000 euros. Et pendant que je te parle, je suis en train de gagner de l'argent. Alors, c'est qui le plus inconscient? C'est toi ou c'est moi? J'ai plein d'autres anecdotes comme ça. Ah, je vous raconte le jour où j'étais convoqué par la psychologue scolaire pour mes enfants à l'école. Vous allez voir, c'est énorme. Donc, peut-être que tu as peur du jugement des autres, d'accord? Mais sachez que si personne ne te critique, c'est que tu n'as aucun impact. Et la bonne nouvelle, c'est que l'argent suit l'impact. Et que donc, plus tu auras de critiques et plus tu vas gagner d'argent. Peut-être que tu as peur du travail, d'accord? Parce que ça demande du boulot, d'accord? Mais choisis un travail que tu aimes, et plus un seul jour tu ne travailleras. C'est la base de l'ikigai et de ce qu'on enseigne justement. Aujourd'hui, travailler dans ton job de merde, c'est dur parce que t'aimes pas ça. Te lever pour aller à l'école, c'est dur parce que t'aimes pas ça. Te lever, glander toute la journée chez toi, c'est dur parce que t'aimes pas ça. Mais vous voyez l'énergie là, vous voyez comment je postillonne quand je parle? Parce que je suis animé par ce que je fais. Et si tu rejoins ce programme, si tu t'engages en réglant une fois 1 997 euros, ou cinq fois 597 euros, ou même que tu fais un crédit, que tu empruntes pour jouer à ce programme, tu vas être engagé et tu vas être aussi motivé que moi. Et ça va glisser tout seul. Je suis un dimanche en chemise, en train de vous aider à vous mettre en mouvement. Et ça glisse tout seul. Et j'aime ce que je fais. Je suis animé par ce que je fais. Et toi aussi, si tu rejoins ce programme, tu vas être animé par ce que tu fais. Et c'est comme ça que tu vas gagner 10 000 euros par mois. Peut-être que tu as peur d'entreprendre. Ok, entre un salarié et un entrepreneur, quelle est la vie la plus dure, selon toi? L'entrepreneur ou le salarié? Oui, entrepreneur, tu renonces à des plaisirs immédiats pour avoir du bonheur à long terme. Mais le salarié, c'est quoi? Aujourd'hui, on te dit, échange le tiers de ta vie, putain, sur une journée, 24 heures. Tu dors 8 heures, tu travailles 8 heures, ok? Et tu as 8 heures de plaisir, entre guillemets. Sur ces 8 heures de plaisir, entre guillemets, il y a les transports, il y a faire la bouffe, faire le ménage, faire les courses, toucher les petits, tout ça, ok? Tu restes combien de temps pour vivre? Il te laisse juste le week-end, grosso modo. On est d'accord? Aujourd'hui, tu échanges ta vie pour survivre le week-end. D'ailleurs, tu arrives le week-end, tu n'as même pas de quoi kiffer la vie, tu n'as même pas de quoi t'offrir une place de cinéma. Tu sors pas, moi je me rappelle, à l'époque, les seules sorties, j'emmenais mes enfants au parc parce que c'est tout ce que je pouvais leur payer. D'accord? Et peut-être que tu te reconnais justement dans cette vie de merde. Tandis que quand tu es entrepreneur, oui, ça requiert de prendre des risques, oui, ça requiert de faire ce qui fait peur. J'ai envie de dire, franchement, tu prends plus de risques à rester salarié. Pourquoi? Pour avoir une retraite un jour. Tous les 5 ans, on augmente la retraite. C'est quel âge maintenant la retraite en France? 65 ans. Après, ça va être 70, 72, 75. Et en plus, les caisses de retraite, elles sont endettées. Honnêtement, il faut être con pour croire qu'il va encore y avoir une retraite. Le seul moyen d'avoir une retraite, c'est de te constituer ta retraite. Et crois-moi que quand tu gagnes 10 000 euros par mois, c'est facile d'anticiper ta retraite. C'est quoi? Si tu suis mon système, si tu génères des revenus passifs, en vendant ton savoir et en suivant mes process, c'est simple, jour après jour, tu vas voir ton compte en banque se remplir sans même que tu aies besoin de faire d'économie. Peut-être que tu te dis c'est une arnaque, que c'est trop beau pour être vrai. Mais tu as vu toutes les preuves, tu as vu les témoignages en vidéo. Je monétise Internet depuis 2003 et honnêtement, ça serait connu si je vendais des programmes de formation pourris. Tu as vu tous les témoignages, tu as vu mes CGV, tout est acté, d'accord? Même les garanties de résultats. Et ça, il n'y a personne qui le fait sur le marché. Si tu es encore là, bah c'est que clairement tu veux te mettre en mouvement. Tu me fais confiance. Là, je vous ai littéralement tous hypnotisés. Vous êtes là, face à moi, faites sur votre ordinateur, peut-être sur votre mobile, avec la CB qui est pas loin, vous posez la question, j'y vais ou j'y vais pas. Je vous ai convaincu, maintenant à toi de te mettre en mouvement.
Si tu prends des décisions faciles, tu auras la vie difficile. Ok, c'est ta vie jusqu'à présent. Si tu prends des décisions difficiles, alors ta vie sera facile. D'accord? Si tu veux des choses que tu n'as jamais eues, faire des choses que tu n'as jamais fait. Aussi simple que ça. Je regarde un petit peu les questions. Franz qui dit si on convertit régulièrement, j'ai pas bien compris. Frédéric qui dit oui, c'est un investissement qui rapporte. C'est clair. C'est clair. Ça va être la même, meilleure décision de ta vie, hein, rejoindre son programme. C'est ce que disent la plupart des clients. La meilleure décision de ta vie. Olivia, Lège qui dit 50 000, mais j'ai que 300. Emprunte, tout simplement. Jacques qui dit j'ai pas ce budget. Emprunte et rejoins ce programme. Ce sera pas un problème de, fais le boulot et ce sera pas un problème de rembourser ce crédit. D'ailleurs, c'est ce que font toutes les entreprises, hein. Sors de chez toi. Regarde les 10 premières entreprises que tu vas croiser. Elles ont des bureaux d'immobilier, une boulangerie, un restaurant, une pizzeria, un libraire, un kiosque, n'importe quoi. Tous, ils empruntent. C'est ce que font tous les entrepreneurs pour se lancer. C'est Trump qui disait, Trump disait, je suis peut-être l'Américain qui a le plus de crédits. Et j'adore ça. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ces crédits qu'ils fabriquent de l'argent. D'accord? Toi, demain, tu empruntes 2000, 3000, 5000, 10 000, je sais pas, pour rejoindre l'un de mes programmes. Ça va te rapporter 100 fois plus. C'est un investissement. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des crédits pour acheter des iPhones. C'est de la merde. Ça va pas te rapporter de l'argent. Là, tu vois, on parle d'investissement. Ça te rapporte de l'argent. Olivia qui dit, je mettrai le prix, mais j'ai même pas 100 empreintes. Frédéric, prêt à payer une fois l'argent rentré. Non, Frédéric, justement, ça, c'est le mindset de salarié, d'accord? Le salarié, il travaille contre un chèque, tu vois. Si je te dis, tiens, vas-y, 100 euros, fais le job pour 100 euros, mindset salarié, d'accord? Il faut que tu sortes de ce pattern, d'accord? Ça, il dit 35 000, j'ai rien. C'est pas 35 000, ton investissement aujourd'hui, c'est une fois 1987 euros ou 5 fois 797 euros. Anna qui dit, j'ai une question, j'attends la question. Jacques qui dit, proportionnel, moins gagné. Olivia, je veux, mais j'ai pas d'argent. Alors, attendez, je suis désolé, je vais faire un tri, d'accord? Je vais pas citer tout le monde, je vais essayer juste de filtrer pour avoir les bonnes questions. Anna, est-ce qu'il y aura d'autres investissements à part cet investissement? Non, a priori, non. Ou alors si, au fur et à mesure, en fait, que tu vas évoluer dans ton investissement, tu vas être amené à faire d'autres investissements. Mais ça ne sera pas un problème puisque tu auras déjà encaissé des sous. L'argent ne sera pas un problème. Chat, Rudy, je n'ai pas cette somme avancée, tu sais quoi faire. Amir, il faut que je fasse un crédit car je n'ai pas cette somme. Ben, félicitations, Amir, fais-le. Demain, moi, ce que je te propose, tous ceux-là qui sont en galère, qui veulent rejoindre le programme, qui sont convaincus, ce que je vous propose de faire, c'est demain matin à 9h, vous allez à votre banque. Vous demandez à votre banque si elle peut vous avancer 2000, 5000 ou 10 000 euros, peu importe, pour... moi, mon programme, c'est une fois 2000, une fois 1997 euros ou 5 fois 597 euros. Moi, ce que je vous propose, si vous allez emprunter, c'est demander à votre banquier qu'il vous prête 5 000 ou 10 000 euros, voire même 15 000 euros. Comme ça, vous serez parfaitement à l'aise. Ça, c'est si c'est votre banque qui finance, d'accord? Si votre banque ne veut pas vous financer parce que vous n'avez pas de salaire, vous êtes à découvert, des trucs comme ça, à ce moment-là, vous allez voir un organisme de crédit comme floabank.fr. Vous tapez dans Google « crédit en ligne ». Si vous passez par un organisme de crédit autre qu'une banque, là, par contre, je vous recommande d'emprunter seulement le montant dont vous avez besoin. 2000 euros ou 3000 euros. Comme ça, vous pourrez aller avec la publicité et ça va bien plus vite. Si c'est la banque, franchement, comportez-vous comme des vrais entrepreneurs. Minimum, vous empruntez 2000, sinon 5000, soit 10 000, soit 15 000. Ça, c'est vraiment le top du top si c'est votre banque qui finance. Si c'est un organisme de crédit traditionnel, demandez seulement 2000 ou 3000 euros. Parce que les intérêts sont plus élevés sur cet organisme-là. Anna, j'ai un CA de zéro pour le moment. Est-ce que ça marche aussi? Oui, Anna, surtout si tu es déjà créatrice de contenu, si tu as déjà une expertise. Ce programme, en fait, vous savez, il est tant pour les experts que pour les débutants. Moi, au début, quand je me suis lancé, je formais les experts, d'accord? Mais les débutants sont venus à moi parce qu'ils ont vu le potentiel. Et donc, je me suis adapté et j'ai rajouté plein de formations justement pour pouvoir servir les débutants. Aujourd'hui, j'ai plus d'impact en accompagnement, en formant des débutants qu'en formant des experts, très clairement. Nemri qui dit, je veux savoir combien ça coûte, si je peux le diviser par 5 chaque mois, une part, voilà, Nemri, oui, tu peux régler en 5 fois. T'as pas de carte bancaire, est-ce que tu peux payer avec la poste? Alors, oui, Nemri, si tu veux, tu peux payer par virement, non, les paiements par virement, c'est uniquement pour les paiements en une seule fois. Donc, Nemri, je t'invite tout simplement, tu vas à la poste et tu demandes à la poste qu'elle te finance. Claudia qui dit, je suis en Martinique, je tiens à avoir un coaching régulier avec le décalage, ça sera possible. Alors, j'ai une offre de coaching régulier, Claudia.
mais c'est une offre, qui est high ticket. Ça, on t'en parle. Si tu veux rejoindre le programme, rejoins le programme et lors de l'appel de bienvenue, lors de la session onboarding, on te parlera de ces offres de coaching réguliers, d'accord, qui sont en option. C'est pas pour tout le monde, mais cette offre, elle existe. Claudia. Et sinon, juste profite de la formation. De toute manière, il y a la communauté privée. À chaque fois que vous avez besoin d'aide, à chaque fois que vous posez des questions. D'ailleurs, c'est amusant, mais dans la formation, il y a un robot qui envoie des pop-up qui dit, si tu es bloqué, n'hésite pas à poser des questions. Pose des questions dans le groupe. Si vous êtes bloqué, moi, je veux que vous me le dites. Faut le dire, comme ça, on peut vous aider. C'est indispensable. Andrea qui dit, j'ai pas tout ça d'argent, y a-t-il un autre prix? Andrea, tu peux régler en 5 fois. Christiane, je veux changer de vie, je pourrais payer si j'ai les moyens. Va chercher les moyens, tout simplement. Mohamed qui demande si c'est éligible au CPF. Non, puisque je ne suis pas en France. Mais je suis, ma société est à Marrakech et moi j'habite à Marrakech. D'ailleurs, regardez, là, il fait très beau dehors. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que je peux. Attendez. Tac. Nemri, combien ça coûte? Une fois 1997 euros ou alors 5 fois 5 petits paiements de 597 euros? Nemri qui dit j'ai pas vu l'offre, tu cliques, l'offre est au-dessus du chat. Je sais pas si l'offre est toujours active. Oui, Hamza l'a remise, génial. Bravo Hamza. Serge, ma commande est en cours de traitement. Eh ben, ça prend du temps. Oui, c'est normal que ça prend du temps. Alors je vais voir si tout fonctionne bien. Sachez que sur le bon de commande, si vous rencontrez des difficultés, il y a en bas à droite, il y a une petite pop-up. Vous pouvez demander de l'aide, d'accord? Et à ce moment-là, notez votre numéro de téléphone et mon équipe reviendra vers vous pour vous aider. Serge, bienvenue. Je vois que tu as rejoint le programme. 5 paiements de 597 euros. Bienvenue à toi, Serge. Tu vas kiffer. Mohamed, j'ai vu l'offre, c'est intéressant, mais j'aimerais savoir si c'est éligible. Non, c'est pas éligible. Et honnêtement, même si c'est pas éligible, c'est pas un problème. D'accord? Tu vas trouver plein de formations éligibles au CPF, mais qui n'arrivent pas à la cheville de ce programme. À quoi ça te sert d'acheter, de rejoindre un programme éligible au CPF, c'est-à-dire qui est financé par l'État, qui va te rembourser, mais qui va pas te permettre d'obtenir des résultats. Là, tu vois, mon programme, c'est sûr et certain que tu vas avoir des résultats. C'est garanti, satisfait ou remboursé. Il y a des garanties de résultats dans les CGV. Tu as juste à faire le job, c'est tout. Donc, tu vois, je peux entre une formation qui n'est pas remboursée et qui t'apporte des résultats, qui te les garantit, et une formation éligible qui te permet d'échouer, d'ailleurs, au passage, puisque tu te dis, ah ben, je paye pas, donc si j'échoue, c'est pas grave. Mais tu vois, si tu penses comme ça, en fait, tu te permets déjà d'échouer. Tu te permets, en fait, une porte vers la médiocrité. Résultat, tu vas pas avancer. Chanice, j'ai pour habitude de finir ce que j'ai commencé. J'ai à peine 18 ans, j'ai choisi d'entamer des études de médecine et je compte bien terminer cette année car je me suis engagé auprès de mes parents cette année à qui on a investi 2000 euros dans une prépa. De plus, je ne me connais pas assez et j'ai aucune idée de ce que je peux vendre. Alors, Chanice, sache que j'ai des médecins dans le framework millionnaire. Ouais, j'ai des médecins. J'ai des médecins, j'ai des docteurs, j'ai plusieurs doctorants, en fait. Et justement, tout le monde est content, en fait. Parce que même si tu évolues dans la médecine, ça va encore plus t'aider, très clairement. Et rejoins le programme et tu verras que quand tu vas dire « je suis en prépa de médecine », ces gens-là, ils vont certainement se manifester et venir vers toi et te conforter dans l'idée que tu as fait le bon choix de rejoindre ce programme, Chanice. Pascal, je suis en accompagnement avec Alvarez et Wilfried pour mon accompagnement Facebook, Instagram. Qu'en pensez-vous? J'ouvre ma première boutique. Pascal, il faut qu'on en parle. J'aimerais bien savoir c'est quoi ce truc-là. Lionel, je voudrais bien, mais je peux pas payer ces frais pour l'instant. Comme je suis étudiant, je fais comment? Tu empruntes. Pascal qui dit ma formation accompagnement est de presque 1000 euros. Merci de votre réponse. J'ai pas compris ta question. Anna, pouvez-vous répondre à la question n'ayant pas encore de société, comment ça se passera pour moi? Pour l'instant, je teste mon idée avec une association. Alors, Anna, tout simplement, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas passer en auto-entrepreneur. Les formalités se font en ligne, c'est vraiment facile. Et à partir de, c'est quasiment immédiat, je crois. Toutes les formalités sont en ligne, tu passes en auto-entrepreneur et à partir de là, grâce au logiciel que je vais te donner, tu vas pouvoir créer ton site, être autonome et même pouvoir encaisser des clients. Voilà. Rudy, Olivia qui dit Rudy, je veux rejoindre ton programme, mais j'ai pas les moyens. Bon, bah voilà, tu sais quoi faire. Nemri, j'ai déjà répondu. Thierry, je veux rejoindre le programme, mais en fait, c'est une marque de vêtements que je veux relancer. Comment ça peut m'aider? Car je n'ai pas vraiment compris. Alors, si tu veux lancer une marque de vêtements, j'ai un programme qui peut, mon programme peut t'aider, mais c'est pas fait pour toi. Mon programme est fait pour ceux qui souhaitent vendre leur savoir. D'accord? Maintenant, si tu sais, en fait, c'est la même chose qu'on fait, mais c'est juste qu'il faudra
Tu raisonnes un tout petit peu différemment. Mais si tu veux lancer une marque de vêtements, tu vas avoir besoin de communiquer, de faire de la publicité, de créer un site web et tout ça. Donc, ça peut t'aider. Rachid, en tant que non-voyant, comment pourrais-je rejoindre ton programme? Alors non, je suis désolé Rachid, si tu es non-voyant, je ne pourrais pas t'aider. Désolé. J'adorerais, mais je pourrais pas. Il y a des ressources, il y a des vidéos. Je suis désolé, je ne peux rien faire pour toi. Rachid, à moins que tu... Ah, sinon, ce que tu peux faire, Rachid, bah, c'est te faire aider et suivre le programme avec quelqu'un, tout simplement. Et là, ouais, il y aura un truc vraiment très intéressant à faire, je pense. Donc, Rachid, ce que je te propose, voilà, vous voyez, je vous avais dit, mon truc à moi, c'est vous mettre en mouvement. Rachid, si tu es non-voyant, rejoins ce programme avec quelqu'un. Seul, tu ne pourras pas y arriver. Par contre, si tu décides de t'associer à quelqu'un, là, vous allez pouvoir faire de grandes choses. Nemri qui dit où se trouve l'offre, je vois pas. Nemri, tu cliques sur l'offre au-dessus du chat. Claudio, je ne vais pas passer par quatre chemins, l'offre est vraiment intéressante, mais 58 ans et deux enfants et le Covid, que je te propose sur 9 mois, je suis chauffeur de taxi à Genève. Merci de me confirmer, tu as fait super travail. Alors Claudio, sache que j'ai dans mes clients en fait un chauffeur de taxi à Genève, pour info, les clients seniors ont 62 ans et 63 ans, d'accord ? Il y a Michel qui vend un programme de formation pour lutter contre l'andropause et soigner la prostate, d'accord ? Il a 62 ans, 63 ans, et il vend avec des conférences, et il était nul sur l'aspect technique. C'est quelqu'un qui a été salarié toute sa vie, Michel, et qui aujourd'hui fait des conférences rentables, qui gagne sa vie grâce au framework millionnaire. Nemri, montre-moi où se trouve l'offre. L'offre, elle est au-dessus du chat, Nemri. Hamza, est-ce que tu peux envoyer un message privé à Nemri, lui donner le lien vers le bon de commande? Al, je suis déjà en formation pour adultes, je veux vous rejoindre votre programme, mais pas possible aujourd'hui car des examens de cela sont dans 2 semaines. Comment faire? Alors Al, on est en lancement là, d'accord? Et après je ferme les portes parce que pour pouvoir aider tous mes étudiants de manière efficace, forcément le nombre de places est limité, d'accord? Donc si tu veux rejoindre, si mon programme t'intéresse, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Parce qu'après, les portes ferment de manière indéfinie. Donc, Al, si tu veux, si vraiment tu es sérieux à gagner 10 000 euros par mois, à vendre ton savoir, à avoir de l'impact sur la vie des gens et dans la société, j'ai même envie de te dire, lâche les autres programmes et suis que le mien, très clairement. Et tu seras pas, tu sais quoi, tu seras pas le premier et tu seras pas le dernier à qui ça arrive. D'accord? Chat de retour, je suis convaincu, je voudrais rejoindre le programme. Le prix de cette formation est relativement faible, compte tenu du retour énorme. Ok. Chat, si tu demandes à en parler en privé, honnêtement, rejoins le programme directement. Franchement. Serge, bienvenue à toi. Henrik, pareil, assisté mineur, je suis désolé, je peux rien faire pour toi. Olivia, le fait que j'ai zéro ne me présente pas comme une excuse, je peux pas payer si j'ai pas d'argent. M'abandonne pas, je suis désolé. Olivia, je t'ai dit, j'étais comme vous, d'accord? J'étais vraiment comme ça. Je comptais les centimes pour acheter la bouffe, d'accord? Et je suis parti emprunter. Et après, je me suis défoncé, un truc de malade. Je me suis défoncé, justement, toute cette niaque, toute cette énergie, je vais vous la communiquer, je vais la partager avec vous dans le programme. Alassane, j'ai passé toute ma vie dans le bâtiment comme chef d'équipe. Ok. Tu as été grutier, tu as 60 ans, c'est vieux de travailler. Écoute, Alassane, tu vois, je pense que tu peux aider. En fait, si tu as travaillé sur des... Tu vois, tout ton savoir, en fait, tu as 60 ans de bouteille. Pour info, à l'époque où j'entreprenais en France, j'adore embaucher les seniors. Pourquoi? Parce que les seniors, ils ont plein d'expérience dans plein de métiers différents. Et ça veut dire que tu as beaucoup de savoir. Et demain, si tu as été artisan pendant 40 ans, bah, crois-moi, tu peux créer des formations, en fait, qui vont te permettre de... Tu peux créer des formations, en fait, Hassan, qui vont te permettre d'apprendre comment on fait les travaux, par exemple, tu vois. Ensuite, Henrik, j'aurais eu 2000 euros, je l'aurais pris directement. Tout simplement, payant plusieurs fois, Henrik. Aussi simple que ça. Donc, Serge qui dit, j'ai bien reçu la confirmation de commande. Bien joué, Serge, tu viens de commencer ta nouvelle vie. Benjamin, j'ai toujours... voulu avoir cette vie, devenir millionnaire, c'est pas une excuse, mais dans ma situation actuelle, c'est impossible pour moi de lâcher 600 euros par mois. Je suis vraiment frustré. Benjamin, franchement, emprunte, tout simplement. Et comme ça, tu seras à l'aise. Enrique, je ferai les efforts à la moindre formation. Ok. Mohamed, j'ai répondu. Anna, ça me demande le nom de ma société obligatoire. Alors, si tu n'as pas encore de société, Hamza,
Le champ société, la prochaine fois, mets-le optionnel. Anna, tu mets pas encore de société et voilà, c'est réglé. Et comme ça, tu peux finaliser le formulaire. Thierry, en gros, c'est quoi ce programme? Écoute, j'ai déjà expliqué, Thierry. Sinon, tu regarderas le replay de la conférence. Rachid, pouvez-vous me contacter en privé pour que je puisse bien comprendre, car suite à des problèmes de connexion. Donc, Rachid, c'est quoi? Tout simplement, demain, je vais vous envoyer le replay. Regarde le replay attentivement et si c'est fait pour toi, je veux que tu rejoignes le programme. Alors, Shanice, qui dit « Je veux rejoindre ton programme et je crois en ton opportunité, vu que je ne possède pas les moyens, que cette formation marche d'après tes propos, donc j'ai une proposition. Je pars de rien, je suis une étudiante. Voilà, ton texte est trop long. Donc, ma proposition, c'est de payer 20 euros. Désolé, Shanice, ta proposition est refusée. Dis-moi, ton école de médecine, tu payes 20 euros? Non, tu vois, c'est exactement la même chose, sauf que moi, je vais te rapporter plus que ton école, très certainement. Parce que encore une fois, je te dis, dans mon programme, il y a plusieurs doctorants et il y a des docteurs aussi en médecine. Anna, je suis en association, comment je fais? Tout simplement, tu vas passer en société. Maintenant, tu peux démarrer en association aussi. Mais honnêtement, moi, je te conseille de passer en société parce que c'est vraiment comme ça que ça marche. Al qui dit, si je n'arrive pas à continuer la formation et si je change d'avis, est-ce que tu vas me rembourser? Oui, dans les 14 jours, Al. Tout simplement, je t'ai dit, il vaut mieux hésiter à l'intérieur que hésiter dehors. Mais je sais très bien que tu vas rejoindre le programme, tu vas faire le module Mindset et en fait, tu vas tellement faire un shift que tu vas te dire, mais ouais, mais j'ai bien fait, quoi, très clairement. Mais voilà, 13 jours, 14 jours, satisfait, remboursé. Au-delà, par contre, c'est fini. Le but, c'est que tu fasses le job. Le but, c'est que tu changes de vie, d'accord? 14 jours, c'est largement de quoi te faire un avis. Al. Chat, je ne peux plus emprunter. Bah, je suis désolé, je ne peux rien faire pour toi. Olivia, est-ce que tout en étant entrepreneuse, je peux autre chose qui me plaît à côté? Car, par exemple, j'adore le cinéma. C'est ma passion, surtout les cascades, même si je ne sais pas encore en faire. Donc, est-ce qu'on peut concilier les deux? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, je vais te raconter une anecdote. Olivia, c'est que si ta formation par exemple c'est sur les cascades, peut-être que tu pourrais te lancer dans une formation comment devenir cascadeur. Et en fait, t'as pas besoin de t'inventer une vie d'expert, je suis expert machin. Non, c'est ton message, ça va être je suis passionné par les cascades et j'ai cherché à me lancer dans une carrière de cascadeur et je vous propose de vous apprendre ce que j'apprends moi-même pour me lancer en tant que cascadeur professionnel. On n'a pas besoin d'être expert, en fait. Tu as juste besoin d'avoir un chapitre d'avance sur tes clients. Aussi simple que ça. Al, qu'est-ce qui me garantit que tu vas me rembourser dans 12 mois? Alors, Al, je te sens trop sceptique, en fait. Tu vois, il y a des garanties dans les CGV, d'accord? C'est la loi. Tu as une garantie cette fois remboursée pendant 14 jours. Tu as une garantie que dans 12 mois, je vais te racheter, d'accord, ton système si tu as fait le job. Attention, c'est pas une garantie pour les carotteurs, hein. Il va falloir leur faire le travail. Faire le travail, c'est quoi? C'est créer ta formation, c'est créer ton marketing, c'est créer du contenu pour générer du trafic gratuitement, c'est faire des appels de vente, d'accord? Faut faire le job. Si tu comptes ne pas faire le travail, ne rejoins pas le programme. Moi, je te promets que si tu fais le travail, tu vas gagner 10 000 euros par mois. Si tu fais pas le job, si tu es dans un mindset, dans un état d'esprit, ah, je vais pas faire le job, je vais te demander le remboursement, ne viens pas, d'accord? C'est pas une garantie pour les carotteurs, c'est une garantie pour ceux qui se mettent en mouvement. Chat, je me moque de ce que je pense les autres, je n'ai pas peur d'apprendre, ok, rejoins le programme. Bonjour Rudy, il faut un budget supplémentaire pour la pub, Google, Facebook. Alors oui, il faut un budget supplémentaire, mais justement, il y a un bonus qui est fait pour te. Si tu n'as pas le budget pub aujourd'hui, si tu n'as pas le budget pour la publicité, c'est pas grave. Tu as la formation dans laquelle je vais t'apprendre comment faire tes premières ventes gratuitement sans la pub. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que en général, quand tu es débutant, tu n'as pas le budget pour la pub. T'es débutant, mais t'as le temps. Tandis que les professionnels, eux, ceux qui ont déjà du budget, bah, ils ont plus le temps, donc ils passent par la pub. Et donc moi aussi, au départ, je vous l'ai dit, j'avais pas de thunes. Donc je faisais du référencement Google pour faire mes premiers clients. Et mais j'ai toujours dit, même à l'époque où j'étais expert en référencement, que l'avenir, c'était l'achat pub. Pourquoi? Parce que dès lors que tu as du budget pub, tu as juste appuyé sur un bouton pour recevoir un trafic qualifié, illimité. Comme moi, aujourd'hui, tu vois, je ne me prends plus la tête à faire du contenu gratuit. J'achète de la publicité, ça va beaucoup plus vite. Donc l'idée, si tu n'as pas de budget pub aujourd'hui, c'est pas un problème. Tu rejoins le programme, tu vas bénéficier de la stratégie qui te permet de faire tes premières ventes sans publicité. Dès que tu fais tes premières ventes, tu gardes cet argent. Donc d'abord, par exemple, pour rembourser ton crédit, puis après, non pas pour t'enrichir, mais pour acheter de la publicité. Ainsi, tu vas pouvoir scaler et faire du gros volume et faire passer de quelques milliers d'euros à plusieurs milliers d'euros par mois.
Encore une fois, je vous rappelle, 10 000 euros par mois, c'est un standard chez moi, d'accord? C'est le minimum. Lège, est-ce que l'offre Remorque Millionnaire existera toujours, même au prix public plus tard? J'en sais rien. Honnêtement, c'est une offre limitée, Lège. Donc, c'est simple. Si tu veux vraiment changer de vie, si tu penses que je pourrais t'aider, si tu as envie que je t'aide, je veux que tu cliques sur l'offre et que tu rejoignes le programme maintenant. Tout simplement. Evis, est-ce qu'il y aura une rediffusion? Oui, s'il n'y a pas de bug, d'accord? On est en live, là. Et donc, souvent, il y a des bugs. Et si ça bug, bah, je pourrais pas envoyer le live. Claudio, oui, je suis OK avec toi. Impossible crédit pour moi. Je vais te payer, mais à compte sur mon offre. Je suis bientôt à la retraite et crois-moi. 9 mois, s'il te plaît, je suis prêt. Tu as connu la galère. Doute pas, accepte-moi. Non, Claudio, tout simplement, tu rejoins le programme. Tu connais mes conditions. 5 fois 597 euros ou 1 fois 1997 euros. OK. Chanice, je t'ai déjà répondu. Charles Moura qui demande si on parle portugais. Non, je ne fais pas portugais. Enrique, si tu as 18 ans au mois de mars, je suis désolé, si tu n'as pas 18 ans, je ne peux rien faire pour toi. Al qui dit, je veux rejoindre le programme, je suis intéressé pour la vente et le commerce, je n'ai pas de communication à vendre. Al, est-ce que tu peux préciser ta question, s'il te plaît? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Chat, je suis désolé, je ne peux pas t'aider plus. Ok. Donc, Al, vas-y, précise ta question. Je ne suis pas sûr de bien la comprendre. Voilà, on arrive à la fin de la conférence. J'ai répondu à toutes vos questions. Ça fait 3 heures qu'on est en live. Vous êtes encore... vous êtes encore plus que... Ah non, vous êtes 200 auditeurs encore en ligne. Et... Donc, maintenant, il faut vous poser la question, en fait. Vous devez faire un choix, en fait. Vous devez faire un choix, maintenant. Le premier, je vous l'ai dit, c'est ne rien faire et vous lancer seul. Dans ce cas-là, vous risquez d'échouer. Ou alors même ne rien faire. Et il n'y a rien qui va changer dans votre vie, en fait. Demain, vous allez vous lever. Votre quotidien sera toujours le même. Et vous allez continuer la même vie médiocre qui vous a amené à participer à cette conférence. Ou alors, vous pouvez... chercher des solutions et vous mettre en mouvement en rejoignant le programme. J'ai un cadeau pour vous. En fait, attendez, je vais éteindre les spots parce que là, je commence à avoir trop chaud. J'ai vraiment très, très soif aussi. En fait, j'ai un cadeau pour vous. Ce cadeau, c'est quoi? C'est tout simplement de vous permettre de vous engager. De vous permettre de vous engager à faire les efforts, à changer de vie, à vous mettre en mouvement. Que ce soit que vous régliez en une fois, que tu payes en une fois, je vous emmène avec moi. Tiens, ça va être marrant. Attendez. Hop. Comme ça, je vais vous faire visiter la maison pendant qu'on va continuer de causer. Il faut juste que je fasse quelques manips sur mon PC. Je fais comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, hop là. Voilà. Ah, zut, attendez, j'ai un problème. Partez pas maintenant, hein. Zut, j'y arrive pas. J'ai tout cassé, attendez. J'ai tout cassé. Ok, c'est bon. Donc, ce que je vous disais, c'est que mon cadeau, en fait, c'est de vous permettre de vous engager. 1997 euros ou 5 fois 597 euros, je sais que ça représente un investissement, que pour certains d'entre vous, c'est beaucoup d'argent, mais c'est que dalle à côté de ce que vous allez gagner plus tard. Et même, tu vois, demain, tu empruntes pour rejoindre le programme, c'est un engagement très fort de ta part, justement, à changer de vie, parce que tu n'as plus le choix après si tu fais ça, tu vois. Et voilà, vraiment, j'insiste, c'est un cadeau qui vient du cœur. Mon cadeau, c'est de te permettre de t'engager maintenant. Ah, c'était pas prévu. Voilà, là, il y a ma femme et ma femme de ménage. Ma femme et ma femme de ménage, ça va bien, ça. Ouais, donc, mon cadeau, c'est de te permettre de t'engager. J'ai une question à te poser. Que va-t-il arriver si rien ne change?
Tu sais déjà, parce que je vous ai posé la question justement dans les sondages. Si rien ne change, bah, tu risques de continuer de galérer, puis tu vas continuer de rêver en regardant YouTube, Instagram. Tu peux m'apporter un café, Nabil Sobe? Tu vas continuer de rêver en voyant tes influenceurs préférés sur YouTube ou sur Instagram vivre la vie de leurs rêves. Tandis que toi, bah, t'es spectateur. En fait, t'as le choix. Soit tu peux être spectateur, soit tu peux être producteur. Et c'est un choix, d'accord? Encore une fois, moi, je vous rappelle, à l'époque où je me suis lancé, j'étais dans la merde, quoi. Vraiment, dites-vous bien, je me fais couper l'EDF, je n'arrivais pas à payer mes factures d'électricité, alors que j'avais des biberons à chauffer. Il n'y avait pas pire que moi. Mais voilà, au lieu de me trouver des excuses, de dire « Ah, j'ai pas ci, j'ai pas ça », j'ai arrêté de me trouver. De toute manière, j'avais pas le choix, en fait. J'avais pas le choix, il fallait que je le fasse pour mes enfants. Et j'ai envie de dire, si toi aussi tu as du mal à trouver du courage dans ce schéma où tu te trouves des excuses, justement, bah, si tu as peur de t'engager pour toi-même, engage-toi pour ce que tu aimes, tout simplement. Voilà, je pense avoir terminé ma présentation. Alors attendez, tac. On va se quitter. Hamza, tu peux, si vous voulez télécharger les slides, je vous les avais promis, notamment si vous voulez travailler sur votre Ikigai, vous allez pouvoir le faire. Hamza, tu peux activer la notification, s'il te plaît, qui va apparaître sous le chat pour permettre à tous les participants de pouvoir télécharger les slides. Dernier appel à l'action, vous êtes encore 200 connectés. Si vraiment tu veux changer de vie, si tu en as marre de ton quotidien, si tu en as marre de galérer, si tu en as marre de devoir te contenter, de devoir souffrir parce que tu manques d'argent, si tu en as marre de ne pas pouvoir partir en vacances, si tu en as marre d'être dans le flou sur ton avenir parce que tu ne sais pas ce qui va se passer, si tu en as marre de rêver et que tu es prêt à te donner les moyens pour vivre la vie de tes rêves, je veux que tu cliques sur l'offre et je veux que tu rejoignes mon programme de formation parce que très clairement, ça va changer ta vie. Aujourd'hui, tu galères. Aujourd'hui, peut-être que tu trouves pas le sommeil. Aujourd'hui, peut-être que tu es inquiet. Aujourd'hui, peut-être que tu galères pour faire les courses. Demain, si tu rejoins le programme, si tu deviens instoppable comme tous les clients que j'accompagne, si tu fais le job, si tu as de l'impact sur la société, déjà, tu vas être heureux. Tu vas te sentir mieux. Et en plus, tu vas gagner autant d'argent que tu as d'impact. Voilà. Encore une fois, si tu trembles, si tu as peur, si tu hésites, c'est normal. D'accord? C'est normal d'avoir peur. Et si ça te fait peur, bah, c'est que c'est ce que tu dois faire, tout simplement. Te mettre en mouvement. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a un proverbe qui dit, qui va te rendre la vie meilleure ou plus facile se trouve dans les actions qui font peur. Et donc si ça te fait peur de rejoindre le programme, tout simplement, c'est qu'il faut que tu le fasses, que tu le rejoignes. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais j'adore ce proverbe. Si tu veux des choses que tu n'as jamais eues, alors il faut faire des choses que tu n'as jamais fait. Encore une fois, je sais que c'est pas facile de faire cet investissement. Je sais que ça représente de l'argent. Je sais que ça fait peur. De toute manière, je vous rappelle que c'est moi qui prends tous les risques. Votre place. Hamza, je ne sais pas si tu as envoyé la possibilité de télécharger les slides. Dans le chat, s'il vous plaît, notez-moi, dites-moi. Ah, j'ai mon PC qui bug. Notez-moi dans le chat, s'il vous plaît, si vous avez pu télécharger les slides. Regardez, il y a une notification normalement sous le player. Dites-moi si vous arrivez à télécharger les slides. Moi, j'ai mon PC, il n'en peut plus, là. Ok, je vais regarder ce qui se dit dans le chat. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai beaucoup de gratitude pour vous. J'ai beaucoup de gratitude pour la confiance que vous m'accordez. Bravo à ceux qui nous ont rejoints. Je regarde les derniers messages que vous avez. Claudio, est-ce que je peux faire par virement bancaire? Claudio, tu peux régler par virement bancaire si tu payes en une seule fois.
Shanice, si je paye, est-ce que je peux commencer en mai? Oui, Shanice, tu peux commencer quand tu veux. Il n'y a pas de souci, en fait. Lionel, je n'ai pas de carte de crédit. Je peux payer comment? Bah, tout simplement, tu peux payer par virement. Charles Mourad, quand je peux faire le virement, le paiement? Bah, j'en sais rien maintenant, par exemple. Al, est-ce que votre formation est plus spécialisée dans la vente de coaching ou plutôt à nous former pour y avoir des sites de vente? Al, ma formation elle est spécialisée pour vendre son savoir. Et si tu vends ton savoir, tu vas pouvoir le vendre à travers des formations en ligne, des formations en live, à travers des séminaires, à travers des masterminds, à travers du coaching. D'accord? Et ça marche vraiment pour absolument tout, 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 sans exception. Donc, confirmez-moi s'il vous plaît, est-ce que vous avez bien la notification sous le player pour télécharger les slides? Comme ça, j'attends de voir vos réponses. Et si oui, bah, je vais pouvoir mettre un terme à cette formation, enfin à cette conférence. Ok, bon, j'ai mon PC qui en peut plus. Merci à tous. Je vais essayer d'envoyer les replays si tout fonctionne bien. Merci encore pour votre attention. Merci d'investir ce temps sur vous, d'investir aussi bah, les finances aussi pour ceux qui ont rejoint le programme, pour les chanceux et les intelligents qui ont rejoint le programme. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.